Bonsoir, bonsoir. Ça marche moi hein installez vous Pénard. je vérifie mes dernières notes alors est ce que ça c'est Pas mal, ouais, comme ça, je pourrais aller et venir et euh, alimenter le flux. C'est une excellente idée. Mais je vous laisse vous installer, ça va pas tarder à commencer. Il y a quelques préparatifs à faire. Déjà, ce serait peut-être bien que j'ai les bonnes lunettes. Est-ce qu'elles sont bien celles-là pour voir mon texte je le ferai correctement? Ah bah là c'est un peu mieux. Est-ce qu'il y a du son d'ailleurs Je n'ai pas vérifié le... L'entrée son, voir si ça allait à peu près. Ouais, on dirait. Ça réagit à peu près normalement. Donc. Normalement, il y a ce qu'il faut. Salut Clint, comment tu vas Comment vas-tu Clint Tom. Écoute, euh, ça pourrait être pire. malheureusement, bah on va dire ça. Non, je suis plutôt pas mal préparé. J'ai euh Trouver des images assez belles, des textes plutôt rigolos à vous lire en plus, histoire de dériver un peu, de ne pas se tenir juste au texte de Sandal, mais euh, s'offrir un peu de digression. Je crois même qu'on va commencer par la digression, ça pourrait être assez marrant. Ouvrir par ça. Euh, par contre, la caméra tremble vachement. Vache Je sais pas pourquoi. C'est dû à quoi ça Est-ce que c'est parce que ça, ça bouge derrière elle temps que j'ai l'impression qu'on est en train de regarder le live depuis un bateau, genre. hein C'est terrible. <laughs> Vous allez dégueuler pendant le live si ça continue comme ça. Je suis désolé, hein. C'est euh, la caméra euh, supérieure, là, là, comment, euh, la raseur La Je crois que le fil doit faire contact avec. Euh... Ouais, ouais, ça tremble. <laughs> Avec la table, donc dès que je bouge un peu, c'est. Bon, écoutez, on va avoir un peu l'impression que... que je fais un live en pleine mer. Désolé pour ça, les gens. Alors, le texte 8, il est là. installer peinard hein. je vais pas tarder à commencer c'est dans quelques minutes moi je suis trop tôt comment moi je trop tôt je suis trop tôt il faut pas oui il faut 3 heures de séchage pour ouais. le vernis je crois hein. hmm. ça devrait être bon pour demain 16h ah, bah super on va pouvoir faire des tests son et caméra donc tu prévoiras bien une cam qui puisse occuper la moitié de l'espace visuel et ça va être très bien. Donc euh, l'idée c'est euh, viser sur tous les mains j'imagine ou quelque chose comme ça ou un espace de travail un peu joli. Ça peut être polycaméra caméra comme pulsant quoi. Le principal c'est que ça offre la moitié d'un espace de 1280 par 720. Donc voilà, Donc, on va faire des tests ce sont les gens. Pour essayer de faire un concert un de ces quatre avec Clint à distance. On va voir si ça marche bien. Ce serait chouette, non Ce serait plutôt euh, amusant. Alors, hop, hop, hop. Voilà, normalement, on se voit. Bon bon, je vous laisse encore vous installer quelques minutes. Voilà. Donc, on va poursuivre ce soir le travail sur Baxendal. Je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas si vous avez suivi les, les lives précédents. Mais en tout cas, on va enchaîner un petit peu sur ces lectures euh, au long cours. Je crois que c'est la septième ce soir. Salut à toi. Salut à toi, Flibiding, Bienvenue à bord. Donc, ouais, je ne sais pas euh, où on en est. À mon avis, euh, c'est le septième. Bon, évidemment, on peut suivre euh, sans difficulté. C'est sûr que c'est mieux si on s'est tapé les autres lives, parce qu'il y a des trucs qu'on a déjà déchiffré, euh, pardon, défrichés, et euh, qu'on ne va pas revoir. Euh... <coughs> Est-ce qu'on était au point Je ne vais pas au niveau du son, Clint, on n'avait pas testé ça. L'image, ça marchait à peu près pour la répartition, mais euh, la possibilité de capter un son bien équilibré à deux, c'était raté. Donc euh, il faut utiliser euh, d'autres sources de son de mon côté, et c'est ce que je vais faire. Ah non, on n'était pas du tout au pont, Clint, bravo, alors oui, t'en as raté beaucoup, je ne te félicite pas, <laughs> tu fais de l'humour, on douille, oui, donc euh, le dernier, c'était Chardin, on a fait un long, long passage sur Kahnweiler euh, et le portrait de Picasso par Kahnweiler, qui était assez passionnant, par ailleurs, la jeunesse du cubisme, euh, qui était euh, a priori pas forcément un moment de l'histoire de l'art qui m'intéresse plus que ça, J'ai même que j'aurais un peu tendance à m'en foutre, mais euh, l'approche de Bacindal est ingénieuse, assez riche. On a loupé qu'un ou deux en fait. Ok. Donc en, dans le, la, la longue série de, de ces lives, effectivement, on a ouvert euh, le, li Alors, le livre que nous sommes en train de lire. C'est ça. Hein. Ces formes de l'intention de Michel Bacindal. On a déjà pas mal avancé. On est à bien plus de la moitié. Donc, ça veut dire que ça veut dire qu'on on, on a déjà lu ensemble 170 pages. C'est quand même pas rien. Hein. Et on a pu comme ça suivre d'abord effectivement un travail assez passionnant sur euh, la construction d'un pont sur le force. Euh, après quoi nous avons euh, suivi euh, l'histoire de l'invention euh, du cubisme avec Picasso. Et notamment euh, le, le type de relation que le cubisme supposait entre à la fois euh, le, le travail pictural et euh, les objets dont la peinture s'empare pour les peindre. Hein. Donc vraiment des relations aux objets mais aussi les relations... Euh, social, le regard historique que les artistes avaient sur eux-mêmes, leur projection dans leur cadre social, politique, poétique. Après quoi on est passé à Chardin. Et là, c'était la dernière partie qui était assez passionnante. C'était d'essayer de comprendre quelque chose de euh, la configuration intellectuelle et scientifique surtout d'une époque. À savoir essayer de voir euh, <laughs> ensemble, en tout cas avec Baxendale, euh, ce qu'un artiste une à l'articulation du XVIIe-XVIIIe 18e siècle, XVIIIe 18e siècle pour, pour Chardin, qu'un artiste pouvait euh, faire vivre des théories euh, scientifiques de son siècle, notamment celles qui sont liées à l'optique, donc il concerne le premier chef. Par quels moyens euh, la peinture pouvait rendre compte de euh, ces perspectives-là et en quoi la peinture pouvait être touchée dans euh, son horizon même. Euh, par ses découvertes scientifiques on a, ou les hypothèses philosophiques qui souvent d'ailleurs ont un peu tendance à se superposer. Le cadre dans lequel on examinait euh, ces plans de coupe entre euh, le monde de la science et le monde des arts, c'était celui du loquisme, c'est-à-dire le, euh, les recherches, en... <coughs> Comment de... les propositions théoriques de Locke sur euh, la connaissance, sur sa théorie de la connaissance, euh, re, dont le, le caractère principal est une position empiriste devant la connaissance, c'est-à-dire euh, un rapport euh, qui se constitue essentiellement de l'expérience sensible pour euh, supposer construction du sujet. C'est assez intéressant d'imaginer. Enfin Baxendal essaie d'imaginer en quoi cette façon de, de penser la connaissance, cette façon de se grandir soi-même dans le monde des choses par cette espèce de rapport un peu impressionniste aux objets du monde, eh bien, en quoi ça pouvait déplacer complètement les relations à l'objet du tableau. Ce qu'est l'objet d'un tableau à tel ou tel moment de l'histoire, dans tel ou tel cadre théorique. Et voir comment finalement euh, la recherche d'autres points de vue pour la représentation <coughs> pouvait complètement changer le, le statut d'objet du tableau. En l'occurrence, Baxandal en arrivait à, à mettre en lumière le, le déplacement assez considérable qui pouvait exister dans la peinture de Chardin entre l'intérêt qu'on pouvait porter à l'objet que l'on peint et euh, au contraire, ou plutôt à la place l'intérêt qu'on pouvait porter à l'expérience elle-même du regard du point de vue subjectif du sujet en train, en train de regarder comment le tableau en quelque sorte au lieu d'être la représentation d'une situation ou la représentation d'une idée notamment à partir du moment où l'idée change de statut eh bien pouvait être la représentation d'une expérience sensible et que la peinture pouvait peut-être rendre quelque chose, rendre euh, perceptible, rendre euh, intelligible une expérience sensible. Voilà, c'est un peu ça qu'on a essayé de voir ensemble. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de Chardin, on ne va pas parler de Locke, on va aller euh, dans d'autres directions cette fois-ci. On ne va pas poursuivre euh, dans la direction, enfin, je ne crois pas, de l'expérience empirique de Locke et euh, des plans de coupe avec les sciences. Je crois qu'on va ailleurs. Le titre du chapitre qu'on va lire, c'est euh, Culture, Autre et Vérité, le baptême du Christ de Piero della Francesca. Ça veut dire que notre accompagnateur, cette fois-ci, ça n'est ni Chardin ni Picasso, mais euh, Piero della Francesca. Donc euh, de celui-ci, nous avons déjà un peu parlé ensemble, je crois. Euh, c'est un, un peintre qui est né à Borgo San Sepolcro. Alors c'est. Ça peut paraître anecdotique de le... Ah, attendez. J'ai un son qui sort et qui ne devrait pas sortir. Ah, je comprends. C'est mon téléphone, je vais le couper. Est-ce que tu peux me mettre plus loin <laughs> Voilà, voilà. C'était un peu bizarre. Je comprenais pas la sortie du son. Salut à toi, Shroom fait Donc qu'est-ce que je disais euh... Pourquoi euh, cette petite euh, cette remarque sur le lieu de naissance, qui euh, jusque-là il est insignifiant, en général on s'en fout de, de savoir vraiment avec exactitude euh, l'endroit le, où sont nés euh, les artistes dont on parle, c'est important de savoir bah, euh, au moins artistiquement dans quel cadre ils se sont formés, s'ils ont exercé à Sienne, à Florence, à Venise, mais au fond leur lieu de naissance ce n'est pas le truc le plus important. Mais pour euh, Piero, c'est important parce qu'il y est resté beaucoup dans son bled. Euh, donc le bled, il est au sud-est de Florence. Euh, je crois que je vous ai euh, chopé une image d'ailleurs, pour qu'on voit un petit peu euh, où est né euh, notre ami. Voilà. Alors euh, voyons ça ensemble. Donc euh, vous situez un tout petit peu, c'est-à-dire qu'à la fois euh, il est hein, dans, le, dans le coin... Euh, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Il est, vous voyez, tout près de, de Florence, donc il est tout près d'un grand centre historique, euh, intellectuel et artistique, mais il n'y est pas vraiment. Il est déplacé euh, à l'est, au sud-est. C'est là que ça se trouve, Borgo San Sepolcro. Et euh, la ville la plus proche, ce n'est pas Florence, la grande ville, c'est une autre ville hein, où il a fait des très très belles choses, c'est euh, Arezzo. À Arezzo, vous verrez le plus impressionnant cycle de fresques de Pierre de la Francesca. C'est le cycle de fresques de la légende de la vraie croix. Donc, légende de la vraie croix décrite par le menu dans la légende dorée de Jacques de Voragine. Je crois qu'on a parlé assez souvent de Jacques de Voragine ensemble, mais bon, si vous avez des questions, hein, euh, des précisions à cet égard à me demander euh, sur euh, des objets culturels qui vous seraient euh, peu ou mal connus, euh, évidemment, à chaque fois on peut revenir dessus, hein, c'est pas quelque chose qui me pose problème si euh, vous voulez savoir plus, mais en tout cas, sachez juste pour l'instant que le, la, la pièce maîtresse, une des pièces maîtresses de euh, l'œuvre de Pierrot, c'est ce cycle de fresques, Légende de la Vraie Croix, qui. Euh, par le menu et de façon très brillante, très intellectuelle, suis salut à toi Solarius, suis cette, euh, cette extraordinaire invention de la vraie croix, invention au sens découverte de la vraie croix, hein, euh, tout au cours de son histoire supposée, son histoire mythique, depuis euh, l'arbre du bien et du mal duquel on aurait prélevé le bois, et donc toute l'histoire constituerait comme ça une espèce de traversée euh, euh, complète de la Bible pour euh, aboutir à, au lieu du sacrifice. Non, pas de chapeau aujourd'hui, cela. Euh, J'ai failli, je m'étais mis un petit chapeau au début, je me suis dit, bon, on ne va pas faire ça tous les jours, ça va finir par être ridicule. Et puis euh, j'avais là, la surprise, comme ça. Donc notre ami euh, Piero, et euh, ça compte euh, aussi le, le fait qu'il soit... Euh, Comment rester beaucoup dans son bled, parce que si on en croit euh, ce qui se dit euh, par exemple dans, dans ce livre-là, qui est assez intéressant. Alors, cette collection, plutôt bon marché, euh, c'est une bonne base pour vous constituer une euh, bibliothèque d'histoire de l'art euh, pas trop chère et assez chouette. C'est une collection de livres italiens, donc vous les trouvez évidemment en italien avant toute autre chose, mais euh, il y a quatre ou cinq langues euh, dans lesquelles ces livres sont traduits. Et notamment le français. Donc, ils sont traduits généralement en anglais, en allemand, en français, en japonais, en espagnol. Voilà. Donc, celui-ci, j'en ai une version française. C'est la collection des, des livres publiés par les éditions Scala. Euh, ce sont des. Enfin, le rapport qualité-prix est assez fou. Hein. C'est des bouquins qui coûtent entre 11 et 12 euros, je crois. Et ils sont très richement illustrés. La qualité des reproductions est assez étonnante pour euh, des livres bon marché. Le texte est généralement de bonne qualité, donc je ne peux que vous encourager à vous encombrer de la collection Scala. Il y a une euh, vingtaine ou une trentaine de titres euh, qui recouvrent. Salut à toi, Lucie. Qui recouvre euh, euh, une petite partie. Euh, je crois qu'il doit y avoir un, un Chimabue, mais après, bon, on est surtout dans le Quattrocento. Hein. Quattrocento, Cinquecento, et euh, je crois que c'est tout. Donc en gros, les deux périodes importantes de la Renaissance, euh, la Première Renaissance, euh, la Renaissance articulaire florentine jusqu'au maniérisme euh, 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 du 7e. Donc c'est... Ouais. Merci Agnès qui me ramène ceci, qui n'est pas inintéressant par ailleurs. Scala pour, euh, ce cas là pour... Nous, comme on est des obsédés, on a à la fois toute la collection de, de ces livres-là, mais euh, on les a aussi en petit. Pour les voyager. Voilà. Comme ça, on peut partir avec les œuvres complètes. Ce là a réuni ces livres-là en tout petit. Là aussi, c'est plutôt livres bon marché. Cette espèce de monstre-là, ça vaut 20 balles. Et il euh, y a peu d'accompagnateurs. Hein, vos... Si vous voulez vraiment vous ouvrir à l'histoire de l'art italien, euh, très, très, bonne... très très bonne série de livres. Et surtout, un travail de reproduction excellent. Voilà, donc je vous invite à vous encombrer de ça. C'est quand même plutôt une réussite les bouquins Scala. Donc si on en croit l'ouverture de, de Scala, euh, la présentation, ce qui est dit ici. La littérature artistique de l'époque ne rend certes pas justice à l'importance que l'œuvre de Piero della Francesca dans un contexte aussi varié et complexe que celui de l'art italien. Sans doute le fait que Piero passa de longues périodes de sa vie à Borgo San Sepolcro, où il naquit et travailla de façon presque constante, loin d'un centre littéraire et artistique comme Vierens, explique-t-il cette absence d'informations, ce silence qui, à part quelques exceptions significatives, entoure son activité Voilà. <laughs> Donc, euh, salut à toi, Claire ça veut dire euh, que c'est pas, pour une fois, pas anecdotique en tout cas de, de, de parler de son lieu de naissance, parce que ça nous parle aussi de la relative discrétion de Pierrot, malgré son importance considérable. Donc, c'est un, un peintre brillantissime, c'est aussi un, un intellectuel. Euh, Brillant, il a une, une approche, vous savez, c'est la première période, Alberti, Uccello, qui, où les, le rapport à la science mathématique, à la géométrie, va nourrir, va féconder la pensée de la peinture et son organisation théorique. Hein, vous voyez ça beaucoup dans, par exemple, ceci. Euh, dont vous pouvez désormais vous encombrer, puisque depuis quelques années, maintenant, euh, les éditions Alia ne publient pas seulement des livres euh, politiques, mais ils ont euh, énormément agrandi euh, le champ éditorial de, euh, de leur production. Donc à partir de là, vous pouvez commencer à vous procurer des, des dessins d'Alia aussi dans des domaines euh, divers, et notamment euh, ceux de l'histoire et de l'histoire de l'art. Donc il y a de très belles choses là-dedans, on y trouve même du Warburg, quoi. enfin c'est vraiment assez excitant, et vous trouvez notamment le dépictura de euh, Alberti. Donc, c'est un livre important, c'est un, un livre fondateur de la théorie artistique de la Renaissance. C'est un bouquin du 15e siècle. Il est très chouette, mais en plus, c'est très joliment mis en page et ils l'ont joliment illustré. Donc, ça va en fait un petit bouquin euh, à posséder. Et pareil, un très bon achat, ça vaut 9 balles. Et c'est. Euh... C'est presque un impératif catégorique d'avoir ça dans la bibliothèque de quiconque veut commencer à se pencher un petit peu sur l'histoire de l'art, notamment évidemment l'histoire de l'art italien. Donc pourquoi je disais ça Je disais ça parce que Piero, euh, comme quelques grands artistes de cette première Renaissance, va, euh, comment on va se pencher sur la science géométrique, la science mathématique. Euh, il fait partie donc de ces peintres intellectuels euh, à la peinture assez savante. Alors, euh, leurs réflexions peuvent aller comme ici dans cette extraordinaire Madonna del parto euh, vers une réflexion théologique. Après tout, les, les peintres de cette époque et les suivants enfin pendant quelques siècles les, les peintres je dirais en exagérant la peinture est une des branches effectives de la théologie pendant quelques siècles. Donc les peintres sont aussi des théologiens. Voilà je vous évoquais le cycle de la vraie croix euh, à Arezzo, ça, ça fait partie hein, de, de ce cycle de fresques qu'on qu voit là, par exemple. Euh, ça, voilà, c'est à San Francesco. Tout, tout, toute l'histoire que vous voyez là, il y, a, il y a la bataille de Constantin et Maxence, par exemple, ici, c'est le moment où, où Constantin va voir apparaître dans le ciel le, le, le signe par lequel il est invité à, à se battre au nom de Dieu, euh, le fameux Labarum. Bref, euh, cette histoire assez ahurissante, euh, là on est à la découverte de la vraie croix, et, euh, est un cycle somptueux, très intelligent. Il y a une, une lumière euh, intellectuelle de Pierre de la Francesca qui mérite vraiment qu'on qu s'arrête euh, longuement devant son œuvre. Hein. Et pour vous parler de, de Pierrot, au lieu de vous faire l'article à titre purement personnel, j'ai pensé, enfin, je veux dire, c'est pas ce que je fais, à titre purement comment, documentaire et chiant, euh, euh, j'ai pensé faire quelque chose d'un peu plus personnel. C'est euh, à la fois vous lire, parce que je vous parle souvent des livres fondateurs de l'histoire de l'art, et je vous parle donc évidemment de Alberti, mais aussi de Giorgio Vasari, euh, et bien on peut lire tout simplement l'article que Vasari avait consacré. À Pierrot de la Francesca. Comme ça, on va faire d'une pierre deux coups. Et après quoi, je vous lirai un petit texte personnel sur un tableau de Piero de la Francesca. Comme ça, on, on aura, euh, on aura abordé de façon très différente de d'habitude. Je sais que c'est bizarre de commencer par, euh, comment par, euh, par de la digression, mais je trouvais ça assez cool de, puisqu'on va beaucoup parler de Piero et que c'est l'objet cette fois-ci de de Sandal, Et b. D'aborder autrement, différemment, par d'autres biais, la, la vie d'un peintre euh, par quelque chose d'un peu moins scolaire. Donc, je vais vous lire euh, un extrait de, rapide, parce que c'est très court, hein, les vies de, de Vasari. Euh, je vous parle aussi beaucoup de l'art italien. What? What? <laughs> Bravo, hein, Solarius. Carambeau. Donc, qu'est-ce que je disais euh... Donc, Vasari fonde plus ou moins en discipline euh, l'histoire de l'art, en tout cas en Italie. Il sera suivi très près d'ailleurs par la suite par euh, Francescus Junius, je crois que j'en je ai parlé souvent aussi. Euh, Francescus Junius, c'est un peu le pendant, un tout petit peu plus tardif, euh, pour le nord de l'Europe de d'éviter de, de Vasari. Je, je vous le montre parce que euh, comme il est moins, euh, moins commenté, moins connu, bah vous, vous pourriez complètement passer à côté de l'existence de ce mec qui est absolument passionnant. Euh, ça, c'est publié par Droz, c'est le premier volume donc, de De pictura Veterum, de la peinture ancienne si vous préférez. Et les textes de, de Franciscus Junius viennent compléter assez joliment finalement tout ce que le, le Vasari a pu faire. Hein. Euh, je ne sais plus quelles sont les dates euh, auxquelles... Voilà, c'est un siècle après euh, où Franciscus écrit ça. Donc, bref, on revient à, à Vasari. Il va... Incarner, d'une certaine manière, la renaissance, puisque c'est lui qui va donner son nom, enfin, qui va inventer ce concept. L'idée selon laquelle il y aurait une renaissance, dans quelque chose de mort qu'il faudra absolument faire renaître. On entend par là euh, tout un passé glorieux euh, de, de l'Antiquité euh, à retrouver sous la couche épaisse, un hein, Moyen-Âge qui aurait, euh, d'une certaine manière, euh, éteint euh, les savoirs et, et la création. Évidemment, ça n'est pas vrai, mais, euh, euh, Vasari a tout intérêt à faire exister ce mythe, à le faire apparaître. Bon, ce qui est plus dommage, c'est qu'on s'y soit accroché et, et que pendant si longtemps, on ait accepté euh, l'idée de la Renaissance comme une espèce d'évidence, c'est-à-dire l'idée d'une mort qui la précédait. Tout gérerait-il que par cette énorme euh, série de volumes, alors là, c'est juste les vies des peintres en plusieurs volumes hein, aux, aux belles lettres il y en a pour les architectes et pour les sculpteurs. Hein, euh, toujours est-il que euh, même si on peut avoir beaucoup à dire sur euh, <coughs> comment le caractère abusif là, par lequel Vasari va imprimer euh, à l'histoire sa vision de l'art, évidemment extrêmement recentré autour de ce qui se passait à Florence, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un petit peu toscano centré. Euh, mais il y, y a un objectif, il y a une vision, il y a une visée. Est pas, Il y a des enjeux aussi au XVIe siècle. Donc, là, quand Vasari a écrit sur, euh, sur notre ami pierre la Francesca, euh, beaucoup de temps s'est passé. Euh, un siècle et demi s'est passé, à peu près. Hein. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Euh, avant... Donc il y a quelque chose à intégralement constituer, d'une certaine manière, d'une un, généalogie mythique. Et quand Vasari a inscrit dans son histoire de l'art des figures, des personnages, des tableaux, des discours, des, des fresques, il le fait avec cette, cette vision, cette construction euh, euh, toscano-centrée, d'une certaine, certaine idée d'un foyer intellectuel et, et artistique indépassable, qui serait un, un, très directement tracé depuis l'Antiquité jusqu'à son siècle. Voilà. Le mode de travail de Vasari peut vous sembler étrange aujourd'hui, mais il ne l'était pas à l'époque où l'écrivait. En fait, si vous avez suivi d'autres lives où je vous ai parlé de Pline l'Ancien, au fond, il s'inscrit dans cette tradition historiographique qui consiste pour rendre sensible une histoire et B de faire vivre ses acteurs. C'est-à-dire de, de rendre présent les, les peintres en racontant leur vie et, et des tas de foutues anecdotes. Donc il y a beaucoup d'anecdotes, évidemment, dans les vies des peintres de Vasari. Souvent, pour de tel ou tel peintre, eh ben, on n'a rien d'autre à se foutre sous la dent. Hein. Euh, Est-ce qu'il était beaucoup lu Oui. Enfin, là, il, vraiment. Alors, il était beaucoup lu au moment où il écrit. Vasari est un mec hyper important à Florence. C'est un homme euh, qui est sollicité pour sa peinture, pour euh, bah, tu vois, par euh, il est sollicité pour son ar œuvre artistique. Et dès l'instant où il fait ce coup de force, il crée vraiment un axe quoi de réflexion pour son siècle. Il va être aussi important, je pense pour euh, pour le, le la, comment la fin de la Renaissance, pour cette période maniériste que Marcile et Marcile Ficino, l'aura été, tu vois, un siècle auparavant. Enfin, je dis un siècle, je ne sais pas quel est l'écart. Je ne vais pas vous dire de, trop de bêtises pour les dates, parce que ce n'est quand même pas ma spécialité, je vous invite quand même à être un peu plus précis. Je suis à, au clair sur la succession, c'est-à-dire l'ordre le, le, dans lequel apparaissent ces textes et ces œuvres. Le vrai écart, euh, voilà, je ne suis pas à 10 ans près, bah, bon, parce que je ne pense pas que ce soit toujours si, euh, comment, si pertinent, euh, sachant que on a une vision souvent un peu ramassée de la question de, de la durée. Or, déjà, parler de la vie d'un artiste, tu vois, en, en le, le, le situant... Très précisément à tel moment, c'est compliqué. Tu as des œuvres qui sont extrêmement longues, euh, comme bah, celle de Raphaël ou, ou celle de Michel-Ange. C'est des vies qui durent, quoi, qui s'expriment dans la durée, comme euh, le Perugino aussi. Alors, des le Perugino, il bouge pas trop. Une fois qu'il a trouvé sa petite machine, il roule sur lui-même, etc. Mais, par exemple, son élève, euh, Raphaël, il y a dix œuvres en une quoi donc c'est compliqué de dire voilà telle période ceci cela c'est mieux de travailler avec des grands tableaux synoptiques où on peut comme ça comparer comme je vous l'avais fait pour d'autres lives euh, comparer les villes les endroits où elles se croisent hein, les, les plans d'intersection entre elles euh, donc, qu'est-ce que je disais par rapport à Vasari Oui, il est, il, est, il est lu, il est écouté, il est important, mais surtout, il va être lu encore plus par la suite, Lucie. Ça, ça va devenir la clé de voûte, finalement, de toute la discipline histoire de l'art. Et c'est vrai jusqu'à très loin dans le XXe siècle. L'idée, finalement, de, de réformer la vision vasarienne de la Renaissance, elle apparaît assez tardivement, elle va trouver son, le, le balbutiement de son histoire avec euh, la discipline, avec l'iconologie euh, de Warburg et ses potes. On va commencer à regarder autrement cette question quand on va matiner l'histoire de l'art, bah, de sociologie, d'anthropologie, euh, s'intéresser à d'autres types de faits, Alors, ça va changer pas mal de trucs. Alors tu as les dates exactes, Donc notre Vasari c'est 15... ouais, 16e, bien 16e, c'est vraiment on est en... est le grand boom du maniérisme florentin, et il meurt à la ouais, dernière écart du 16e, et Pierrot c'est 1412, donc je vous avais dit début 15e, donc c'est ça. Et il meurt à la fin du 15e siècle. Donc voilà, il y a quand même un, un bel écart en, en, entre ces deux-là. J'avais dit un siècle et demi, bon bah c'est un, un peu moins, en fait. C'est juste un siècle. Bah pour les dates de naissance en tout cas. Donc quand Vasari écrit sur euh, Pierrot, comme on n'a pas tant que ça de doc, je ne sais pas sur quelle base il travaille, mais euh, j'aurais-t-il qu'il va nous fournir quelques euh, pièces dont on ne sait pas trop. Euh, bon... Sur quoi il va... Euh, lui-même pouvoir bosser pour se renseigner précisément, vu que bah, notre ami Piero della Francesca a plutôt une vie très discrète. Voilà, C'était un artiste qui vit un peu dans, dans les marges. Quoi. Donc voilà ce que Vasari écrivait à ce moment-là sur ce zozo. Est-ce que ce sont les peintres qui le lisent Eh ben il est peintre lui-même. Hein, C'est lui qui a fait, par exemple, je sais pas moi, le, qui a construit le tombeau de Michel-Ange, euh, qui se trouve à Santa Croce, si je me souviens bien je crois hein. je l'ai vu mais euh, je dis ça parce qu'au musée de l'opéra de Santa Croce il y a des fragments de fresques de Orcagna et dans mes souvenirs elles ont été déposées au moment de la construction du euh, tombeau de Michel-Ange par Vasari voilà mais sinon il a très belles fresques je crois que c'est une salle assez spéciale à Oltranti à Florence aussi hein, qui est assez dingue hein. bon tout ça des souvenirs un peu vieux, mais. Euh... Donc, il fait vraiment partie de la vie artistique. Il est très écouté aussi parce qu'il bah, a une centralité intellectuelle et mondaine. Donc, évidemment, les peintres l'élisent, mais je dirais qu'en dehors de ce qui se passe pendant la vie de Vasari, qui est quand même important, il y a tout ce qui va suivre. C'est vraiment. L'hypothèse Le... de Didier Berman, quand il parle de l'importance de Vasari, c'est que celui-ci a voulu amener l'histoire de l'art au niveau des arts. C'est-à-dire, finalement, rajouter à la famille des arts un art fondamental euh, le, qui serait l'histoire de l'art elle-même. Il y a quelque chose d'assez juste hein, dans cette euh, conception de l'histoire de l'art, euh, telle que l'institue en quelque sorte euh, Giorgio Vasari. Alors, voilà ce que le Pépère nous écrivait sur Piero della Francesca au moment euh, où il construit sa généalogie plus ou moins mythique. Donc, faut toujours prendre des pincettes quand on lit Vasari, parce qu'effectivement, euh, et eh euh, il a quelque chose à dire. Hein. Je sais pas, c'est comme quand vous lisez, euh, euh, si vous voulez comprendre ce qui se passe entre entre Venise et Florent, c'est-à-dire en quelque sorte entre une vision du dessin. C'est une vision très euh, platonicienne, néoplatonicienne et intellectuelle de la peinture, donc qui se jouerait plus ou moins à Florence. C'est une vision déjà picturale, donc déjà complètement euh, pré-rubénienne, euh, enfin, qui va poser les, les jalons finalement de ce que va devenir la peinture comme expérience sensible et qui serait plutôt, dont le siège serait plutôt Venise. Il faut lire les gens de cette période. Il faut lire Lodovico Dolce, qui a écrit le dialogue sur la peinture dit L'Arétin et qui rend compte. De, euh, de cette espèce de dialogue entre Venise et Florence en plein, en plein moment en plein boom de cette euh, comment on pourrait dire cette partition du monde intellectuel et poétique et au même titre lire Vasari ça ça alimente assez avec beaucoup de précision finalement pas simplement euh, ce que vous pourriez savoir comme histoire sur ces peintres là parce que là je vous le dis souvent bah il faut y revenir voir euh, voir sur quoi bosse Vasari là où il a à peu près quelques libertés euh, avec la réalité mais voir par contre avec précision euh, comment se pense la peinture à ce moment-là, comment elle se construit à un socle plus ou moins mythique, euh, comment elle, elle avance dans le temps, dans une espèce de projection à la fois depuis euh, une origine mythique et antique vers un horizon qui est, on ne peut pas dire autre chose, qui est progressiste en fait. Il y a euh, tous les ferments de l'idée moderniste sont là. Hein. Alors, dimanche, Calimero pour moi, et brouillard dehors et dans ma tête, un peu plus d'or de la Renaissance si je vais me sentir baroque. D'accord, claire. Donc allons-y. Vous allez voir, c'est très court. Hein, et après, on va, on va lire un autre petit texte très différent, qui est un texte personnel sur Pierrot et l'une euh, de l'un de ses tableaux que j'aime vraiment beaucoup, sur lequel j'ai écrit euh, il y a une vingtaine d'années de ça. Donc on va, on va se replonger à la fois dans, dans Pierrot et dans mon passé. Alors, je n'ai pas relu le texte, je trouve que c'est très mauvais, mais on verra ça, tout hein. <laughs> simplement. Voilà ce que disait Vasari. Pedro della Francesca, de Borgo a Sansepolcro, qui passa à mettre dans la mise en perspective des corps réguliers, dans l'arithmétique et la géométrie, ne put, à cause de la cécité qui le frappa dans sa vieillesse et de la mort qu'il a suivit longtemps après, mettre en lumière le résultat de ses travaux et les nombreux écrits que l'on conserve de lui à Borgo, à Sansepolcro, sa patrie. Un homme qui aurait dû s'efforcer d'augmenter la gloire et la renommée du savant vieillard, comme ayant appris de lui tout ce qu'il savait, je veux parler de Fra Luca da Borgo, élève de Piero, eut la méchanceté impie de s'emparer de ses œuvres et de les publier sous son propre nom. Salut Louisa Piero naquit à Borgo à San Sepolcro, qui n'était pas alors une ville comme maintenant. Et il fut appelé Della Francesca, du nom de sa mère, qui resta grosse de lui après la mort de son père, et parce qu'il fut élevé par elle de manière à le faire parvenir au rang que sa bonne fortune lui réservait. Donc on comprend mieux le type de soins particulier qu'il a donné à sa, comment, à sa Madonna del Parto, dont on a vu tout à l'heure rapidement une, une repro ici. Voilà, c'est une, une Vierge de Miséricorde. Mais la, la, la figure de la Vierge telle qu'elle est traitée par Piero euh, donne un statut un peu particulier euh, aux femmes et notamment aux mères euh, dans, dans sa peinture. Je ne sais plus où j'ai foutu la Madonna del Parto. Euh, Hubert Damisch lui a consacré par ailleurs un très bel essai hein, euh, à cette euh, Madonna del Parto. Et je vous invite à lire ça. Parce qu'on lit ensemble euh, Baxandal, hein, mais évidemment, on lira plein d'autres grands historiens d'art. J'espère qu'on lira du Louis Marin, du Damiche, hein, du Jean-Claude Bonne. Hein. On, va, on va faire ça. Alors, elle est où cette. Voilà, elle est là. Regardez, c'est ça. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous la voyez, parce que là, je n'ai pas de retour image. Et je ne sais pas s'il y a des reflets dessus. J'espère qu'il n'y en a pas trop. J'ai retourné les, les, les lampes tout à l'heure. mais... Voilà, avec les deux et les deux anges qui repoussent le rideau du temple de part et d'autre. Quelle merveille. Donc, bref, on s'en fout, c'était pas le sujet. Ah Dans sa jeunesse, il s'adonna aux mathématiques, et bien qu'à l'âge de 15 ans, il se fût tourné vers la peinture, il ne les négligea jamais. Faisant des progrès merveilleux dans cette science et dans cet art, il fut employé par Guidobaldo Feltro, l'ancien duc d'Urbain pour lequel il fit quantité de tableaux très beaux, remplis de petites figures dont la plupart ont péri au milieu des guerres qui ont désolé cet État. On y conserve cependant plusieurs de ses écrits concernant la géométrie et la perspective, dans lesquels il ne fut inférieur à aucun de ses contemporains, et peut-être à personne de quelque temps que ce soit, comme le prouvent ses ouvrages qui renferment une foule de perspectives, notamment un vase. Alors cette question du vase en perspective, hein, on l'a retrouvée. L'intérêt de Vasari aussi souvent, salut Danimer, c'est qu'il nous dit qu'un truc existe, donc à cause de ce dont parle Vasari, on se dit « Ah ouais, il, il se réfère à telle toile, on l'a pas, à tel tableau, on l'a pas. » Et voilà la chose dont il parle. Pareil, je n'ai pas de juge sur l'image, voilà. C'est de ça. Donc là, on voit bien le, le travail rigoureux et là, on, passe, on pense évidemment à, à, euh, comment, à Uccello. Euh... Voilà, voilà. Il est traité en surface carrée de manière que l'on voit de derrière et de devant et de chaque côté le fond et les bords, ce qui est assurément merveilleux. D'autant plus que les moindres détails sont exactement représentés que les lignes des contours se raccourcissent avec beaucoup de grâce. Donc là, c'est la chose que je viens de vous montrer. Donc, grâce à Vasari, à euh, souvent ben, on, on peut aller à la quête de quelque chose, hein, et apprendre que des choses ont, ont disparu aussi. Enfin, ça peut être très utile quand même pour accompagner la compréhension de l'histoire. Ayant acquis dans la cour d'Urbino crédit et réputation, il voulut se faire connaître ailleurs. Étant allé à Pesaro et à Ancona pendant qu'il y travaillait, il fut appelé à Ferrara par le duc Borso, Alors c'est Borso d'Este, hein, on, on a parlé beaucoup la dernière fois quand on a fait un live euh, sur euh, comment euh, quand on a fait un live sur euh, la Villa Schifanoia à Ferrara. Donc là on parle du duc Borso d'Este, dont on a beaucoup parlé, qui fut le commanditaire, vous vous en souvenez, de la fresque à Ercole de Roberti et ses amis. Dans le palais duquel il peignit plusieurs chambres qui furent détruites par le duc Ercole pour reconstruire le palais à la moderne de manière que dans cette ville il ne reste de la main de Piero qu'une chapelle peinte à fresque dans l'église Sant'Agostino et qui d'ailleurs est endommagée par l'humidité. Donc vous imaginez que si elle était endommagée par l'humidité à l'époque de Giorgio Vasari, il n'en reste pas grand-chose. S'étant ensuite rendu à Rome à la requête du pape Nicolas V, il peignit dans le palais en commun avec Bramante de Milan. Grand Bramante, hein. deux sujets dans les chambres supérieures qui furent partiellement détruites par Jules II afin que Raphaël y peignît à la place la prison de Saint-Pierre et la messe de Bolsène. Il y a aussi des choses qui ont été détruites parce qu'à l'époque, on n'hésite pas à détruire pour faire des trucs à la place. Hélas, hein. euh, grâce à, à Vasari, on peut aussi apprendre des choses euh, tristes de ce genre, à savoir une certaine euh, stratification des actions de destruction au cours de l'histoire, même de l'histoire très fraîche, parce que bon, entre le moment où on détruit, enfin le moment où euh, Piero a peint sa fresque et où elle a été détruite pour que Raphaël puisse y peindre, s'y coule un siècle, quoi. Et on juge déjà que bah, c'est trop vieux et qu'on recommence. Euh, Piero retourna ensuite à Borgo, sa mère venait de mourir, et dans l'église paroissiale, il peignit à fresque, à l'intérieur de la porte du milieu, deux saints que l'on admire beaucoup. Dans le couvent des moines de Saint-Augustin, il peignit le tableau du maître-autel qui lui valut de nombreux éloges. Pour une compagnie, ou comme on dit, une confrérie, il fit à fresque une Notre-Dame de Miséricorde et dans le palais des conservateurs une Résurrection du Christ qui passe pour la plus belle de ses œuvres et pour le meilleur ouvrage qui possède la ville. Alors, il y a toujours hein, pas mal d'œuvres à, à Borgo. Hein. À Santa Maria di Loreto, il commença, en compagnie de Domenico de Venise. Alors, euh, le le a un statut particulier, cette ville. Vous avez sans doute entendu parler de Notre-Dame de Lorette, mais il faut que vous sachiez que la, la, la maison mythique où la, la Vierge Marie a, a reçu l'Annonciation est censée avoir été transportée par des anges. Alors pas directement à Loreto, elle a vécu hein, une histoire assez longue de déplacement. Si cette histoire vous intéresse, elle vous est racontée dans le live numéro 1 consacré à Breccia. Euh, il commença en compagnie de Domenico de, de Venise hein, la peinture des voûtes de la sacristie. Domenico Veneziano, c'est un peintre assez important de Venise. Hein, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur lui, un de ces quatre. Mais la crainte de la peste leur fit abandonner ce travail qui fut achevé, comme nous le dirons en son lieu, par Luca da Cortona, élève de Piero. De Loreto, s'étant rendu à Arezzo, il peignit pour Luigi Bacci, citoyen arétin, donc habitant d'Arezzo, hein, dans l'église San Francesco, la chapelle du maître-hôtel, dont la voûte avait été commencée par Lorenzo di Bici. Euh, Lorenzo di Bici, je crois que c'est un peintre siennois, euh, je suppose que... Ah, c'est quoi C'est la, la, la généalogie d'Ari di Bici, Bici di Lorenzo, Lorenzo di Bici, je crois que c'est ça. Hein. Il y représenta l'histoire de la croix depuis le moment où les fils d'Adam, pendant son ensevelissement, placèrent sous sa langue la graine de l'arbre dont fut tiré plus tard le bois, jusqu'à celui de l'exaltation de la croix par l'empereur Héraclius qui entra à Jérusalem les pieds nus et la portant sur son épaule. Alors, dans ce passage à géographie, la version qui a été choisie, c'est celle où l'arbre n'est pas n'a pas de généalogie directe avec l'arbre du bien et du mal, mais c'est cette fameuse histoire, l'autre histoire euh, d'un arbre naissant à l'endroit où on a euh, enterré Adam. Donc c'est le cycle de fresques grandioses dont je vous ai parlé tout à l'heure à propos de comment euh... à propos du, du, du chef-d'œuvre à Arezzo de Piero della Francesca. Faut vraiment vous aller voir ça. Hein. Ça vaut le coup d'aller à Rezzo juste pour voir cette merveille. Il y a plein d'autres belles choses à voir à hein, Rezzo, mais ça vaut le coup. Ces fresques renferment des compositions et des attitudes dignes d'éloge, telles que les costumes de femmes de la reine de Saba, exécutés dans une manière douce et nouvelle. De nombreux portraits d'après nature, anciens et très vivants. Une colonnade d'ordre corinthien, divinement mesurée. Un paysan qui, les mains appuyées sur une bêche, écoute attentivement Sainte-Hélène, tandis que l'on déterre les trois croix. Alors Sainte-Hélène, je crois, a, euh, a découvert le, la présence euh, du bois de la, de la vraie croix dans, dans un pont, à moins que ce ne soit la reine de Saba. Mmh. J'ai mmh. des trous de mémoire, c'est trop vieux. Euh, ouais, désolé. Il eût été impossible de mieux rendre le mort qui ressuscite au toucher de la croix. La joie qu'éprouve Sainte-Hélène et l'étonnement des spectateurs qui s'agenouillent pour l'adorer. Mais ce qui dépasse toute autre considération, c'est la manière dont il représente la nuit et un ange en raccourci, qui apporte en volant de haut en bas le signe de la victoire à Constantin, endormi sous une tente gardée par un valet et quelques soldats obscurcis par les ténèbres de la nuit. La lumière qui émane de l'ange éclaire vivement mais sans exagération la tente, les armures et tous les contours. Alors, je ne sais pas si euh, dans le bouquin euh, il y a ce passage-là. On a regardé tout à l'heure, on a vu... Euh, le signe que Constantin voit dans le ciel, est-ce qu'on voit ce passage incroyable? Alors là, ici, ça va être l'enterrement. Euh, voilà. Là, c'est l'exaltation, là, vrai que la Sainte Croix, on s'en fout, enfin, on s'en fout pas vraiment, mais c'est pas ce qu'on cherche. On va voir si, euh, chez ce cas-là, ils ont cru bon représenter ce moment de nuit. Alors là on a les, mor les petits morceaux euh, avec euh, Ah bah ben oui c'est là Regardez ça. voilà Voilà ce don est en train de nous parler c'est effectivement c'est assez dingue Bon ça va, il n'y a pas de faux reflets visiblement Salut Saziop Voilà voilà Donc là on est on est en plein dans la description de Giorgio Vasari Dans une autre fresque représentant une bataille, celle qu'on regardait tout à l'heure, hein, il exprime puissamment l'effroi, l'intrépidité, l'adresse, la vigueur des combattants et les divers sentiments qui peuvent les agiter au milieu d'un carnage effroyable. Piero mérite de grandes louanges pour avoir rendu par la fresque le brillant des armes dans cette histoire. Sur l'autre mur est représentée la fuite de Maxence. Dans cette scène, on remarque un groupe de chevaux en raccourci, si merveilleux qu'ils sont trop beaux et trop parfaits pour l'époque à laquelle ils ont été peints. C'est un moment important euh, de recherche euh, qui sont liés à la perspective directement. C'est celle sur les raccourcis qui hante également la, bah, la peinture finalement de tous les maîtres de cette période. Hein. Uccello ou un peu après Masaccio. C'est vraiment des gens qui vont énormément de travailler sur le raccourci. Euh... On y voit également un guerrier à demi-nu, à demi-vêtu, à la moresque, monté sur un cheval maigre, remarquable par son anatomie, si peu connue dans ce temps-là. Piero fut largement récompensé de ce travail par Luigi Bacci, dont il avait introduit le portrait, ainsi que ceux de ses frères de plusieurs littérateurs arétins, dans une des fresques représentant la décollation d'un roi. Du reste, il fut toujours aimé et révéré et à Arezzo. <laughs> Excusez-moi. Qu'il avait tant illustré par ses ouvrages. Ah merde! Je suis désolé. Oh, je ne voulais pas vous imposer ça. Dommage. Alors, j'avais les travers en fait. Chaque fois je bois parce que sinon je tousse, mais là je tousse parce que je bois. C'est con! Il fit encore dans l'évêché une Sainte Marie-Madeleine à fresque près de la porte de sacristie. Et dans la Compagnia dell'Annunziata, la bannière que l'on porte dans les processions. À Santa Maria delle Grazie, hors de la ville, il peignit au commencement d'un cloître un Saint Dominique, entouré d'enfants et assis sur un trône tiré en perspective. A San Bernardo, couvent des moines de Monte Oliveto, dans une niche placée en haut, un Saint Vincent qui est très estimé des hommes de l'art. À sargiano couvent des Franciscains, hors d'Arezzo, il peignit dans une chapelle un Christ très beau qui prit la nuit dans le jardin des Oliviers. Il exécuta encore à Perugia plusieurs ouvrages qu'on voit encore maintenant comme le tableau en détrompe de l'église des religieuses de Saint Antonio di Padova qui représente la Vierge tenant l'Enfant Jésus entre quatre saints. Bon, après, il continue à énumérer ce qu'il a fait. Et donc, la dernière page, il avait coutume de faire des maquettes en terre, ce qu'on appelle un modello, hein, et en, en terracotta, et de les recouvrir de draperies souples, en faisant une infinité de plis qu'il copiait et dont il se servait dans ses peintures. Les ouvrages qu'il laissa inachevés à sa mort furent conduits à fin par son élève, Lorentino d'Angelo, qui imita sa manière et fit une foule de tableaux à Arezzo, sa patrie. Deux autres de ses disciples furent Luca Signorelli ça, je vous en ai parlé un petit peu pour les incroyables fresques de Orvieto, hein, les fresques de, de l'Enfer, hein, qui lui firent plus d'honneur que tous les autres, et Piero da Castel della Pieve. Piero, dont les œuvres datent de 1458 environ, devint aveugle à l'âge de 60 ans, à la suite d'une catar, et vécut encore 26 ans. Il laissa de nombreux biens dans le Borgo et quelques maisons qu'il avait construites pour lui et qui furent ou brûlées ou détruites en 1536 pendant les troubles. Il fut enterré dans la grande église qui appartenait autrefois à l'ordre des Camaldules et qui est aujourd'hui l'évêché. La plupart de ses livres sont actuellement dans la bibliothèque de Frédéric II, le duc Tourmino. Ils ont justement valu à leur auteur la réputation du meilleur géomètre de son temps. Donc voilà ce que l'ami Vasari pouvait écrire sur euh, Piero della Francesca. Donc vous aurez remarqué quand même qu'il tarie pas d'éloges. Hein, il y va euh, à fond les baluches. Euh, et... Ce dont je voulais vous parler maintenant à propos de Piero, c'est de ce tableau-là qui se trouve euh, à la Brera à Milan. Qui est un tableau tout à fait exceptionnel. Alors, on n'est toujours pas dans Baxandal, mais on ne va pas tarder. Mais puisqu'on parle de Pierre de la Francesca, je voulais faire ça un peu avec vous. On va rentrer dans, dans ce tableau ahurissant. Donc là, on rentre dans les détails hein, de ce tableau, qui est une de conversation avec l'enfant endormi sur les genoux de la Vierge et cette partie supérieure si étrange, cette coquille renversée, qui fait souvent appeler donc cette, euh, ce tableau la Madonna l'œuf. Alors hop là voilà voilà donc je vais le mettre en entier parce que je vois qu'il n'est pas en entier là Hop là, voilà, que vous le voyez bien, c'est important. Et donc, on a un petit texte là-dessus. On va essayer de plonger dans cette madonna Love et d'en comprendre quelque chose, si vous voulez bien. Par un dialogue. J'y vais. Voilà. Il y a une question. Qu'a donc l'enfant Jésus autour du cou J'en parle dans le texte. Il a en fait du corail rubrique, mais on va en parler. On y va. C'est un peu abrupt, mais laisse tomber ça. Essaye de répondre quand même. Je ne sais pas, euh, comme ça, oui, c'est abrupt, c'est limite, comment tu veux. Comment tu veux je sais, mais vas-y. C'est quoi les premiers mots qui te viennent à l'esprit euh, Tu es marrant, toi, hein comme ça, je dirais, euh, c'est pas seulement ça, mais je dirais le témoignage, par exemple, voilà, ce serait quelque chose comme ça. Le témoignage. Oui, le, le témoignage. Et je finirais ça comme, comme une espèce d'aptitude morale à la distinction. Je sais pas si c'est très clair. D'accord. Donc plus proche des définitions morales de la conscience que euh, d'assemblages symboliques. Oui, oui, c'est ça. Mais, mais quand même, la conscience euh, comme langage, tu vois. Alors que les assemblages symboliques, bah, ils sont pas loin. Uh, genre euh, comme langage, comme discours, parce que tu as dit comme langage. Oui, comme langage, alors, parce que, parce que comme témoignage, enfin le témoignage, oui, oui, c'est difficile à dire, parce que d'un côté, c'est l'articulation qui est mise en avant, comme une sorte de, de lutte, de lutte fonctionnelle, contre la perception désordonnée, d'accord Donc, déjà, ce n'est pas la perception de la conscience. Oui, oui. Déjà, oui. Alors, après, c'est quand même de la conscience hein, que tu parles. J'ai bien compris. Alors, il faut revenir autour du sujet, quand même. Il faut, faut retrouver une forme singulière de la conscience, unique. Euh, sinon, oui, oui, c'est pas la conscience collective. Non, t'es con. Je parle pas de ça. T'es vraiment con, des fois. Tu me prends pour un con, en plus. Oui, oui, je, je déconne. Bon, allez, je déconne. Vas-y. Bon, je sais plus où j'en étais. Euh, tu revenais... Oui, je revenais au sujet. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, le témoignage, ça me paraît... Euh, ça me paraît une définition intéressante de la conscience. Tu n'envisages pas de conscience muette. Ça, ah, c'est marrant, tu me dis ça, j'y pensais au, au moment, euh, effectivement, où tu... Et l'angoisse L'angoisse comme conscience muette mmh. Ouais Ah, mais pourquoi tu me demandes ça là, d'ailleurs Parce que pourquoi tu me demandes ça à propos de la conscience, maintenant, devant ce tableau-là C'est bizarre, non Tu ne trouves pas ça euh, bizarre de me poser une question sur la conscience devant ce tableau-là Tu n'as pas une idée derrière la tête bah si, évidemment, évidemment que j'ai un truc derrière la tête, qu'est-ce que tu crois Ça fait des générations d'amateurs de peinture qui se cassent la tête sur ce tableau, qui n'y comprennent que dalle, des, des tas de types formidables, hein, qui sont muets ou presque muets devant cet œuf, cet œuf-là, cet œuf d'autruche, cette espèce de coquille Saint-Jacques renversée, euh, euh, cette assemblée mo monumentale terrible, dans un décor de carton pâte, de fontaine même, Oh oui, c'est vrai, c'est une merveille, hein. Ah oui, oui, c'est une merveille, mais c'est pas le problème. C'est une merveille d'étrangeté, surtout. Et puis pas seulement lui, d'ailleurs. Ils sont plus plutôt tous comme ça, les tableaux de Pierre Francesca, mais à force d'en bouffer, on finit par même plus s'en rendre compte. En fait, c'est tous les tableaux, hein. On ne le voit même plus, les tableaux de la Renaissance. Tout ce que ça peut avoir de... Enfin, ces grandes figures hors de proportion, les trucs qui flottent dans une mandorle flanquée dans un ciel vide, immense, tout bleu. Mais alors, bleu de... Chez Bleu, hein. Ou des silhouettes complètement décollées du monde, des personnages figés dans des espaces impossibles. Bah, Regarde-moi ça. Rien que l'architecture de Raphaël à côté, là. Ces espèces de temples géométriques à la pérugin Bah, regarde le bout de colonne et la trouée derrière. Juste derrière. Tu vois ça sur le Bramante à gauche. Oui, derrière le Christ, tu vois ça Alors, je vous resitue, le dialogue se passe à la Brera, et il se trouve que dans la même salle, on a un tableau de Bramante, hein, juste à côté. Donc, il est question de ça, le dialogue a lieu devant le tableau même, à l'intérieur du musée. Donc, ça éclaire un peu ce dont il est question là. Oui, derrière le Christ, tu vois ça Bon, l'espèce de colosse, le Christ est taillé par l'ombre, mais zack Bon, tout ça, c'est insensé. Et toi et moi, on finit par trouver ça complètement normal, comme euh, un nuage ou un caillou, comme des pieds qui seraient vraiment posés sur un vrai sol. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, je vois très bien. Moi aussi, je finis par trouver ça normal que, que des tissus tombent comme des gouttières de pierre ou des cathédrales arithmétiques, que Saint-Pierre Martyr puisse avancer le crâne fendu. Bah ben voilà. Et même que l'ombre de ce corps soit ce truc-là, cette chose floue. Sans raccord, juste ça, simplement. Il faut qu'on fasse un effort. Mais il faut qu'on fasse un effort pour retrouver de l'étrangeté. OK. D'accord. Et ta conscience, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Alors, pourquoi là, devant Pierre de la Francesca? Bah. Regarde. C'est quoi la figure centrale du tableau? À ton avis? Euh. L'œuf? L'œuf d'autruche Non! Non! Laisse tomber l'œuf pour l'instant. Laisse la coquille, tout ça. Joue pas au con. C'est une simple conversation, donc je répète la question, c'est quoi le nœud du tableau euh, La Vierge à l'enfant, plus précisément euh, L'enfant, oui, l'enfant, évidemment. Eh bien, regarde-les tous, regarde-les bien, là, les saints, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 saints et la Vierge, et les anges au fond, et la commanditaire, regarde. Euh, je regarde. Regarde le regard, regarde ce qu'il regarde. Bah, rien de précis, je, je vois pas. Et, euh, tu as raison, c'est bizarre. Et s'il leur échappe, s'ils sont aussi inconscients de sa présence, à ton avis, c'est pourquoi Pourquoi ne le voient-ils pas, l'enfant Où sont-ils pour ne pas le voir Regarde-le bien, lui. Il dort étiré. Il dort comme un chien nerveux ou c'est un chien mort. Mais ce n'est pas le sommeil de n'importe qui. C'est là que ça devient intéressant. C'est le sommeil de celui qui est le vivant mort. Hein si, si, le vivant mort. Il est déjà en piéta. Il flotte sur les genoux de sa mère et c'est déjà une piéta. C'est la figure intercessive, c'est le vivant mort, le grand fusible des deux mondes incarnés et divins. Eh bien, moi, mon hypothèse, c'est que nous assistons à la condensation de son rêve. Voilà. À quoi Le monde comme rêve de Dieu. Plus je regarde ce tableau, plus cette œuvre pendue flotte comme sa conscience endormie. Alors, enfin, tu sais, cet œuf, euh, là, ici, à cet endroit, c'est aussi le symbole de la virginité de Marie, c'est euh, le symbole de sa fécondité, euh, euh, intouchée par l'homme, euh, c'est même un emblème de la famille du commanditaire, je crois. Alors, bon. Mais il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas de contradiction, il y a juste une ouverture inattendue. C'est tout ça, d'accord, c'est tout ça, c'est ce que tu dis, c'est la virginité, c'est la fécondité, c'est le commanditaire, mais c'est tout ça qui nous détourne de ce que c'est de plus que ça. C'est le fil conducteur qui nous mène au rêve de Dieu, c'est le tsinsum, c'est le monde qui ne demande qu'à éclore. Regarde bien ce tableau. Vide-le, vide-le presque complètement. Tu peux le faire parce qu'en vérité, il n'y a rien autour de l'enfant. Il n'y a rien du tout. Il flotte dans le vide. Complètement. Il flotte dans le toubou, dans l'indéterminé. Tout autour de lui n'est que de la matière de rêve. Tu peux garder l'œuf si tu veux, tu peux le laisser flotter au-dessus de lui, ça peut devenir le centre de percolation par lequel toute la buée de ce rêve de Dieu va se condenser. Et ça, ça sera le monde. Ce sera son ministère, son projet, dont tu peux voir l'achèvement terrible. La piéta, déjà présente dans ce corps minuscule d'enfant. Ça sera le monde. Les figures vont prendre place en suivant la courbure architectonique d'un foyer de fécondité et les, la vasque là-haut. Là. Si Vénus peut en sortir, alors tout le reste peut, le reste du monde. Bon, tu dis qu'il est mort et maintenant tu me dis qu'il rêve, il faudrait savoir. C'est le rêve de Dieu. La vie est le rêve de Dieu. C'est exactement ça. La vie, c'est le rêve de Dieu. Ok Je vais juste te poser une question. Une autre, une petite, ça a sans doute pas grand chose à voir, mais je vais me garder les histoires en tête de côté pour l'instant. L'œuvre du monde et le rêve de Dieu, tout ça. J'aurais juste une autre question. C'est quoi le corail qu'il a autour du cou Ça va t'amuser. Tu sais quoi Le corail rouge, on dit le corail rubrique. Voilà. Eh ben, le corail rubrique, tu le croiras si tu veux, mais c'est un gorgonidé. C'est la famille des gorgonidés, ce corail. Tu vois? C'est le sang de méduse. Gorgonidée. C'est un arbre de sang qui prend ses racines dans le paganisme, le plus violent, et qui pousse dans la poitrine du Christ, quand Méduse a été décapitée. Par Thésée, oui, par Thésée. Eh bien, le sang séché qui coulait de sa tête en se fixant sur les rochers, voilà ce que c'est le corail. Alors il y a des variantes, dans l'une d'entre elles, c'est des algues pétrifiées au contact du sang qu'on donnait le corail. Mais enfin, en gros, c'est ça. Kiff, kiff. Belle histoire. Ouais, belle histoire. Voilà. Donc c'est mon interprétation de ce tableau. C'était ma façon, si vous voulez, amoureuse, de vous parler de Piero de la Francesca, de plonger dans ce tableau en compagnie d'un vieux texte. Bon, qui vaut ce qu'il vaut. Euh, voilà, j'écrivais comme ça il y a une vingtaine d'années. C'est un peu différent aujourd'hui, mais je trouvais ça plus impliquant pour moi finalement de vous accompagner vers Piero de la Francesca. Euh, de façon très individuelle, finalement, où je m'implique vraiment dans cette histoire. Bon, évidemment, ce n'est pas le tableau qu'a choisi euh, euh, Bach-Sandal pour nous causer, mais de rien, louis arp de rien. Merci, Lucie. Euh, et tu vois, ça a répondu à ta question, Zadio. Tu sais, c'est tout. C'est toi hein, qui posais la question à propos de ce qu'il avait autour du cou, c'est ça. Euh, voilà, tu sauras tout. Donc. On va parler, nous, avec Bach-Sindal, de cet autre tableau, cet incroyable baptême du Christ, qui est quand même assez savant. On va plonger un peu dedans et on va y aller. Salut, Nam Bibi, mais, mais de rien. Donc on a cette figure centrale qui est celle du Christ. Vous voyez, ce qui n'est pas si fréquent, une assemblée d'anges euh, assistée à cette scène-là. Un plan spéculaire offert par le Jourdain, mais qui est comme un miroir sur le sol à cet endroit-là. C'est assez étonnant. Et ici, une figure qui, d'une certaine manière, conduit euh, vers euh, la figure du Christ, mais permet aussi d'embrasser tout un jeu extrêmement savant et complexe euh, entre euh, les figures humaines et leur reflet dans le miroir. Donc, vous le savez sans doute. Le prophète Jean-Baptiste euh, va pas bien finir, évidemment, il va être décollé, euh, enfin décapité, mais à l'époque, donc il incarne un renouveau d'une espèce de foi pure, à un moment où euh, la Judée est entre les mains du pouvoir romain, du Tétrarca, et euh, comme par un, une espèce de, de premier point de tension entre... Euh, entre son ministère terrestre et euh, sa cause euh, divine, qui est à la fois, euh, dit-on, euh, adamique et, euh, et comme Davidique, le Christ vient ici euh, s'inscrire dans euh, sa lignée de chair par le baptême, comme n'importe quel homme qui viendrait se reconnaître dans la foi revivifiée. Mais il est euh, surplombé par le Saint-Esprit dont comment dire dans la puissance ici est actualisée plutôt par le Baptiste donc on joue un jeu assez curieux euh, on va dire dans le système d'incarnation qui est proposé il me semble hein, par euh, la place euh, singulière hein, qui est donnée à ce moment-là salut maman à euh, au Saint-Esprit sous la forme donc de cette colombe euh, qui accompagne le mouvement de baptême hein, de l'eau lustrale sur le visage du Christ la colombe qui pour bien asseoir son plan de matérialité, qui est dans un entre-deux monde entre spiritualité et pour lui aussi d'une certaine manière un plan d'incarnation, puisqu'il y a une vraie consubstantialité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, on, on doit pouvoir accepter l'idée qu'il y a une cohabitation euh, tumultueuse de cette coprésence à cet endroit-là. Le Saint-Esprit Saint donc se mêle au moins figuralement euh, au jeu des nuages hein, qui sont tirés euh, à ses côtés. Voilà. Je ne vais pas vous faire une analyse de ce tableau-là, parce qu'il y a un mille trucs à dire. C'est un tableau assez savant, assez complexe, comme tous les tableaux de Piero della Francesca. Et c'est celui-là qu'a choisi euh, Sandal pour nous causer. Donc, on va, on va pouvoir commencer un peu à lire ce texte de Baxandal, Donc, après une toute petite introduction digressive, hein. c'est une digression d'une heure. Bah voilà, j'avais presque l'impression d'être avec Gaël aujourd'hui. Je suis capable de digresser. On va ah, il faut quand même que je mette une petite bûche. C'est important de ne pas trop me peler les niches et de ne pas laisser la maison refroidir. Ça a commencé à bien geler dehors, donc on y va. On est parti. Le titre de ce chapitre, c'est « Culture, autre et vérité, le baptême du Christ, de Piero de la Francesca ». 1. La différence culturelle. Depuis un bon moment, cette analyse tourne autour de deux questions connexes. L'une est la question de savoir jusqu'à quel point nous pouvons pénétrer dans la structure des intentions de peintres qui vivent dans des cultures ou des périodes éloignées de la nôtre. L'autre est de savoir si nous pouvons, à un degré ou à un autre, vérifier ou justifier nos explications. Bah oui, c'est un des... Un des aspects compliqués euh, des rapports à, à, à l'interrogation de l'histoire, c'est qu'il est aussi difficile de trouver le socle de bonnes hypothèses que de vérifier nos hypothèses. Et pourtant, je dirais, pour faire un bon travail d'historien d'art, je pense que ça vaut le coup, au moins comme prémisse, pour commencer le boulot, quoi, ça vaut toujours plus ou moins le coup de commencer à penser imprudemment. Ça ne veut pas dire penser n'importe quoi dans tous les sens et n'importe comment. Mais penser imprudemment, c'est avancer, je dirais, dans des zones euh, où d'autres n'ont pas encore tenté d'avancer. Parce qu'on a un grand matériel disponible pour penser. Mais ça vaut le coup de faire, qu'on pourrait dire, des connexions différentes, des nouages. Une hypothèse, c'est ça. Une hypothèse, c'est un nouveau nouage. Un nouage euh, impréparé ou en tout cas pas préparé forcément par euh, d'autres expérimentations de ce nouage. Il est préparé par un matériel historique. Pour vous, en tout cas, il semble s'imposer, ce nouage. Et les, ce que vous avez en présence de vous semble constituer un bon plan pour commencer à nouer, et puis on essaye, on voit, on noue. Je discuterai chacune de ces questions à son tour, mais comme il, préfère, il paraît préférable de s'appuyer sur un exemple qui soit plus loin de nous culturellement que Picasso ou même que Chardin, je vais revenir sur le baptême du de Christ de Piero della Francesca, qui est là. C'est le panneau central d'un retable assez petit, aujourd'hui dispersé. Le panneau lui-même fait 1m62 de haut. Qui fut exécuté pour une église de Borgo San Sepolcro. Alors, je vous ai montré tout à l'heure hein, sur la carte où ça se trouvait. C'est pas loin d'Arezzo, donc au sud-est euh, de, euh, de Florence, de Firenze. La ville natale de Piero, vers euh, 1450 dirons-nous. Bien que à une douzaine d'années près, en plus ou en moins, on ne soit pas sûr de la date du tableau. La plupart des experts, mais pas tous, alors vous l'avez compris, hein, c'est juste un volet euh, d'un retable, d'une une pièce plus grande hein, qui s'articulait donc à d'autres tableaux. Hein, euh, et c'est important évidemment pour euh, penser un tableau euh, qui appartient à un retable, c'est de jamais sauter, euh, enfin, comment, on... s'enlever l'idée qu'il est incomplet sans les opérateurs de signification qui l'entouraient à ce moment-là. La plupart des experts l'ont daté sur la base du style propre au début de la carrière de Pierrot. Ceci nous amènerait donc un peu, avant, un peu pardon, après euh, 1440. C'est aussi mon avis, mais nous n'avons pas besoin de débattre ce point ici. Ce qui est certain, c'est que la directive qu'une cité du milieu du XVe siècle pouvait fournir à Pierrot et à Francesca n'a que très peu à voir avec celle que Picasso, par exemple, a pu se donner vers 1906-1910. Bon, ça, on a déjà évoqué ensemble ce qu'était un préfet, c'est-à-dire à quoi, en gros, pouvait ressembler une forme de la commande au XVe ou au 16e siècle. Bon, vous avez bien pigé que c'était un autre monde, une autre conception du degré d'ingérence du commanditaire dans la forme définitive du tableau. Ça pouvait aller assez loin, même si on a vu ensemble, sur la base du préfet et du couronnement de la Vierge dans les en cartons, que... Quand même, les artistes avaient une certaine liberté pour faire à, à peu près leur guise sur bien des points. Quoi. Euh, tout d'abord, c'était une directive adaptée à la situation de la peinture qu'ils devaient affronter, celle de la grande peinture italienne des années 1425-1450. Il y a tout un contexte intellectuel et marchand qu'il faut essayer de se mettre en tête. Quoi. Par ailleurs, le marché reposait sur d'autres bases. Piero travaillait sur commande, dans les termes de contrats légaux. Et il peignait pour des hommes qui portaient en eux les besoins complexes du XVe siècle. Les différents genres de l'époque, qui répondent à des définitions aussi subtiles qu'implicites, sont une traduction de ces besoins. Alors on parlera tout à l'heure de la notion de genre, que je vous ai amené un bouquin pour le plaisir de digresser tout à l'heure, sur la question du genre, c'est difficile. À une époque comme le 15e siècle, à une époque où la peinture est intégralement dominée dans cette partie du monde par l'impératif de la subordonner à la religion, qui est commanditrice. Le genre apparaît en gros comme possibilité au 15e, mais va se développer plutôt au siècle suivant. Il va exploser au 17e. C'est-à-dire, la possibilité d'aborder des sujets qui puissent trouver une certaine émancipation par rapport au cadre théologique euh, de la commande picturale, c'est assez lent. Ça va venir plutôt euh, comment, dans le nord de l'Europe, avant de toucher euh, l'Italie. Bon, c'est une question complexe. Hein. Mais c'est important quand on parle de genre de l'époque, au 15 XVe, de voir que la notion de genre est peu installée à ce moment-là. En 1450, la peinture répondait à des exigences très différentes des nôtres. Sans entrer dans le détail, on peut dire que ce tableau doit être lié à trois préalables essentiels. C'est un retable. Alors, tout à l'heure, le mot retable va être comment euh, déplié par. Euh, Comment par euh, sandal on va aborder la question avec lui. C'est pas à que je m'emmerde à vous décrire exactement ce qu'est un retable. Dites-vous juste que, a priori, le retable est un tableau d'hôtel. Ça veut dire que le retable se pense avec le cadre dans lequel il s'expose. Euh, C'est important de bien le replacer finalement comme un élément invaginé au fond euh, d'une église. Si vous voulez, le retable répond comme une sorte de chambre d'écho interne à la construction de l'église. Il vient euh, en pli intérieur faire écho. À ah, la structure, l'ossature, la maçonnerie, les éléments qui construisent l'espace euh, ecclésial, l'espace liturgique, etc. Il lui répond. Et. Euh c'est aussi un élément de la vie religieuse. Bon, ça, je pense qu'il en parle pas mal après, euh, euh, comme on bac Mais je voulais vous montrer le degré de complexité que pouvait avoir un retable, histoire de, de bien se mettre en tête que quand on regarde un volet de retable, un, un, comme c'est le cas, on est vraiment en train de regarder le fragment de quelque chose d'assez grand, d'assez complexe, d'assez savant. Je vous ai choisi comme exemple de retable. Alors vous allez me dire que je ne me suis pas foulé, je vous ai pris un truc que vous connaissez sans doute. Euh, tous et tuts, tous et toutes. Le retable que je vous ai pris comme exemple, c'est un des plus célèbres retables du monde. C'est un retable allemand qui se trouve en France, hein, qui se trouve à, à Colmar, hein, qui se trouve. Euh, comment euh, Où est le plus là À l'ombre. Bon. Je trouve plus. Ah oui, c'est ça qui se trouve au musée Unterlinden à Colmar. C'est le fameux retable d'Isenheim qui est peint par Grunewald, dont on représente le plus souvent cette partie-là, c'est-à-dire le retable fermé. Donc c'est probablement les volets que vous connaissez le mieux, hein, avec Saint-Sébastien ici, avec une pamoison juste là, ce fameux Christ très célèbre euh, de Grunewald. Le baptiste, hein, qui le montre du doigt en disant Il ou me portait, me utem minui. Donc il grandit en quelque sorte et moi je diminue. Euh, l'agneau pascal ici, ce qui fait qu'on est en train de regarder un truc assez étrange. Il y a une syncope visuelle entre l'agneau pascal et on va dire la coprésence du Christ et son symbole. Mais au fond, c'est pas si différent de ce qui arrive quand on voit. Euh, un un, comment, un des évangélistes avec le symbole du tétramorphe. Euh, glitch, petit coquin, bonsoir. Donc Saint Antoine ici et dessous un Christ tombeau, tout à fait remarquable. Bon, ce retable en fait euh, est un, un colosse de bois et de peinture qui se déplie. Voici par exemple le même retable. Alors, il est ici fermé et ici, après une première ouverture qui révèle à l'intérieur des volets une annonciation. Ici, une Vierge à l'Enfant. Ici, une Transfiguration. Voilà. Et dessous, vous avez. Euh un Christ avec les apôtres en bois sculpté. Le retable est une construction euh, qui peut impliquer, c'est assez fréquent, également de la sculpture. On peut avoir aussi des retables intégralement en bois sculpté et peint, comme les grands retables comment, de la tradition du Brabant euh, au XVIe siècle hein, en Belgique. Voilà, docteur Wack. Et là, donc, deuxième ouverture qui révèle une présence... C'est vraiment beaucoup le cas dans le nord de l'Europe, en Allemagne. Enfin, la, la sculpture est très présente dans les retables, elle est assez savante. C'est moins le cas en Italie, hein, vraiment. C'est une conception là, plutôt du nord. Voilà. Et là, vous avez une tentation de Saint-Antoine, souvent reproduite seule également, pour son caractère, évidemment, qui flatte l'interprétation fantastique des, de nos contemporains, qui sont très fascinés par cet aspect-là de la peinture du 16e siècle. Bref, du 15e et du 16e. Parce que là, au gros je crois que c'est fin 15e, celui-là. Bref, euh, c'est euh, juste pour vous montrer que ce dont nous parlons, ce tableau-là, fait partie d'un ensemble assez savant. Et quand on parle de retable, il faut toujours garder ça en tête, savoir que le, les différents volets peuvent s'ouvrir et se fermer à différents moments de l'année liturgique et donc vont correspondre à une vraie ritualisation, une vraie vie constante. Mais ce n'est pas l'aspect sur lequel je voulais insister. C'est plutôt sur le caractère fragmentaire en fait d'un tableau quand on le regarde en tant qu'élément de retable. Voilà, voilà. Donc c'est un retable, c'est une représentation du baptême du Christ et c'est un tableau de. Pierre de la Francesca. Voilà. Okay. Trois façons différentes de parler de, de, des causes de construction de ce tableau. Si le contrat passé pour ce tableau nous était parvenu, nous verrions que chacune de ces conditions avait été stipulée par le client. Que, en gros, que ce soit un retable, que ce soit bien une représentation du baptême, et que ce soit machin qui le fasse et pas quelqu'un d'autre. Pas par ainsi, nous possédons un contrat établi à San Sepolcro en 1445 pour un tableau de Piero de format similaire, où il est spécifié que la peinture doit être un retable, que Piero doit suivre le sujet auquel les contractants se sont arrêtés et que nul autre peintre que lui ne doit participer à ce travail. Bon, Arrêtons-nous pour l'instant sur le mot retable. Euh, le sens qu'il avait à l'époque ne recoupe pas nos propres catégories. Que signifie ce terme il désignait d'abord une image religieuse, une catégorie d'objets à laquelle la population était très sensible et à laquelle l'Église assignait trois fonctions. Alors, raconter clairement l'histoire sainte, susciter un sentiment approprié au sujet, imprimer ce sujet dans la mémoire du fidèle. Alors, susciter... Un sentiment approprié au sujet. Là, je vous renvoie euh, de façon euh, brutale, un peu sans doute, mais à un des lives euh, podcastés sur la chaîne, est... qui est consacré à euh, l'histoire de la dévotion et des relations à l'image euh, dans le christianisme, depuis euh, euh, comment Athanase et le credo d'Athanase, euh, en gros, jusqu'à la réforme, qui vous montrera que même cette question un sentiment approprié au sujet, euh, la question de ce sentiment approprié, elle change beaucoup dans l'histoire des relations des chrétiens avec le, la peinture. C'est-à-dire, c'est pas toujours la même chose qu'on attend euh, dans euh, la situation dévotionnelle euh, au cours des siècles. Ça bouge pas mal, quoi. Euh, les personnages sur la gauche sont tous les trois des anges. Oui, a priori, euh, Zazio, c'est le cas. Mais un retable est aussi une image religieuse d'un genre particulier. Il est placé sur l'autel, sur la sainte table de l'autel. Il participe directement au déroulement de la messe et donne de la dignité à la mensa sur laquelle se déroule le saint sacrifice. Donc la mensa, c'est l'autre nom, si vous voulez, de cette table. Mais c'est assez littéral, c'est la table où on mange. L'autel renvoie à la table où on mange, c'est-à-dire à, à l'Eucharistie, à la scène. Hein, où le Christ partage le pain et le vin entre les disciples. Euh, l'origine de ce dispositif-là, qu'on a pu voir sur le grand retable du Sénai, c'est le culte des reliques en fait, qui est à l'origine de la construction euh, de ces superstructures comme ça euh, polyptiques et qui, au départ, a été conçue pour penser donc, la, la, la présentation des reliques. Il existe toujours des très grands dispositifs comme ça, qu'on appelle les qui combinent, qui assemblent entre elles plusieurs jeux de reliques. La table d'hôtel, la mensa, donc, dont il est question euh, dans le texte, c'est devenu un accessoire de la liturgie, euh, c'est un accessoire séparé, si vous voulez, du retable, mais qui a des dimensions assez imposantes, en tout cas pour le maître-autel, euh, notamment parce qu'il a, euh, on va dire, une, sa propre géométrie, avec d'un côté euh, ce qui est dédié aux côtés de l'épître et l'autre euh, aux côtés de l'évangile. Et euh, donc l'hôtel, et notamment avec l'Eucharistie collective chez les chrétiens, quand ils, ont, quand ils vont bouffer euh, leur parasite hein, pour communier, eh bien euh, l'hôtel, à ce moment-là revivifie. Le moment historique du partage du pain, il fait revivre inlassablement euh, un moment d'humilité et de partage de, de la chair de Christ qui est la première scène inlassablement rejouée pour les chrétiens. C'est vers lui, donc vers le, le retable et vers l'autel, que se dirige l'esprit au moment crucial du rituel et dès lors. Il n'offre pas la même liberté que les représentations qu'on trouve dans un cycle de fresques ornant les murs d'une chapelle, ou que les images qui agrémentent un livre de piété. Parfois cependant flotte autour de lui un léger parfum de laïcité. Un retable moyen comme celui-ci, enfin, celui dont il parle, le, qui contient le, le volet euh, de Piero della Francesca. Euh, était habituellement placé dans une église sur un hôtel latéral, donc pas sur euh, le maître-autel. Bon, vous avez déjà vu, hein, quand on s'est foutu dans une église, tout au fond, vous avez vers le cœur le maître-autel euh, avec un très grand retable, souvent. Alors, parfois, le cœur est sain euh, d'un tour de cœur en bois ou en pierre, et donc ça peut être une partie close, euh, la plupart du temps ça l'est, donc séparé du reste de l'église, mais ce n'est pas obligé euh, que ce soit séparé. Euh, par un tour de cœur hein. ou une clôture. En tout cas, vous avez toujours un hôtel beaucoup plus monumental à cet endroit-là. Et dans les chapelles rayonnantes tout autour, il y a des hôtels voués à tel ou tel saint, avec généralement enfin, un retable pour chaque hôtel. Donc celui-là était un hôtel latéral, et la plupart du temps, il était offert par un membre de la paroisse, une famille ou une confrérie. Alors, ces offrandes vise aussi à aménager dans un drôle de lien qui a été rendu euh, opératoire à partir du XIIIe siècle, en gros à partir du moment où il y a une espèce d'invention bizarre dont parle très bien le Goff dans un de ses bouquins, qui est l'invention du purgatoire. Euh, on va commencer à demander aux vivants d'intercéder pour le, la paix des âmes, pour le salut des morts. Donc, il va y avoir une prière comme ça, c'est théologique. On va demander à... Alors, soit on paye des moines pour le faire, enfin, c'est souvent ce qui se passe, on paye pour des messes ou des choses comme ça, pour certains défunts. Et donc, on leur construit des chapelles, des hôtels, etc. pour prier pour les défunts, puisque désormais, à partir du XIIIe, l'action des vivants a des effets supposés sur le salut des morts. Donc il y a un lien très fort qui se noue chez les chrétiens à partir de ce moment-là entre les vivants et les morts. De nombreux signes indiquent que les donateurs souhaitaient que l'offrande qu'ils faisaient à Dieu fût aussi digne d'eux que de lui. Le désir d'être honoré fait certainement partie des raisons qui poussent le contractant à exiger que le tableau soit de la main de Pierre de la Francesca. Pour résumer, nous dirons donc simplement, pour l'instant, que le genre de retable implique notamment que le tableau donne de son sujet une représentation claire, émouvante, mémorable, conforme au dogme et digne d'éloge. Alors, conforme au dogme évidemment, avec toute la plasticité euh, liée à la façon dont ce dogme est perçu et euh, comment analysé, commenté. Par l'ordre, sous la tutelle duquel se place telle ou telle église, hein, les confréries, bon, certes le dogme est le dogme, hein, ça est... mais dans les relations à dire ponctuelles à l'intérieur du dogme avec tel ou tel objet, il y a une plasticité théologique et donc les œuvres renvoient aussi souvent, ce qui permet des fois de mieux les comprendre ou de comprendre leur singularité aux ordres commanditaires et à la façon dont ces commanditaires font jouer le texte et font jouer les sacrée. Et puis, on se fait enterrer dedans, dit Danimère. Oui, ça a duré un petit moment, effectivement, pendant un certain temps. On se faisait également enterrer dans les églises. Ça a duré un certain temps. Comme ça, on a déjà parlé longuement de, des rapports des chrétiens au corps mort et à, à leur mort dans la série de trois lives consacrés à l'art macabre avec Gladys. Donc, je vous renvoie à ces trois lives-là sur l'art macabre. Si nous prenons la notion de différence culturelle un temps soit peu au sérieux, nous devrons probablement dépasser ces directives et considérer qu'il existe des différences essentielles dans les dispositions cognitives et réflexives. Il faut bien admettre que Pierrot et ses clients percevaient les tableaux et les idées qui s'y rapportent autrement que nous ne le faisons, parce que les ressources culturelles dont ils disposaient, en termes d'expérience et de capacité visuelle, et, et les structures conceptuelles à l'intérieur desquelles ils évoluaient étaient différentes des nôtres. L'espace du troc offrait à Pierrot. Alors, troc, on en revient à la notion de troc hein, telle qu'elle est posée euh, par, euh, euh, par Baxandal dans son livre. On veut dire l'ensemble des relations symboliques entretenues par le sujet peintre avec son entourage, finalement, euh, avec tous les tributs qui peut en tirer, euh, qui sont réels, imaginaires, symboliques, enfin, ça dépend. Quoi. Donc, c'est vraiment, on pourrait dire, le tissu euh, d'échange euh, dans lequel se trouve pris un peintre. Hein, à ce moment-là. Donc, le, le troc à ce moment-là offre à Pierrot un ensemble de possibilités autres que celui qui s'offrait à Paris en 1730 ou en 1910, non, allusion à l'épisode Chardin ou à l'épisode euh, Picasso, ou celui qui s'offre à Londres ou à Berkeley, en Californie aujourd'hui. Baxendal est américain. Les cultures n'imposent cependant pas un modèle cognitif et réflexif uniforme aux individus. Ça, on l'a bien compris. Euh, certes, le siècle de Chardin baigne dans le loquisme, donc, donc euh, les théories euh, empiriques euh, de Locke, mais ça veut pas dire que tout le siècle de Chardin soit empirique, que toute la société euh, soit loquiste. Enfin, on est d'accord, il y, y a des choix, il y a une, comment dit, une composition de chacun et chacune avec son siècle, un siècle est tout sauf uniforme, raison qui doit euh, vous rendre le plus prudent possible avec la notion de mentalité mentalité d'une époque, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est quoi la mentalité de 2023 en France C'est débile. Enfin, où ouais, on se rend bien compte qu'on est assez nombreux pour se prendre le chou et pour ne pas s'entendre comme une espèce d'unité harmonieuse et équilibrée. Il y a, euh, il n'y a pas de mentalité 2023 en France. Il y a tout un, un tissu complexe et ça rend de possibilités euh, qui nous sont offertes de penser à l'intérieur d'elle. Salut à toi, Bichette. La mentalité de 2023, le fascisme Eh ben non. La preuve, on est là. Ensemble et je ne crois pas que nous soyons fascistes, donc c'est pas la mentalité de 2023, euh, d'ailleurs le fascisme ne semble pas très 1923, euh, 2000, euh, pardon, très 2023, mais plutôt 1923, euh, et euh, on ne peut pas effectivement, oui je sais que tu es taquine, évidemment, mais c'est vrai que par exemple, tu, là où tu ne te trompes pas, c'est qu'on a une fâcheuse tendance rapide finalement à rabattre un siècle, un pays, une géographie, une société. Euh, sur euh, une espèce d'unité corporelle, comme ça, dès lors qu'il ne s'agit pas de la nôtre, en disant Bah, tel pays est facho, tel. Euh... Ben non Ben non, en fait. Euh... Les cultures n'imposent cependant pas un modèle cognitif et réflexif uniforme aux individus. Ainsi, les gens se distinguent bah, par leurs activités, déjà. Un médecin ne perçoit pas le corps humain comme nous. Non seulement il a appris à diriger son attention et à opérer des discriminations euh, selon des critères spécifiques, mais il dispose de termes et de catégories qui l'aident bien souvent à les mettre euh, en œuvre. Ben, oui, en plus de cette polyphonie sociale, il y a évidemment euh, le jeu des constructions individuelles et ce qu'on va appeler, ce que j'appelle généralement les historicités, c'est-à-dire ce qui fait l'histoire du sujet lui-même pris dans l'histoire des autres. Quoi. Ainsi, euh, quand le docteur Padouan, Michel Savonarol, Michele Savonarola, alors, Michele Savonarola, euh, enfin, je crois qu'il y a Giovanni Michele Savonarola, ça n'est pas hein, l'illuminé dont nous avons déjà parlé, mais c'est son grand-père. C'est le grand-père de, euh, comment on dit, prédicateur euh, allumé euh, de Florence, dont on a dûment parlé ensemble dans un des euh, lives. Lui n'est pas un prédicateur hein. euh, c'est un médecin. Un médecin extrêmement important. Il est né donc euh, au XIVe siècle. Il va mourir euh, au XVe. Euh, il est docteur en médecine. Il est lié à euh, l'université de Padoue où il va enseigner avant de s'installer plus tard euh, à Ferrare où il sera le médecin personnel de Nicolas d'Este. ça, bon, vous savez qu'on a pas mal parlé des Estes dans le live consacré au Palazzo Schifanoia. Donc lui va être. Euh... Alors, pourquoi Padoue Sachez que pendant un moment. Quand même. Padoue, voilà, là, il y a un très beau livre, puisqu'on est dans les bibliographies euh, ces temps-ci, on, on peut voir ça. Ça, c'est le siècle d'or de la médecine à Padoue, 15e, 18e, donc ça dure quand même un petit moment. Mais sachez que pendant un long moment, euh, Padoue a été le cœur battant euh, de la recherche anatomique. Là, vous voyez des magnifiques euh, séroplastiques du 18e. Bon, vous connaissez sans doute d'autres séroplastiques. C'est un Zumbo. Donc, Zumbo, lui, il va effectivement faire ses... ses, ses mar... Enfin, comment ses... Jeter les bases de son travail à Padoue. c'est vraiment l'endroit où la médecine va, va naître sous sa forme moderne. Où il y a l'université la plus prestigieuse euh, de médecine. Mais, euh, bon, Zumbo, lui, on connaît surtout son travail grâce à, comment, à la spécola Hein, le, le musée de, des, des séroplasties anatomiques, qui se trouve Oltrarno à euh, Firenze, à Florence, donc euh, de, le, sur l'autre rive en face euh, de, euh, des, offices, des offices. Donc, c'est euh, garder ça en tête, en tout cas pour penser quelque chose de, de notre Jojo, de notre Savonarole grand-père. Hein. Il, il fait son travail, son œuvre essentiellement à à Padoue, parce que Padoue, c'est le, euh, le, le cœur de l'intelligence euh, euh, au service de la recherche euh, médicale à ce moment-là. Alors, il, va, il va écrire beaucoup. Hein. Il n'est pas que le médecin personnel des Estes. Euh, il écrit sur les principes fondamentaux de la médecine, tels qu'elles se pensaient et théoriquement au XVe et tels qu'elle se pratiquait euh, évidemment. Il y a plein de choses qui vont exploser hein, à l'articulation hein. au siècle suivant. Ça va être De Humani Corpori Fabrica de, euh, du génial Vézal, dont on a parlé, je crois, dans le dernier live. Hein. Et puis, il va écrire des trucs assez étonnants. Il va écrire euh, des traités. Alors, qu'est-ce que vous dites ça manque de chansons de zeste. Très très drôle, Solarius. <laughs> il va écrire des traités également sur, euh, comment, sur la pédiatrie. Euh, il va aussi être un promoteur du thermalisme à la romaine. Hein, parce que euh, pour ça, il suit les principes de Pietro d'Albano dont je vous ai également parlé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Pietro d'Albano, c'était une figure importante de la construction de ce modèle comment, euh, astrologique, dont on a parlé pendant le live euh, sur le la Villa Schifanoia. Donc, on voit, il y, y a comme ça une espèce de fil conducteur intellectuel qui traverse tous les lives. Donc, je vous renvoie plutôt au live pour entendre parler de Pietro d'Albano euh, sur la Villa Schifanoia, donc sur le modèle astrologique de la Renaissance. Mais bref, c'est un homme euh, important qui s'est aussi intéressé aux arts, puisqu'il a, il a écrit un traité sur l'ornement. Rugueuse, brutale, la mentalité de Padoue, nous dit Dr. Wack, c'est ça. Alors, notre zozo est un contemporain de, de Piero della Francesca. Et il s'arrête sur les proportions qu'utilisent un certain nombre de peintres pour le corps humain. Alors, je vous dis, il s'intéresse à l'art et cette espèce de conjonction d'intérêt entre art. Et médecine, elle va durer très longtemps. C'est-à-dire que la séparation entre en deux plans euh, vraiment différents de l'anatomie médicale et de l'anatomie artistique, elle va pas apparaître avant le XVIIe siècle. Ce qui veut dire qu'on étudie le corps humain, de toute façon un peu bizarre pour ce qui est de la découpe, mais ça on en a déjà parlé la dernière fois, mais on étudie le corps humain aussi bien sur les statues et les représentations que sur le corps à proprement parler. On considère que c'est kiff kiff, qu'il n'y a pas de différence dans euh, comment le modèle anatomique tel qu'il se pratique entre les artistes, tel qu'il se pratique dans la sphère médicale. C'est la même chose, la même pensée. Donc euh, ça, c'est aussi quelque chose qui doit mettre en, en perspective d'une façon un peu particulière la façon dont on va statuer sur... Euh, je dirais l'essence même de la construction d'un corps. Hein. C'est-à-dire que la question d'une idéalité du corps, euh, on comprend bien qu'elle traverse finalement le corps anatomique et le corps artistique. Alors, qu'est-ce que dit l'espace évoqué par Sabo l'arrière est très beau. C'est étonnant parce que le paysage n'est pas du tout estompé. Ah ben bah ça, on a évoqué hier la question du punctum proximum et, et remotum, c'est-à-dire de la façon dont ces questions-là vont devenir picturales à un certain moment. On voit bien, comme tu le notes, que c'est pas du tout le cas. Que là, il n'y a pas de prise en considération, que l'éloignement va, euh, va rendre flou, indistinct ou sans détail l'arrière-plan. Et pour autant... Ce qui a étonnant, Zaziop, effectivement, c'est qu'il y a une grande clarté. Je dirais qu'il n'y a pas de perturbation par cette hyper -lisibilité, lisibilité du fond. Donc il y a des choix plastiques qui sont extrêmement brillants pour arriver quand même à composer pour l'œil une capacité à tout embrasser, à tout distinguer, à tout discriminer sans confusion. Euh, il cite Giotto. Donc, Giotto, je ne vous fais pas le, le comment le... L'insulte de vous dire qu'il était Giotto. Euh, il cite Giotto, il cite euh, Jacopo Avanzi de Bologna, donc Jacopo euh, Avanzi de Bologne. Lui, vous connaissez sans doute moins, c'est un peintre qui était actif euh, dans le nord de l'Italie, même période, un peu avant euh, Giotto, donc fin XIVe. Il est caractéristique Avanzi hein, de, de, de l'école bolognaise. Il est euh, présent, par exemple, dans les travaux de Santa apolonia di Maggioretta à Bologne. Voilà. Il bosse avec euh, le petit génie, la Simone des Crocifici, dont on a déjà parlé, euh, à Rimini, à Padova, enfin, dans plusieurs endroits de, de, de cette région d'Italie, euh, on va dire nord-centre, nord nord-est. Euh, on ne sait pas grand-chose hein, de l'œuvre de Jacopo Avanzi, euh, qui est assez parcellaire, hein, on ne sait pas grand-chose sur la fin de sa vie, il s'escamote assez vite, et puis on ne sait rien de sa vie euh, elle-même. Ça, ce n'est pas quelque chose dont on sait euh, grand-chose. Euh, donc, notre euh, médecin voilà, cite des peintres, et euh, il cite aussi Giusto di Manaboy, euh, qui est un peintre assez important. Giusto di Manaboy, vous pouvez voir des très très belles choses de lui à Padova. Celle Là aussi, je vous invite vraiment, de toute façon, il y a plein de belles choses à voir, et à Saint-Antonio di euh, Padova, Saint-Antoine de Padoue, qui est un lieu euh, complètement ahurissant, donc il faut y aller. Uh, Giusto a fait, c'est un, Giot un Giotesque lui aussi, donc il est très marqué par Giotto, comme tous les peintres de cette période, uh, quelqu'un d'assez brillant, il a été élève d'Altichiero, uh, dont pas je crois aussi uh, comme Michele Savonarola après, ouais. c'est ça, Altichiero et, et Guarancho, donc uh, voilà la légende la... dont il parle. Donc lui, Giusto di Monaboy, a été uh, élève d'Altichiero. Et euh, même si c'est un Florentin, il va s'installer à Padoue, et où il va pouvoir rendre compte, pour l'Italie du Nord, de l'intensité des découvertes de Giotto. Parce que Giotto a fait un séjour à Padova. Et euh, donc, faut voir les fresques du baptistère, du baptistère euh, qui sont réalisées par Gusto euh, de Monaboy. Euh, qui sont assez dingues, donc il y a les frais du baptisteur, mais sinon, dans toute la ville, hein, il y a des travaux de peinture, des fresques, des chapelles dans la ville de Padova, de Padoue. Sinon, on peut trouver des œuvres de jeunesse de Giusto di Monabue dans la province de Milan. À Viboldone, et à Milan même, hein, à Santa Maria di Brera par exemple, et euh aussi à Pavi, qui, qui est pas du tout loin de, de Milan, qui est assez incroyable, dont vous avez entendu parler juste peut-être à cause de Stendhal, et de la Chartreuse de Pavie, Chartreuse que je vous invite évidemment à aller voir également. Alors il faut savoir que c'est vraiment un très grand inventeur, notamment. De composition plutôt savante pour aborder les, les sujets classiques de l'illustration du Nouveau et de l'Ancien Testament, mais c'est vraiment un, un intellectuel de, de, de l'espace et euh, comment de, de l'espace dialogique, euh, synthétique euh, et narratif. C'est assez, assez extraordinaire. Il a été l'élève de Altichiero, euh, dont parle aussi euh, Savonarola, apparemment. Euh, et donc, qui est cet Altichiero oh, Tout ça, c'est flou pour vous. Je vous dis qui sont ces gens. Et si vous voulez, on va regarder un peu de peinture après. Ça, Vous saurez un peu qui ils sont. Euh, c'est mieux. mieux. non Altichiero, euh, c'est Altichiero d'Azevio. Donc il est né dans un petit bled qui n'est pas très très éloigné de, de Vérone, Verona, et il est mort là-bas à Verona à, à la fin du XIVe. Il a bossé surtout, bah, on a vu un de ces gens travaillent un peu dans le même coin, à Verona, à Padova, lui aussi. Donc c'est un peintre important à son époque. Son nom évidemment a pas frappé l'histoire avec autant d'éclat que Giotto. Mais à l'époque c'est un peintre considéré comme important. C'est le, le fils d'une famille d'architectes. Donc, euh, comme di Sonimena Boy est très marqué par Giotto, par la période lombarde de Giotto, donc lui il se trouve aussi dans le coin, il est aussi marqué par Thomas da Modène, hein, donc Thomas de, de Modène, hein, euh, à qui il doit un goût un peu marqué pour le caractère narratif hein, de ses grandes compositions humaines. Puis euh. dans ses coloris, on peut voir une sorte de précepteur hein, chez Altichiro du gothique international. Euh, par sa gestion du, du motif euh, des polychromies dans la peinture euh, plus tardive il y aura quelque chose de ça comme un héritage dans la peinture courtoise plus tardive qui est très vivace hein, dans le nord de l'Italie un coin où le gothique international va s'y remarquer de son empreinte longtemps la peinture euh, même si évidemment l'habitude vasarienne a préféré faire euh, retenir euh, la peinture euh, de la renaissance que les petits génies comme Pisanello ou Gentile da Fabriano donc euh, que dire d'autre d'Altichiro Bah, je suis pas grand chose. Il va développer un intérêt. Ici, ah, si, c'est important. Un intérêt précoce euh, dans l'histoire pour les grands sujets historiques et classicisants. Euh, il, il est sous la tutelle à cette époque de l comment l'humanisme de Pétrarque. Euh, et donc, il va inaugurer un truc dans cette partie de l'Italie. Vous allez mieux comprendre pourquoi je vous en parle euh, ce goût pour l'antique ça va exploser dans la peinture du nord de l'italie euh, vous vous souvenez qu'on a beaucoup parlé de montegna dans le live consacré à la villa schifanoia et eh ben on peut voir ce, cette espèce de prémisse du, du goût pour l'antique dans la peinture de altichiero euh, Donc, c'est pas un détail euh, sans importance Alors, si vous voulez voir du altichiero d'Argevio vous pouvez en voir ben, il y en a à san antonio di padova donc euh, je répète, allez voir, c'est très beau, il faut y aller. J'ai parlé de l'Ipsanothèque, hein, l'Ipsanothèque démentielle à Saint-Antoine de, de Pavie. Pardon. Et on parlait tout à l'heure de, de comment Jacopo Avanzi, il a bossé en collaboration avec euh, Jacopo Avanzi. Et donc, euh, dernier peintre dont nous parle euh, Michel Savonarola, euh, Giovanni Michele Savonarola, c'est Guarento euh, pardon, Guariento. Altichiero et Guariento, et Guariento, c'est Guariento di Arpo, euh, lui aussi il est de Padoue, enfin, je crois, école euh, de Rimini, ah, 14e, pareil, enfin, il naît né au début du 14e, il meurt euh, au dernier écart, je crois, et vous pouvez voir son boulot à Padoue, à Venise, etc., à Venise il a bossé dans le Palazzo Ducale. Je ne sais pas si tout est en bon état, mais on peut voir du Guariento euh, euh, di Arpo au, au Palazzo Ducale euh, à Venise. Il voilà. euh, si y, si y, y, y a 2000 raisons d'aller à Venise. Donc, euh, et on l'appelle Guariento, euh, pour l'anecdote, vous vous en foutez sans doute, mais il n'a pas un cycle des anges de Guariento. C'est une chapelle de Padoue. Voilà, donc on l'appelle da euh, pour euh, pardon, pour euh, pour cette raison. Voilà, voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai trouvé un peu de peinture de ces gens-là pour que vous voyez un peu maintenant de quoi il nous parle, Michel Savonaran. Tout ça pour vous dire que on a de la Messine qui repose sur un regard euh, sur l'art. Avant de regarder ces tableaux, je vous lis rapidement. Alors, le Philippe Puntum Optimum. Ah oui, on est loin. D'après mon Pokédex Giotto, c'est à l'ouest de Kanto. D'accord. T'as possible d'avoir une sottise, oui, mais tu écoutes aussi. Euh, il n'y aurait pas un bourre palette, ça se tient. Ah, vous avez très envie de dire des conneries. Ça mérite un incredible euh, calembour. Alors, je vous dis bonsoir, je vais me glisser dans mon lit, et replier sur moi la couverture. Donc, on continue. Je vous montre les peintures de ces gens. Comme ça, vous allez voir un petit peu tout ça. Ça, par exemple, c'est Altikir. Voilà, donc C'est un détail d'une grande crucifixion, mais l'espèce de cuvette construite comme ça entre les personnages autour de la tunique du Christ, les, les Romains qui jouent au enfin un grand classique normalement au pied, mais ce creuset visuel absolument génialissime composé par la conjonction des regards sur la partie D, pour moi c'est dingue. Alors, sur, super surplombé par euh, le partage violent de la tunique là, entre ces deux-là. c'est Avanzi. On est à, euh, à dans la chapelle Saint-Jacques, euh, Capella di San Giacomo, à Padoue, hein, à Padova. Donc là on voit bien euh, ce dont on parlait tout à l'heure, le, le caractère giotesque assez marqué. Et pour autant, ce n'est pas Digioto. Il y a vraiment une patte. De Avanzi. Voilà, un autre, une autre lunette du même espace, c'est la même chapelle de Saint-Jacques. Qui est très très riche, hein, qui a une grande beauté. Vous avez l'arrestation du Christ là. Donc, vous avez donc deux scènes consécutives, mais embrassées dans le même espace euh, de cette lunette. Il y a vraiment un caractère très judicieux dans le, la, la capacité à composer par la lumière même. C'est qui les petits dans la première scène Les deux enfants qui sont là, je ne crois pas qu'ils soient nommés par la storia, ils servent vraiment à faire une dynamique de l'innocence qui va vers le Christ. C'est-à-dire que l'innocence du Christ, si tu veux, elle est conduite par le regard, euh, au regard, pardon, euh, qui mène au Christ par deux enfants. Cette petite merveille-là, je vous parlais de Giusto di Menabuoi, donc <laughs> cette gloire du Christ, c'est le plafond euh, du Battistero. C'est un Christ pantocrator qui se trouve donc euh, au plafond. Il y a un côté très rond euh, des de, de figures euh, chez Giotto, très plein, comme ça une espèce de belle plénitude qu'on trouve pas hein, dans le où il y a une espèce de pas d'aridité mais chez euh, de dureté des traits chez Giotto, il y a une sévérité si vous voulez, une gravité euh, un peu particulière qu'on ne trouve pas là. Donc vous voyez comment c'est que ça fonctionne avec le tambour. Là vous voyez quelques éléments euh, tout autour du tambour. Ici euh, du Béréchit, hein, enfin de, du premier volet de l'Ancien Testament, le Gan Eden dont sont chassés Adam etc. Donc comme ça vous suivez euh, toute l'histoire tout autour de cet incroyable tambour. Donc il y a des détails au même endroit. Donc là, là je vous montre quelques-uns des détails. On va pas s'arrêter sur sur tous, mais ça vous permet de goûter. Je me suis un peu ah, arrêter sur Giusto d'Imenaboy parce que j'en suis assez fondu, je dois dire. C'est un peintre assez remarquable. Donc là, on a toutes les grandes figures de, de l'ordre qui sont autour de la Sainte Conversation. Et qui sont surplombées par une... Comment, une annonciation. Voilà, et tous les franciscains importants hein, qui sont autour. Hein. Donc, euh, bonne aventure, à François. Probablement Saint Bernardin, j'imagine. Il a le même casque que la denrée dans la soupe aux choux, nous dit Docteur Wack. J'ai pas fait gaffe. <laughs> Remarque toujours pleine de sagacité par Dr. Wack, dont on sent qu'il est au taquet. Alors, toujours Giusto Dimonabo est toujours dans cet absolument ahurissant. Euh... Ah, j'ai pas trouvé de repro parce que je cherchais mon bouquin, j'ai pas trouvé. J'ai un, un bouquin complet sur le baptistère et euh, je l'ai pas trouvé. Où on voit bien notamment le massacre des innocents, qui est un des, un des plus beaux volets. Mais voilà, Donc, ça c'est Giusto. On retrouve, tu euh, vois, Glitch ici, le, la, la, la fonction, on pourrait dire, d'orientation du regard par des enfants, euh, comme un vecteur comme ça, d'une certaine forme d'intelligibilité. Là, on a une scène plus domestique, qui est vraiment très très belle, la naissance euh, ou du Christ ou de la Vierge, je ne sais pas, euh, probablement de, de la Vierge, si j'en crois, l'âge de la partie oriente. une passion assez dingue. Bon, C'était la coutume à l'époque à en faire des tumultueuses comme ça. Vous voyez, ce, je sais pas, celle de Vecchietta par exemple, au Baptistère de, de Sienne. Enfin, globalement c'est un peu la tendance. C'est une grande composition très chargée, avec un ciel bleu très très sombre. Et ça, complètement autre chose, c'est sur parce que je vous ai montré que des fresques, mais euh, Giusto est aussi un peintre de tableaux. Moi je le connais surtout pour ses fresques, mais voilà, un très beau travail. Ici, avec un couronnement de la Vierge. Mais il y a un souci du détail assez riche. Ce qui fait que quand on est dans le baptistère, on peut quand même passer quelques heures de joie. On n'a pas besoin de bouger beaucoup. Comme le Duomo est toujours plein à craquer, ça permet de... En général, on est plus au calme. Voilà, voilà. Qu'est-ce ah, que j'ai Autre chose encore Giusto. On va regarder un peu la scène pour finir. Pour vous voyez la belle composition euh, en demi-cercle comme ça. Par contre, la repro n'est pas de très bonne qualité, c'est un peu dommage. Et je vous ai dit, j'ai un chouette bouquin, mais je ne l'ai pas retrouvé, le bouquin sur Giusto. Une annonciation Giusto. Ça c'est aussi Altichiero. Euh... Je ne sais pas si je vous en ai montré qu'un. Bon, voilà un autre. Ça, c'est un tableau enfin un tableau. C'est une grande fresque d'Altichiero, et dont on avait pu goûter ce détail-là. Voyez, le très beau détail qu'on a vu tout à l'heure. En fait, il est extrait de ce petit joyau. Donc, cet immense euh, travail, très riche. Là, les chromis ont l'air, euh... mais n'ont que l'air, quoi, d'être beaucoup plus désaturées. Mais bon, le temps a passé dessus. Toutes les peintures ne vieillissent pas pareil. Mais euh, ça donne un caractère si harmonieux euh, à l'ensemble. Hein. J'aimerais bien, évidemment, euh, voir euh, comment c'était composé chromatiquement. Euh. C'est vraiment une très, très belle chose. Hein. Ben voilà le fameux détail. Ça, c'est aussi El C'est euh, les funérailles de Sainte-Lucie. L'éclairage général joue beaucoup. Bah, les, euh, les peintres, évidemment, jouaient avec ça. Il euh, y a l'éclairage, si tu veux, contemporain, qui est pas adapté au mode de lisibilité de l'époque. Il faut pas oublier que tout ça se retrouvait dans les églises éclairées à la bougie. Euh, donc, évidemment, on n'avait pas hein, ce plan de lisibilité euh, qu'on a, nous, là, en ce moment, quand on regarde le baptistère. Beaucoup de choses disparaissaient dans la pénombre. Mais pareil, quand on regarde les. les là, c'est euh, l'oratoire euh, de, euh, de San Giorgio à Padoue, hein, euh, cet endroit-là. Cet oratoire est très bien éclairé, Donc, on peut voir des détails de la peinture d'Altichiero euh, qu'on ne verrait pas autrement. Mais on peut quand même comprendre, quand je vous ai dit que c'était un peintre renommé, il y, a un... Enfin, il y a un vrai génie chez lui. C'est pas un petit peintre, c'est vraiment un peintre important. Et quand on. Quand on voit ce travail-là, ou celui-là, hein, on, on, on voit qu'on est dans de la très grande peinture. Quoi. Cette figure-là, par exemple, est tout à fait stupéfiante. -à Il a déjà un pied dans le siècle suivant, largement, quoi, dans son rapport... Euh, euh, je dirais, à, 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 à la spatialité particulière euh, euh, d'un visage, à, euh, en rapport aussi à l'expressivité qui est quand même très très particulière. Euh, là, ce qu'on est en train de regarder, euh, parce que je ne vous l'ai pas dit, je suis un peu con, euh, j'ai insisté tout à l'heure sur euh, comment le, la série des Anges euh, peint par euh, Gordiento Diarco. Donc là, euh, ce n'est plus Altichiero, c'est Gordiento. Donc là, vous voyez bien, j'étais moi-même plongé dans la contemplation des Anges, j'ai complètement oublié de vous... Donc je vous les remontre. Donc c'est un autre, autre, un autre regard. Tu n'as pas compris le perso dans les mains de l'ange. Ah, c'est une âme, hein, tout simplement assez courant de représenter... Alors, la théorie angélique, c'est énormément euh, complexifié euh, au Moyen-Âge. Elle passionne les gens. Donc, on écrit beaucoup sur euh, la, la base polynienne de la, la, la complexion de la hiérarchie des anges. Il y a neuf catégories d'anges. Si ça vous intéresse, un de ces quatre, on pourra regarder ensemble le baptistère de Florence, qui, à cet égard, est vraiment remarquable, puisqu'on voit très bien comment est composée cette espèce de hiérarchie angélique, comme ça. Euh, où les trônes, les grâces, ah, les séraphins, les, les anges, les archanges, les chérubins, enfin, il y a tout un univers comme ça, très hiérarchisé, euh, qui puise euh, ses sources dans la littérature, euh, comment, euh, patristique. Et euh, c'est un siècle, à partir du XIIIe, XIVe, on va adorer, multiplier à foison la lecture. et euh, le Guariento, il, a, il adore représenter ça, c'est armée d'anges, c'est sublime. Ah, là, là c'est vraiment tout à fait incroyable. Oui, c'est une âme, Dr. Wack. Voilà, regardez-moi ça, oh, c'est magique ça. Hein. <laughs> J'avoue que cette image-là, elle me scotche tout particulièrement. En voici une autre. On, vo on voit quand même le cri, le, le kiff démoniaque, <laughs> enfin c'est pas le cas, précisément, le kiff séraphique euh, de Corriento di Arpo, euh, sur euh, l'angéologie euh, à ce moment-là du 14e siècle. On voit bien ce qu'il attire. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Dans, dans cette image-là, Clint, ouais, c'est stupéfiant. Ouais. Euh, c'est la composition de ce sol avec lequel ils font corps, comme une espèce d'unité qui avance, comme ça, ce sol de nuages. Et un autre aspect de la peinture de Guarriento. donc À cette époque, on avait coutume, hein, depuis le Chimabue, qui va plus ou moins euh, proposer, je crois, hein, les prototypes comme ça, de grands crucifix. Mais on va beaucoup voir ça aussi chez. Ah euh, euh, oh, petit trou de mémoire. Peintre assez génial de cette période, Laurent. Pas le maestro de San Francesco. Ah merde. Un des plus célèbres peintres du XIIIe. Bon, écoutez, j'ai un petit trou, euh, ça me reviendra. En tout cas, euh, ce, ce modèle-là va, va, va s'installer assez durablement pendant un bon siècle. On va composer comme ça des grands crucifix qui portent euh, une partie euh, de l'histoire de Christ, en quelque sorte, euh, sur la croix elle-même. Ça c'est encore Gorriento, c'est un incroyable politique euh, du couronnement de la Vierge. Avec un dessin beaucoup plus appuyé, plus ferme. Hein, c'est pas le même homme, évidemment, quand il fait une fresque et un tableau. Bah, évidemment, il n'y a pas les mêmes impératifs, la même approche euh, formelle, les mêmes, je dirais, impératifs techniques qui peuvent limiter des fois la, la possibilité de faire. Le domaine de, le, comment, de, de la fresque oblige à euh, comment à... Aller vite pour, mettre, pour imprimer dans l'enduit le, le, frais les couleurs, pour que ce soit tenu. Donc on, y a une, déjà, il n'y a, a pas une palette aussi riche, il y a une quasi-impossibilité de faire des, des, des fondus, des, des mélanges. Euh, il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Là, d'un seul coup, quand on passe au tableau, évidemment, on a d'autres d'autres possibilités de travailler, et notamment, évidemment, à fond d'or. Donc ça aussi, c'est Guariento, le Christ dans un très beau linge. Et voilà. Bon, on va, on va rester là-dessus. Tout ça, euh, c'était pour simplement vous illustrer un tout petit passage pictural, des liens, euh, par exemple, du peintre Michel Savonarol avec la peinture, et... Euh, des nuances qui sont proposées, justement, entre ce qu'un peintre aurait pu avoir à dire sur, euh, sur le corps humain et de ce que les médecins pouvaient avoir à en dire également. Qu'est-ce qu'on dit? Que, que nous dit Baxendal? Les médecins étaient alors très attentifs à cette question qui entrait dans la méthode de diagnostic héritée de la médecine aristotélicienne. Et sous certaines conditions, ces dispositions et ces connaissances professionnelles pouvaient leur servir dans d'autres situations, comme lorsqu'ils voulaient juger une peinture par exemple. Donc, ils pouvaient juger une peinture euh, à l'aune de leur conception euh, médicale du corps, si vous voulez. C'est ce que, ce que faisait euh, comment, euh, Giovanni Michele Savonarola. À toutes les époques, les peintres développent des capacités visuelles spécifiques liées à leur profession qui, bien sûr, s'exercent puissamment dans leur tableau. Alors, je vais prendre un petit truc d'ailleurs sur la peinture du, du Trescento, si ça vous intéresse. Je pris un petit lien, je vous le mets là. Voilà, je pense que vous avez là-dedans c'est l'école de Réminier, comme là il y a beaucoup de gens qui sont typiquement de cette école, vous allez retrouver un peu les gens dont on vient de parler, et ça va vous intéresser. Il y a d'autres repros, enfin d'autres trucs, et puis ça parle un peu de leur vie, vous en apprendrez sans doute un peu plus euh, euh, là-dessus. Mais chaque culture favorise aussi certains types de développement cognitif qui concernent des groupes plus importants en nombre. Vivre dans une culture, grandir et apprendre à survivre en elle, c'est faire un apprentissage perceptif spécifique. Les habitudes et les capacités de discrimination qui en découlent affectent la manière dont nous traitons les données nouvelles que la sensation offre à l'esprit. Et comme nos attentes et nos inférences visuelles sont particulièrement sollicitées dans euh, le jeu pictural, qui consiste à marquer une surface plane de telle manière qu'elle suggère un espace à trois dimensions, celle-ci peut enregistrer des différences autrement marginales dans la culture du spectateur. Donc je vous relis cette phrase qui est importante comme nos attentes et nos inférences visuelles, hein, tout ce qu'on a à faire. il vous y parle souvent. Euh, salut Monsieur Carnaval, vaccindal euh, de sa méthode d'historien par inférence. Euh, je ne sais pas si vous êtes familier de ce vocabulaire qui appartient plutôt au formalisme logique. Donc je ne vais pas vous emmerder avec la logique formelle parce qu'il y a déjà suffisamment de, de live philo chiant le mardi soir sur ce genre de sujet. Euh, mais euh, pour la faire courte. Une inférence, c'est cette conduite de votre pensée, hein, par laquelle, quand vous êtes euh, devant une proposition affirmative, une affirmation, une proposition assertative, donc qui, qui dit, qui affirme quelque chose, ou alors devant un ensemble de propositions, un ensemble d'affirmations, dont vous ne savez pas encore si elles sont vraies ou fausses, vous allez, par inférence, les amener à une conclusion. Voilà. Ces inférences, bah, par exemple, ça peut être une déduction. Voilà. Alors, la déduction, vous voyez, hein, ça découle juste logiquement des propositions elles-mêmes, parce que vous avez déjà établi, si vous voulez, un, euh, une certaine certitude sur le statut de vérité de, des propositions, ce qu'on va appeler vos prémices. Donc, bah, ça va, c'est par déduction. Vos propositions de départ étant établies pour vrai, pour vrai euh, dans ce cadre, votre procédé processus d'inférence, c'est par déduction. Mais ça peut être aussi une induction, un certain type euh, d'inférence, par laquelle, sur la, la fois de probabilité cette fois-ci, donc depuis des cas individuels, singuliers, en étant le, pardon, en étant le, le processus logique, euh, ou sur la base d'un faisceau d'affirmations euh, singulières, eh ben on va tirer une affirmation plus générale, parce qu'on part de trucs en gros qui tombent plus ou moins sous le sens pour aboutir hein, par une induction à des choses plus inévidentes qui ne coulent pas de source euh, contrairement au processus par déduction mais on va dire selon un procédé d'inférence plus probabiliste voilà. donc c'est ce qui est en gros euh, une inférence et comme nos attentes et nos inférences visuelles sont particulièrement sollicitées dans le jeu pictural c'est à dire qu'il y a aussi euh, on va dire euh, une manière du regard, une prospective du regard, une façon de le diriger, qui... Euh, enfin de scruter le tableau qui est en quête d'un quelque chose largement motivé. C'est-à-dire en gros vous avez des petites idées derrière la tête quand vous, quand vous regardez. Vous n'êtes pas un pur regard. quoi. Comme nos attentes et nos inférences visuelles sont particulièrement sollicitées dans le jeu pictural, qui consiste à marquer une surface plane de telle manière qu'elle suggère un espace à trois dimensions. C'est-à-dire que parmi le jeu de ces inférences, il y a celle d'impliquer votre façon de scruter le tableau pour en vérifier d'une certaine manière le caractère illusionniste, c'est-à-dire pour l'apprécier, pour le prolonger, pour le justifier d'une certaine façon. Euh... Eh bien, celui-ci peut enregistrer des différences autrement marginales dans la culture du spectateur. Qu'est-ce que tu dis Depuis quand ils sont chiants Je m'en vais sauter par-dessus de la cour d'administrative d'appel et m'en plaindre au conseil d'État, c'est inadmissible. De quoi parles-tu euh, Glitch. Qu'est-ce que j'ai raté J'ai raté un truc, Glitch. Euh, je, je sais plus. J'ai dit quelque chose était chiant Je ne sais plus. Euh. La logique formelle, c'est peut-être ça, les formalismes logiques. C'est ça, j'ai dit que c'était chiant. Ainsi, un aspect de l'art de Pierrot représente à la fois la diffusion d'une technique dans une culture et la décision d'un individu de la reprendre à son compte. Ah, les live-philos sont chiants, autant pour moi. <laughs> du mardi Ah, je suis même pas tout ce que, ce que je dis moi-même. Ah, bravo, si je ne sais plus ce que je dis, euh, quelle honte. Ah, où en suis-je oui, un aspect de l'art de Pierrot représente à la fois la diffusion d'une technique dans une culture et la décision d'un individu de la reprendre à son compte. Euh, sachant aussi que, évidemment, l'individuation d'un dispositif technique, c'est déjà un changement de dispositif. C'est-à-dire, c'est la façon qu'on est à d'y imprimer à nouveau de la subjectivité. D'abord parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais aussi parce que c'est Comment dire Ça fait partie du désir euh, créatif. La culture de l'Italie du XVe, je dis par là de. Comment dire La peinture problématise la peinture. Voilà. Donc il ne faut pas attendre le XXIe siècle pour que ça devienne vrai. Les peintres problématisent la peinture dès qu'il y a peinture. Dès l'Antiquité, on a évoqué ça ensemble avec Pluton. C'est important de garder ça en tête. La culture de l'Italie du XVe était en effet marquée par le développement d'un type caractéristique de mathématiques commerciales. Euh, ces mathématiques qui faisaient l'objet d'un enseignement soutenu dans euh, les écoles étaient largement connues. Donc il veut dire par là exactement les mêmes questions que par rapport au loquisme, si vous voulez, euh, de, euh, de, de de Chardin, le loquisme supposé de, de Chardin, la question de savoir qu'est-ce qui était possiblement connu de un tel ou un tel. Question vraiment importante, évidemment. Ce n'est pas le tout d'assigner une époque au, au champ de ses découvertes et de ses singularités. Mais la question qui a été posée d'ailleurs par Lucie très tôt dans le, le live, qui lisait ça Qui lisait Vasari euh, Et de la même manière, qui lisait euh, Marcille Fissin euh, euh, Qui pouvait savoir Est-ce que les peintres savaient, lisaient ça, etc. L'enseignement portait sur certains éléments de géométrie. Utilisé pour la mesure des tonneaux et des ballots, et sur une forme de calcul arithmétique des proportions applicable au contrat entre deux parties et au taux de change. Tailleur de Ferdinand, Solarius. Tu sais que j'ai même pas pensé. C'est dingue. Alors là, c'est vraiment fou que j'ai pas pensé. Pourtant, je suis là. L'art de Chardin compte chez moi, pour des raisons tout à fait fétichistes, mais euh, <laughs> je n'y ai même pas pensé avec la taille de Chardin. Bravo! Bravo! Euh, ces deux techniques, qui étaient presque des techniques fétiches de l'époque, étaient utilisées aussi bien par les peintres que par leur public bourgeois. La vision était chargée de théorie. Pierrot incarne ainsi une forme de continuité entre les marchands et les peintres. Ce n'est pas des exagérations. Hein. C'est important quand vous lisez par exemple les analyses euh, qui peuvent être faites euh, de choses même romanesques, quand vous lisez les, les études des médiévistes sur euh, le roman de la rose. Euh, vous verrez à quel point les inventions techniques sont présentes constamment dans ce roman, euh, notamment de l'optique de, de l'époque. Elles, elles jouent un jeu important pour comprendre les grandes allégories qui traversent le récit. Donc, que les œuvres d'art euh, jouent comme ça de façon trouble avec euh, le cadre technique et scientifique de leur époque. C'est quelque chose qu'on doit concevoir comme, euh, comme fondamental pour euh, une approche un peu raisonnée hein, de, de la peinture. Ces traités, les traités de Pierrot, portent aussi bien sur les mathématiques commerciales que sur la perspective picturale, qui fait appel, elle, à la géométrie, et l'art des proportions, qui s'appuie sur l'arithmétique. La perspective, l'art des proportions et l'analyse euclidienne des formes sont des éléments très présents dans la peinture, qui enregistrent un aspect particulier de la culture dans laquelle il vivait. Mais s'il ne fait pas de doute que Pierrot et ses clients évoluaient dans d'autres catégories que les nôtres, il ne faut pas oublier non plus que ce fut Pierrot qui décida du choix de cette ressource particulière. Donc il est partie prenante dans cette diffusion. Oh là, faut que je mette une bûche. Notre peintre lui portait un intérêt moindre que lui. Donc la place de Pierrot comme singularité investie dans euh, ce, comment on pourrait dire, ce lieu de passage entre art et science ne peut pas être négligé. Il y a la part qu'on pourrait dire collective, sociale, historique et qui ne doit pas du tout laisser de côté jamais la part individuante de ce processus. Voilà. Les, les peintres ne sont pas juste les symptômes de leur époque, les effets de leur époque. Ils ne peuvent pas être déduits euh, d'une un, série de contingences euh, socio-historiques. C'est absurde, hein ça n'a aucun sens, évidemment. Tout ceci était affaire de techniques et de dispositions visuelles. Intervenaient bien sûr des concepts tels que pyramides, proportions, mais ces concepts s'appliquaient directement à la vision. D'autres dispositions intellectuelles de la culture de l'époque, moins visuelles, plus extérieures, pouvaient aussi servir à la réflexion sur la peinture. Pour prendre un exemple proche de nos préoccupations, les gens cultivés au XVe siècle s'appuyaient sur un appareillage conceptuel assez différent d'une autre quand il réfléchissait sur les causes des choses, et notamment sur les causes des tableaux, ouais, effectivement. Que, même si euh, on dit que c'est une période particulièrement néo-platonicienne, euh, on y lit aussi copieusement Aristote, d'ailleurs on y lit des traités qu'on attribue à l'un ou à l'autre en se trompant, parce que bah, le bordel dans lequel arrivent les copies des manuscrits permet rarement d'en faire l'histoire précise. Euh, pourquoi je dis ça euh, Parce que si on lit la suite du texte de Bach-Sindal, voilà ce que ça donne. La structure de l'explication était différente, aussi bien en ce qui concerne le but que l'intention. Et on va dire aussi la place du but et de l'intention par rapport à l'objet concerné. Je vais éclaircir ça. Pour simplifier. Un tableau pouvait être considéré comme le produit de deux principaux genres de causes, la cause efficiente et la cause finale. Voilà pourquoi je vous dis ça et voilà pourquoi je vous parle d'Aristote, parce que là on est en plein dans le vocabulaire aristotélicien, donc c'est important de comprendre de quoi on parle, parce que les causes chez Aristote sont directement liées, je dirais, aux propriétés, à la définition de la chose. Et euh, ces causes sont de nature qui pourraient nous sembler quand même très différentes. Là, j'ai pas de retour son clime, donc je ne sais pas si c'est un joli morceau. Euh, J'espère qu'il parasite pas trop la lecture. Qu'est-ce que je veux dire par là Aristote mêle dans ce qu'on appelle ses quatre causes. Enfin, c'est pas on chez lui. Hein, il établit quatre causes euh, pour euh, se rapporter aux choses. Et euh, il y mêle des, des rapports à ces choses, comme la finalité, à quoi sert cette chose, que dans d'autres modes de pensée, contemporains par exemple, on aurait plutôt tendance à séparer radicalement aujourd'hui. Pour intégrer ces causes à la singularisation, à la détermination d'une chose, euh, il se livre à des opérations, on va dire, de, de condensation des causes qui nous sont plutôt étrangères. Les quatre causes d'Aristote. Alors, on va en parler rapidement pour que vous ayez bien ça en tête. Je sais bien, c'est encore un formalisme logique, mais c'est important d'y voir un peu clair. Alors, répondre à une chose simple, euh, les causes d'Aristote. C'est pourquoi telle chose Pourquoi cette chose Quelle est la cause de cette chose Et donc, il établit quatre causes. La cause euh, matérielle, la cause efficiente. La cause formelle et la cause finale. C'est quoi ces causes dans le, le, le contexte d'un questionnement Pourquoi Pourquoi cette chose euh, La cause matérielle, euh, littéralement, c'est la matière qui va constituer une chose. Cette matière doit être combinée à la forme de cette chose. Hein. La matière, elle est inenvisageable elle est impensable de façon euh, pure. Euh, donc il faut la combiner à une forme pour la penser. Voilà. C'est ça qui fait la substance d'une chose. C'est cette euh, combinaison de matière et forme. La cause matérielle, c'est la matière, qui paraît être la plus simple à déterminer, apparemment, euh, même si son accessite est le plus douteux. C'est la chose à laquelle on a le moins accès, finalement, par la pensée, euh, à la matière d'une chose. Mais en gros, la cause matérielle, c'est ça. C'est quelle est la cause, par exemple, de de ce cet électroaimant, de ce fil d'électroaimant Quel est son pourquoi matériel eh c'est le cuivre. La cause matérielle de ce fil, c'est le cuivre. Voilà. Euh, par ailleurs, on fait peut-être des fils d'électro-aimant et d'autres métaux. J'en sais rien. On va s'en tenir là, si vous voulez bien. Ne compliquons pas tout. De tel euh, fil, cause matérielle. Quelle est sa cause euh, efficiente Alors, la cause efficiente, euh, c'est la terminologie médiévale, donc plutôt euh, thomiste. Chez Aristote, on parlait plutôt de cause motrice. Pourquoi ce fil de cuivre est entortillé La cause efficiente, bah, c'est la cause, c'est l'électricien. À cause de l'électricien qui l'a embobiné. Ça, c'est la cause motrice. Le principe moteur, si vous voulez, par lequel sa puissance est passée en acte, la, la théorie d'Aristote repose aussi ça, ça rend la chose plus compliquée sur une espèce de connaissabilité euh, de cette propriété-là d'une chose. Parce qu'en fait, lui, il exclut tout mouvement chaotique, tout mouvement désordonné, tout mouvement insaisissable. Il suppose toujours qu'on peut connaître euh, le, comment dire, le, le, la cause motrice d'une chose. Elle est connaissable, elle est déductible. Donc, pas de chaos pour lui. Et cette cause, euh, comment, efficiente, elle peut être de, de nature, si vous voulez, elle est soit principale. Dans ce cas-là, dans le cas de notre fil délectro c'est Roger. Roger, l'électricien, c'est la cause. C'est lui qui a fait ça. Ça, c'est la cause principale. Ou elle peut être instrumentale. Et c'est les pinces à Roger. Voilà. Et ça, c'est une cause instrumentale. Elles sont sensiblement différentes parce que Roger. Qu'as-tu mis sur ton visage, Roger <laughs> je vais devoir surgir une Agnès très inquiétante avec un masque monstrueux. Non, mmh, dis, dis bonsoir, Roger. <laughs> Est-ce que tu peux m'accrocher, ça Tu veux que je te l'accroche ah, J'étais sur Roger, la cause efficiente. Le t'es accroché, là. T'es accroché, ouais, accroché Ouais, t'es accroché. Ça a l'air... Attends. Ah, mais non, t'es pas accroché. Attendez, excusez-moi. Hein, a... J'ai une Agnès qui n'est pas accrochée. Qu'est-ce que tu as fait Tu Mal fait. Ah oui, t'as fait un truc chelou, là. Mais attends, bah, je vais me débrouiller professe. Ah ouais non, ça n'a rien à voir. Euh, en fait cet élastique là il doit se retrouver derrière toi, t'as viré le... C'est pas bien. Il faudrait tout refaire là. Il faudrait mieux de prendre l'autre casse, l'autre masse si on a un. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Oui, vous avez... <laughs> Deux causes assemblées, euh, les gens te disent coucou, que fait Agnès dans cette tenue Elle est en train de passer du vernis sur l'escalier, si vous voulez tout savoir, et le vernis dégage des odeurs pestilentielles. Donc, euh, une certaine autonomie euh, de la cause efficiente, Roger, pas d'autonomie pour les pinces à oraux, parce qu'elles peuvent pas faire des électroaimants toutes seules. Voilà. On en était où On a la cause matérielle, la cause efficiente, la cause formelle. C'est... Ce qu'on doit associer à la matière pour commencer à parler d'une chose. Et c'est, euh, comment dire, c'est son essence. C'est-à-dire, c'est la cause la plus proche de sa caractérisation. Ôtez-vous de l'idée que la forme, c'est sa détermination spatiale ou géométrique. C'est pas ça, c'est pas son étendue, hein, pour prendre le vocabulaire plus tardif de, de Descartes, c'est plutôt sa définition, son comment. Comment elle est faite parce qu'on peut avoir la même forme, mais pas du tout la même définition, un peu comme une représentation euh, parfaite, mais inerte, peut épouser la forme de son référent sans partager pour autant avec lui sa définition. Donc, pour une œuvre de création, par exemple, pour un artefact, une production humaine, c'est l'idée qui va présider à sa conception, à la cause formelle. C'est l'idée qu'on a de l'œuvre avant de mettre en branle sa réalisation. Donc, l'essence, euh, la cause formelle de l'électro-humain, eh c'est euh, l'idée, c'est de produire un champ magnétique quand il est alimenté par un courant électrique. Et la dernière cause, c'est la cause finale, c'est ce, dans la perspective de quoi, dans l'horizon de quoi, en vue de quoi, une chose est faite. Voilà. Quel, est, euh, quel est son horizon, quelle est sa fin, si vous voulez. Euh, c'est ben Là, le, la fin, c'est pour attirer des trucs en métal. Voilà. Ça, c'est la cause finale euh, des notre aimant. Euh, bon. Voilà, vous avez euh, compris donc euh, là, on parle euh, essentiellement euh, des causes efficientes, euh, deux genres de causes, cause efficientes et causes finales. Elles ont en particulier euh, quelque chose, quand même, en commun. La cause efficiente et finale, c'est qu'elles sont extrinsèques. C'est des causes qui sont extérieures à l'objet à proprement parler. On peut les enlever. On peut enlever Roger, par exemple, l'électro-aimant reste un électro élément euh, et il ne fait pas partie, si vous voulez, du dispositif de la chose. Elles sont extrinsèques à la chose même. Elles, elles en sont une cause, mais une cause extrinsèque, ce n'est pas une cause intrinsèque. On peut virer Roger, on peut virer le but de Roger qui est de, comment, d'attirer des choses euh, en métal. Euh, ça n'enlève rien, donc, aux au, au deux au de causes, si vous voulez. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que c'est un peu clair Non, c'est pas l'artiste. L'artiste, ce serait plutôt la cause efficiente, par exemple, là. Tu vois. Donc euh... Ah oui, pardon. Si c'est ça. Oui, la cause motrice efficiente, c'est l'artiste. Autant pour moi. Je... C'est tout à fait ça, Docteur Watt, tu as parfaitement compris. C'est de ça dont il s'agit. Oui. Et le pinceau. J'ai pris l'exemple des pinces à Roger, par exemple, mais le matériel artistique fait partie de la cause efficiente à cette, deuxième, enfin, à cette différence près. C'est qu'elle est, qu elle est euh, rattachée à la première cause, donc euh, Piero de la Francesca, par exemple. Elle dépend de lui. Euh, elle n'est pas autonome. Il n'y a pas d'autonomie de cette euh, cause motrice ou de cette cause efficiente, mais pourtant, elle fait partie de la cause efficiente. Et l'artiste, oui, comme le dit Glitch, c'est Roro. Roger, euh, l'électricien. Pour revenir à mon exemple à la con, je suis désolé. Exemplifier, c'est pas le truc que je fais le mieux. Peut-être que oui, elle a une frontale parce que l'escalier est dans le noir, euh, Clint. Enfin, il est vraiment dans la pénombre de notre vieille maison. <laughs> je suis désolé. Euh, bon, cette chaîne, c'est vraiment euh, un peu n'importe quoi. Mais c'est ce qui fait tout le charme des lives, en fait. Là. Hein, ce, ce genre de choses n'arrive pas à l'EHESS quand personne, euh, au cours d'une conférence magistrale dans un lieu aussi sacré que le Collège de France, ne voit jaillir Agnès avec une lampe frontale, un masque sur le nez en train de refaire les escaliers. C'est dommage. Moi, je pense que ça rajouterait un peu de sel à, à l'atmosphère. Si, fonctionne quand même cet exemple. Ouais. D'accord. De toute façon, c'est fait. J'espère que vous avez mieux compris ce qu'étaient les causes et de voir un peu dans quel cadre de la pensée peut se trouver, évidemment, pris un homme du XVe siècle, hein, euh, avec cette espèce de euh, d'architecture des quatre causes qui est encore très présente dans la pensée du XVe siècle. Tas de causes efficientes pour insulter des sorties, une bande de causes efficientes. Alors. Pour simplifier, un tableau pouvait être considéré donc comme le produit de deux principales causes, deux principaux genres de causes, la cause efficiente et la cause finale. Les causes efficientes étaient les personnes ou les choses qui, par leurs actions, produisaient des effets. Or, les tableaux sont, entre autres choses, des effets. Les causes finales étaient les fins vers lesquelles tendait cette action. Dans les termes de cette approche, le client avait une action causale plus large que le peintre sur le tableau. Ainsi, dans la mesure où il avait joué un rôle déterminant dans le processus de production, le client qui avait passé commande pour le baptême du Christ était une cause efficiente de ce tableau. Mais dans la mesure où le tableau avait été exécuté pour lui, pour son usage privé ou autre, bah, il était aussi une de ses causes finales. Pierrot, pour sa part, était bien une cause efficiente du baptême du Christ, comme ses pinceaux ou comme ses assistants, comme je viens de vous le dire, puisque le tableau était un effet de son action, mais il n'en était pas le dessinataire il ne faisait pas partie de ses causes finales, sauf à prendre ces termes dans une acception plus large et plus complexe que ne le voulait l'usage d'alors, ou que ne le voudrait une anthropologie très fermée, parce que en fait, évidemment, qu'un peintre se grandit de sa peinture. Donc évidemment que, que se constituer par ses actions est une vérité du 15e siècle c'est pas quelque chose qui attend si vous voulez un plan théorique pour s'incarner c'est pas quelque chose qui a besoin d'être formulé ou d'être étroitement euh, attaché à, je dirais, à une réalité euh, conceptuelle d'un siècle pour un devenir vrai là La... au, au contraire je pense que si on doit étendre cette question euh, de façon assez euh, précise assez rigoureuse finalement aux modalités d'action de toute construction humaine, on a le devoir d'y impliquer cette construction de soi, c'est-à-dire les processus de subjectivation sans lesquels juste rien n'arrive. Il n'y a que du même. L'enjeu du non-même, c'est l'enjeu qui ne répond pas précisément à la commande. Ce qui va faire, euh, comment dire, euh, ce qui va faire la simple possibilité d'un écart d'identité c'est-à-dire un pas de côté par rapport à la commande, c'est bien précisément les processus de subjectivation qui sont en branle à l'intérieur d'une telle situation, sans lesquels il n'y a pas de raison de voir fléchir la normativité en quoi que ce soit. Vous, vous doutez bien que si jamais le commanditaire ne fait commande d'une différence qu'il n'a pas de raison d'imaginer. Il n'a donc pas de raison de la formuler, il n'a pas de, de raison d'une certaine manière d'intégrer ce, cette transgression, puisque lui c'est le contraire qu'il attend d'une transgression. Il attend une réponse conforme à son attente. Donc à partir de là, vous comprendrez bien qu'on doit intégrer l'artiste comme cause finale, au moins dans ce domaine, cause finale de la subjectivation. L'artiste se change par les changements qu'il opère à sa peinture. Si nous voulions dire en quoi ce tableau représente la personnalité de Pierrot plutôt que celle du client qui l'a commandé pour des raisons personnelles, nous aurions intérêt à évaluer son degré de compétence dans les différentes branches de son art, couleur, dessin, composition, etc., où il intervenait comme cause efficiente. Et quelqu'un de très cultivé ferait remarquer que Pierrot poursuivait une idée dans le baptême du Christ, une conception de l'intention qui s'éloigne beaucoup de notre schéma. Problème-solution. On revient à peu près au même que ce que j'étais en train d'évoquer. La manière dont les hommes du XVe siècle pensaient aux causes du baptême du Christ, les attentes qu'ils pouvaient développer à son propos, les concepts mêmes dont disposait Pierrot pour se représenter ce qu'il faisait en peignant ce tableau, toutes ces composantes supposent une forme d'explication assez différente de la nôtre. Dans le cas de Pierrot, il est donc légitime de se demander jusqu'à quel point. Il est possible de reconstituer l'intention d'un homme qui, de par sa peinture, ne partageait ni nos connaissances de la peinture, ni nos conceptions de sa fonction, et qui non seulement s'appuyait sur des capacités et des dispositions visuelles que nous n'avons plus, mais qui ne partageait pas notre conception de la cause et de l'intention. On continue. Petit 2 de ce chapitre dans lequel on va avancer un peu quand même. Je ne sais pas jusqu'où, mais on verra bien. Il est très long, hein, donc on va évidemment pas le faire en entier, mais peu importe. D'autant qu'on va se faire un petit pas de côté vers la question du genre, juste pour le plaisir de regarder quelques belles images. Petit 2 la connaissance d'autres cultures, la compréhension du participant et celle de l'observateur. Rappelons d'abord le but de cette investigation et la position que nous avons adoptée. Notre propos est particulier et limité à un domaine bien précis. L'intention, un terme qui s'applique ici euh, aussi bien au tableau qu'au peintre, nous intéresse en tant que moyen d'affiner la perception que nous pouvons avoir de là où nous sommes de tel ou tel tableau. Ce que nous tentons d'expliquer, c'est le tableau tel qu'il apparaît dans une description, dont les termes nous appartiennent, et notre explication fait elle-même partie d'une description plus large de ce tableau, description dont, à niveau, nous choisissons les termes. Tout ça, il l'a déjà dit dans le chapitre précédent assez clairement. Donc rendre compte d'une intention, c'est pas raconter ce qui s'est passé dans l'esprit du peintre, auquel on n'a pas vraiment accès. Hein. Euh, mais construire une analyse susceptible de rendre compte des moyens dont il disposait et des fins qu'il poursuivait. Là-dessus, il y a déjà plus de flottements, évidemment, elles ne sont pas toutes connaissables. Telles que nous les inférons, souvenez-vous hein, du processus d'inférence tout à l'heure, à partir d'une relation entre un objet et euh, bah, des circonstances identifiables. Cependant, nous ne cessons de nous référer au tableau et nos termes. Ont toujours une signification ostensive, donc ostensive visant à montrer. Hein. Il est d'usage lorsqu'on discute de la euh, compréhension, qu'on peut avoir des cultures, des acteurs qui y participent, et euh, les discussions abondent sur ce point, de commencer par une distinction entre deux types de compréhension, car c'est une chose de participer à une culture, et c'en est une autre de l'observer. Celui qui appartient à une culture comprend et connaît sa culture d'origine avec une immédiateté et une spontanéité que l'observateur ne partage pas. Il peut agir à l'intérieur des normes et des règles de cette culture sans avoir forcément conscience des raisons qui les sous-tendent, souvent même sans avoir formulé ces normes en tant que telles. Mais c'est assez cohérent parce qu'à partir du moment où la norme ne se constitue que devant euh, l'écart de l'écart, bonnuement. Alors, euh, vous pouvez imaginer que être pris dans le sillage des normes, c'est être précisément tenu à l'écart de la possibilité de les penser comme normes. En gros, la dernière chose qui puisse permettre d'observer la normativité d'un système, c'est évidemment d'être intégré aux normes de ce système. De participer à leur euh, production continue. Il n'a pas besoin, par exemple, de se référer à chacune des cinq conditions requises pour un retable. Là, il, en avait pas donné... il en a donné cinq. C'est quoi C'est un retable, c'est une représentation du baptême du Christ, c'est un tableau. On avait serré les conditions requises pour un retable. J'ai pas l'impression, moi. Bon. L'expérience qu'il a pu en faire à travers le temps lui a permis d'intérioriser un certain type d'attente relative à ce sujet, ce qui rend, vous en doutez encore plus difficile la possibilité de questionner, je dirais, euh, cette attente tant qu'il y ait répondu. En gros, il n'y a que la trahison d'un tel type d'attente qui permet d'un seul coup de voir ce qui se passe ou ce qui ne s'est pas passé. S'il y a une parfaite un accomplissement de cette attente, rien n'est même perceptible. Il y a juste un déroulement des choses qui vont de soi. Il se déplace à l'intérieur des règles de sa culture avec facilité, avec tact, et aussi avec une souplesse qui lui permet d'innover en permanence. Alors la question de l'innovation, elle est très complexe. Et là, je vous renvoie plutôt au live sur l'anomie, hein, avec Jean Duvigneau parce que euh, la position de l'innovation exige, plus finalement que de la souplesse ou de la plasticité, elle exige, elle exige une espèce de cohabitation, on va dire, d'un changement de paradigme et, euh, comment on pourrait dire ça, un déphasage des sujets qui y sont impliqués par rapport à la norme, et par rapport au changement de paradigme. Donc je trouvais l'endroit dans lequel les sujets sont acteurs, à cet endroit-là, de ce changement de paradigme. C'est une chose assez complexe à, à voir, parce que on peut dire que, d'une certaine manière, on en fait plutôt du changement, toujours l'histoire, on est plutôt devant lui, dans un a posteriori. C'est un peu la règle, parce que comment pourrait-il en être autrement D'autre part, euh, ces changements s'opérant de façon marginale au sens littéral du terme, c'est-à-dire depuis les écarts, ce dont les écarts ne peuvent pas être munis, c'est de postes d'observation, puisqu'ils sont des écarts. La norme n'escrute pas les écarts, elle en nie l'existence même, ou elle les combat. Donc, c'est-à-dire, si elle les combat, c'est qu'elle les fantasme, elle ne sait pas ce qu'ils sont vraiment. Et moins encore ce qui s'y invente, c'est qui s'y change. Sa culture est semblable pour lui à la langue qu'il a apprise, hors de toute référence à des règles depuis sa petite enfance. Et de fait, cette langue est l'un des véhicules importants de la culture à laquelle il appartient. Celui qui observe cette culture n'a pas accès à ce type de connaissance, mais il doit déchiffrer ses normes et ses règles pour ensuite les expliciter. Son approche est approximative, rigide, maladroite. Il lui manque le tact du participant et sa compréhension fluide de la complexité des situations. Alors, le tact du participant, vous comprenez bien que quiconque tente ou d'épouser euh, ou de comprendre une norme qui n'est pas la sienne est toujours dans un rapport de brusquerie parce que rien ne s'y fait, je dirais, autrement avec, qu'avec l'aval de toutes les conditions. Euh, qui n'existe pas pour qui est pris dans les normes. Quand on est pris dans les normes, on sait avec une certaine souplesse qu'est-ce qu'il n'est pas nécessaire de faire, même si apparemment il y a des séries dénoncées, il y a des constructions sociales qui laissent supposer qu'on fait les choses comme ci ou comme ça, mais dans les faits, pris dans les normes, il y a rien qui ressemble à, euh, je dirais, un, une, ni une ostentation, ni même une. Une espèce de rigidification euh, des conditions d'obtention de la norme, elle va de soi. De la même manière, par ben, exemple, si on veut parler de normes acquises, que euh, dans les cas de conversion par exemple religieuse, les systèmes de normes à épouser euh, pour le converti font de lui toujours un singe habillé. -à quoi qu'il fasse pour atteindre à euh, la religion à laquelle il aspire, il est toujours en endimanché parce qu'il fait et le tout, c'est de la brusquerie. Personne ne fait tout. Personne ne fait tout pour se conformer au rite, ne fait tout pour se conformer à la prière, ne fait tout pour épouser la norme. Donc si elle ne vous est pas spontanée, elle va devenir pour vous un tout à obtenir qui n'existe que dans le fantasme que vous avez de cette projection hein, du devenir dans la conversion. Donc, il lui manque le tact du participant. En revanche, il peut opérer une mise en perspective. Cette mise en perspective contribuant d'ailleurs à le couper de la position du natif qui vit, lui, des choses de l'intérieur. En 1450, les citoyens de San Sepolcro, pour illustrer un point qui nous intéresse plus particulièrement, n'avaient pas vu la peinture de Chardin et de Picasso. La démarche type de l'observateur consiste à s'appuyer sur des comparaisons auxquelles lui seul a accès pour à partir de là procéder à des généralisations qui, vu de l'intérieur d'une culture, paraîtraient terriblement sèches et grossières. De plus, il accordera une importance toute particulière à certains éléments de la vie culturelle que son approche comparative aura fait apparaître comme des traits caractéristiques de cette culture. Celui qui vit dans une culture n'a pas conscience du fait que certaines règles de vie sont des constantes de toute société humaine, tandis que d'autres institutions, une formation intensive, à un certain type de mathématiques commerciales, par exemple, sont spécifiquement liées à un lieu, une époque. Effectivement, pour lui, en fait, ces constantes sont contemporaines et inextricables. Pour pouvoir les séparer, il faut être à l'extérieur. Elles jouent ensemble de la même façon dans la construction du tissu social et ne peuvent pas être perçus depuis l'intérieur comme ayant des héritages différents un qui serait très local et l'autre qui serait finalement un invariant social assez banal parce qu'au fond tout est invariant social assez banal ici et maintenant et donc vous me dites hein, si je suis pas clair encore une fois confronté aux explications euh, simplistes et aux bévues de l'observateur, le sujet observé réagirait par le mépris. En 1450, n'importe quel citoyen de San Sepolcro qui m'aurait entendu parler de la sorte de la culture italienne du 15e siècle aurait ri de mes propos ou aurait agité sa main au signe d'irritation, euh, geste qui par ailleurs suppose déjà toute une culture particulière. En schématisant, il semble donc qu'on puisse dire que selon qu'on appartient ou non à une culture on en a une compréhension différente. Ce qui implique chaque fois certaines limites et aussi certains angles d'approche spécifiques. Bien qu'il soit important du point de vue de la théorie de savoir s'il est en principe possible de passer des conditions de l'observateur à celles qu'on connaît quand on est impliqué dans une culture, un peu comme si après avoir acquis la maîtrise d'une langue étrangère, on commençait peu à peu à en oublier les règles apprises autrefois avec soin. Donc à cesser de se comporter comme un converti, si vous voulez, cette question ne doit pas trop nous préoccuper, puisqu'il n'entre pas dans le programme de la critique inférentielle de s'attarder dans le Sansepolcro de 1450, ou n'importe où ailleurs, hein, suffisamment longtemps, ou plutôt de manière suffisamment exclusive, pour que le problème commence à se poser. Mais depuis longtemps, on a établi une autre distinction, qui vaut la peine d'être soulignée au passage, parce qu'elle correspond au sentiment qu'on éprouve parfois de participer à une culture qui nous est étrangère. On considère souvent, euh, mais c'est à nouveau une façon de simplifier les choses, euh, qu'il existe deux étapes dans une recherche. Après la découverte, vient la justification. Dans la phase de découverte, on a le droit d'utiliser toutes sortes d'astuces heuristiques. Comme je vous disais tout à l'heure, on est même plutôt invité à penser imprudemment. Alors là, heuristique, si vous connaissez pas ce terme, il est employé dans un comment, comme un adjectif, hein, comme un prédicat. Euh, c'est quand c'en est un là, comme c'est le cas là, c'est les modalités d'approche si vous voulez, destinées à la découverte. C'est euh, c'est la mise en branle des conditions de la découverte là, d'accord Les astuces heuristiques mettent en branle les conditions de la découverte. Mais sinon ça peut être un substantif aussi. On dit l'heuristique. et euh, l'heuristique qui a un sens différent, euh, enfin qui se précise différemment selon les disciplines, c'est l'art de faire des découvertes. En gros, c'est la méthode, si vous voulez, par laquelle le chercheur, ici l'historien, peut découvrir, euh, euh, discriminer son matériel de référence, l'ordonner, l'associer, le hiérarchiser. Voilà, c'est ça, c'est la, la méthode heuristique. Voilà, voilà, voilà. Donc, euh, toutes sortes d'astuces heuristiques, comme celle qui consiste à s'imaginer qu'on est un Italien du XVe siècle, voire euh, Piero de la Francesca lui-même, ce qui implique qu'on refoule autant qu'il est possible ses propres concepts et ses propres connaissances pour tenter d'adopter ceux d'un autre. Donc, en gros, tenir comme un, vraiment le, le, le vade rétro satanas fondamental de tout historien d'art, et ça, c'est un truc qui revient très souvent, qui est un tout petit peu agaçant, parce que. Ça repose sur pas mal de fétichismes et de superstitions, à mon avis. Hein. Euh, comme le pire ennemi de l'historien d'art, l'anachronisme. C'est euh, obsessionnel chez Arras, euh, l'anachronisme. Mais il faudrait s'entendre aussi sur ce qui est vraiment anachronique ou pas, et des fois. Euh... J'entends Pastoureau euh, trouver anachronique des trucs euh, juste parce euh, il place à des endroits très étranges des rapports conventionnels euh, du discours sur la couleur euh, la question de leur historicité. Je me dis, ouais, même ça, la question de l'anachronie d'une façon générale dans l'histoire de l'art, je trouve que a c'est un peu une hantise abusive quoi. Ça veut pas dire que c'est inintéressant, mais c'est presque fétichiste aussi. De là viennent parfois des aperçus et des intuitions qui peuvent parfaitement figurer dans une explication. Et on ne voit pas pourquoi on devrait taire le choix de ces modes d'investigation. Au contraire, bien des choses plaident pour une ouverture en ce sens. Mais vient un moment où l'explication doit se présenter comme quelque chose de vérifiable et d'évaluable. Hein, C'est le moment où, après avoir pensé imprudemment, on range sa chambre. Quoi. On voit le bordel qu'on a foutu, on dit bon. C'est bien gentil, j'ai branché tel tuyau dans tel tuyau. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça Qu'est-ce qui a vraiment du sens quoi. Or, ceci n'est possible qu'à partir du moment où l'explication se fait dans nos propres termes. C'est-à-dire à partir du moment où elle sort de l'univers mental de l'objet qu'elle étudie. Si ce n'était pas le cas, l'objet demeurerait coupé de nos propres catégories, euh, ce qui rendrait tout examen un peu rigoureux, voire toute analyse impossible. Donc vous voyez bien l'approche d'un problème quoi, là, hein, qui se présente évidemment. Là, d'un seul coup, on doit rétro-pédaler dans l'illusion qu'on peut faire le, ce que Didier Berman appelait le coup de l'historien, à savoir euh, être le plus près possible de la réalité factuelle de son objet. Oui, mais ça veut dire cesser de penser depuis son temps, donc depuis son corps. Quoi. Donc cesser de penser. Donc il y a bien un moment où il va falloir retourner au corps. Je ne sais plus qui parlait pour se moquer de moi de corporealité. c'est le moment corporel. <laughs> Ce n'est pas à Pierrot que nous tentons d'expliquer Pierrot, mais bien à nous-mêmes. Tout ce qui pourra être reconstruit de la culture de Pierrot de la Francesca devra donc, en tant qu'objet d'une connaissance extérieure, être soumis à l'examen. Chaque fois que je récolte et que je communique une information sur le type d'attente auquel répondait un retable, ou sur l'intérêt que suscitaient certains types de mathématiques ou certaines notions causales, je mets en jeu un savoir sur Pierrot de la Francesca, qui relève de mon savoir d'observateur et non du savoir de l'époque. Les connaissances sur lesquelles je m'appuie sont peu élaborées, voire extrêmement frustes, et je ne pourrai jamais les intérioriser. En mettant ainsi en valeur tel ou tel aspect du monde dans lequel vivait Pierrot, j'opère forcément des choix, tout en sachant que si lui-même avait dû en faire, eh bien, il aurait procédé autrement. Et si j'insiste autant sur certains traits de ma culture, et de sa culture, pardon, c'est parce que je la compare avec d'autres, et en particulier la mienne. En fait, je mets en avant ce qui me paraît singulier ou différent, et non ce qui préoccupait Pierrot. Notamment parce que cette question supposerait, là encore, je dirais, une totalité connaissable qui est en tout point inaccessible, et je dirais même indésirable, au fond, avec laquelle on ne pourrait rien faire. C'était pas du tout toi Glitch. Donc d'accord, j'en déduis de euh, cette déclaration que c'était bien toi. Donc vous voyez les. les comment je dirais les... les endroits par lesquels Backsindale réinjecte finalement à l'intérieur de, de ses parcours heuristiques les positions que prend celui ou celle qui part à la recherche hein, d'une découverte à faire, euh, quel que soit l'illusionnisme sur lequel reposerait l'idée euh, d'une retrouvaille avec un état idéal de contemporanéité de son objet. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on s'y implique, on s'y implique aussi hors de son objet, avec des modes de discrimination euh, partiels, bah, qui d'un seul coup reproduisent la distance de cet objet. Avec juste un peu plus d'illusion de l'avoir approché. Ce qui fait aussi la faiblesse hein, de cette identification à hein, son objet. Elle rend plus aveugle finalement à la distance qui nous en sépare, euh, méthodologiquement. Reconnaissons cependant que ce savoir n'est pas non plus coupé de tout. Il se rapporte à un tableau, le Baptême du Christ de Piero della Francesca. Oui, d'ailleurs, on en est loin. Là, on est chez Goriento, euh, On va repasser par toutes les belles choses de tout à l'heure de Altichiero, Giusto di Menabuoi, bah, comme ça vous les voyez. Hop, Giusto. Ravensi, euh, Grunewald, pop, pop, voilà. Ça en fait des trucs. C'est d'ailleurs de là que j'étais parti. Je rappelais que les propos que nous tenons lorsque nous effectuons des inférences sur un tableau ne prennent leur sens et n'atteignent un certain degré euh, d'exactitude qu'à partir du moment où s'établit un jeu de référence réciproque entre les termes que nous proposons et l'œuvre d'art que nous avons sous les yeux. Si nos concepts sont simplistes, rigides, extérieurs, la peinture, elle, elle nous renvoie à la complexité, au caractère fluide et implicite d'une culture vécue de l'intérieur. Et ça, vous voyez bien toutes les difficultés, euh, comment dire. La plus grande difficulté dans le, la possibilité de discriminer quoi que ce soit à l'intérieur d'un tableau, c'est que le point d'intersection que nous avons avec le tableau, est un point a posteriori depuis la mort. La mort d'une société dans laquelle ce tableau n'est pas seulement né, mais dans lequel il est traversé, de, de son début de conception jusqu'à sa fin, par une totalité sociale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination, ça ne veut pas dire que Piero Francesca met toute la société dans son tableau, mais elle y est, de fait. Elle y est parce que lui-même est constitué. Et tout constitue ce tableau de ce caractère diffus d'une société. Or, nous, nous n'avons pas d'autre choix que de produire de la discrimination, puisque nous cherchons du sens. Et nous cherchons des significations bien rangées, bien ordonnées, qui nous permettent d'approcher ce tableau. Nous n'avons pas le flot indéterminé dans lequel naissent les œuvres. Or, une œuvre d'art est constituée en très grande partie de l'indéterminé qui fait le cadre de sa réalisation. Une musique qui passe par la fenêtre, une lumière observée ce matin-là par Pierrot sur tel bout de montagne qui va aller coller à un endroit qui n'a rien à voir avec le tableau parce qu'il a trouvé ça joli. Euh, un truc à la mode en ce moment-là en ville qui fait que tel bout de tissu est beaucoup porté, soit il y injecte, soit ça l'énerve et il y répond. Ah, ces milliers de choses qui font l'actualité d'un tableau en dehors de la discrimination sémantique. Tout ne vient pas y produire, y répondre, je veux dire, à notre quête de signification dans l'ordre où nous l'attendons, c'est-à-dire finalement dans notre propre théorie des causes, qui ne sont peut-être pas euh, la théorie des causes euh, du XVe siècle, mais qui pour autant nous maintiennent dans une relation extrêmement quadrillé, avec des opérations de tri largement effectuées. Nous supportons très mal déjà l'idée et de l'indéterminé, et mieux encore, l'idée qu'au fond, il y ait un bas bruit de la signifiance dans la peinture. Parce que ce bas bruit de la signifiance, il est inaccessible, et ça nous emmerde. Et en plus de ça, il vient briser la belle harmonie complètement sémantisée selon laquelle un tableau, ça dit des trucs, ça raconte telle chose, et oh là là, on aura enfin compris ce qu'était le tableau à un moment, parce qu'on aura réussi à serrer tous les endroits par lesquels il produisait les espaces clos de la signification. Ça ne marche pas comme ça. Donc ce bas-bruit, évidemment, on l'éjecte, pas seulement parce qu'il est inaccessible, mais évidemment parce que en tant que chercheur, il est indésirable. Alors, où j'en étais Ici. Tout en reconnaissant l'extériorité et l'absence de subtilité des concepts qu'on peut proposer pour expliquer la culture d'un artiste, et donc pour tenter de cerner le problème auquel il était confronté et l'intention qui sous-tendait l'objet qu'il a produit, on peut affirmer que ces concepts gagnent en précision dès qu'on les met en relation avec un objet déterminé. Ici, le baptême du Christ, produit par un initié, jouant de toutes les nuances de cette culture. Toutes les nuances, même celles qui la contredisent. Parce qu'une culture n'est pas homogène. Et elle est teintée de spectres aussi, c'est-à-dire des déchets des décennies précédentes. Et tout ça n'est pas hiérarchisé. Tout ça n'est pas composé comme une belle organisation progressive. Une époque, c'est toujours plus ou moins le chaos de la signifiance. Je vais le noter ça. Une époque et le chaos de la signifiance. Ça peut m'aider à réfléchir sur la suite. Par ailleurs, attendez 5 secondes. Alors. Euh, oui, je sais, ça peut vous sembler bizarre que je prenne des notes. Euh, à ce sujet, mais en, en vérité, euh, je lis ce livre avec vous, donc, si euh, hein, c'est de le comprendre. Ouais, contrairement à une mentalité qui est homogène mais qui n'existe pas. C'est exactement ça, docteur Wack. Il bah, n'y a pas de calembour, c'est une phrase exprès pleine de sagacité de pertinence. Qu'est-ce qui t'arrive Tu as décidé d'arrêter de dire des conneries, toi. Bah alors Ta réputation va en souffrir. <laughs> Alors, euh... maintenant donc que nous avons admis de bon cœur que c'est en tant qu'observateur et non en tant que membre à part entière d'une culture que nous analysons l'intention qui sous-tend ce tableau, poursuivons. Qu'il est drôle ce bac sandal. Commensuration, un mot ancien, donc commensuration, un mot ancien. Je vais à présent faire quelque chose qui peut sembler aller à l'encontre de tout ce que je viens de dire. Ah, tu diminues l'alcool. <laughs> D'accord, paix à ton âme. Je vais utiliser un concept de l'époque et dire Le baptême du Christ est remarquable par sa commensuration. Il me faut d'abord donner un sens à donc commensuration sens qui viendra compléter la définition ostensive que j'en donne déjà implicitement quand je me réfère au baptême du Christ, c'est-à-dire dès l'instant où la poser le mot, il y a une opération ostensive qui se met en branle. Et dès l'instant où vous entendez le mot euh, commensuration, vous commencez à regarder cette image, évidemment, en cherchant à, à y voir l'effet immédiat d'une pensée de l'organisation. Alors, euh, l'idée d'une commensuration, au change, l'idée d'une harmonie, d'un équilibre particulier des proportions de l'organisation, elle est étroitement liée au canon antique. Euh, C'est quelque chose qui fait, très, qui fait partie, on l'a déjà évoqué, on a parlé de Xénocrate et de Vitruve ensemble, mais de arts grec, la, les propositions qui sont faites pour, pour décrire les fondamentaux de la peinture proposent euh, un ensemble, symétria, cribeia, routmos, mimesis, de moyens. Euh, parmi lesquels on trouve la symétria, c'est-à-dire l'harmonie des proportions, la justesse des proportions, la justesse des, des relations donc, entre les corps les uns par rapport aux autres, euh, la cribeia étant euh, comment, la précision, hein, le rutmos, le rythme, la mimesis, les moyens de, de la représentation, les rapports aux prototypes, aux référents, au modèle, etc., etc. Donc euh, cette question, la commensuration, elle, elle s'articule en fait à hein, une, hein, une vision... Euh, Transhistorique des impératifs euh, du canon pictural. Au début de son livre sur la perspective, Pierrot lui-même en donne une définition formelle, dans un passage où il s'attache à distinguer les trois composantes essentielles de l'art de la peinture. Donc lui il n'en a pas quatre, hein, il en a trois. La peinture comprend trois éléments principaux que nous appelons disegno, commensuratio. Et colorare. Donc lui, il les pose en latin, quoique disegno dit aussi comme ça en italien. Hein. Euh, donc il faut bien que vous entendiez par disegno, euh, malgré ce que va en dire Pierrot, le double sens, qui n'existe plus dans le mot dessin en français, mais dans d'autres langues existent encore dans ce double sens, à savoir dessin EIN comme projection, comme perspective d'un sens, comme visée, cause finale, si vous voulez et euh, disegno, le dessin, pensé en des termes très précis à cette époque, donc ça c'est vraiment un point fort de la compréhension du dessin euh, à la renaissance, qui est un héritage euh, platonicien, le dessin comme contour. Si ces questions vous intéressent particulièrement, sachez que, je le répète, parce que ça m'évite d'avoir à revenir trop souvent là-dessus, mais euh, enfin, en tout cas pas dans les lives, mais si ces questions vous intéressent particulièrement, vient de sortir aux éditions de la cinquième couche, mon bouquin sur dessiner, voilà, qui parle très copieusement de, du long déplacement du verbe dessiner et de sa place hein, dans les dispositifs poétiques intellectuels à travers l'histoire, de l'antiquité en gros jusqu'à euh, le haut début de l'idéalisme, en gros, voilà. Euh, donc à cette époque, le designion évoque surtout la question du contour. Par disegno, nous entendons les profils et contours qui circonscrivent les objets. Euh, par exemple, Alberti dira circonscription, pour, pour parler du dessin. Par commensuratio, nous entendons le juste placement des profils et contours en fonction de leurs proportions. Par colorare, nous entendons la façon dont les couleurs apparaissent sur l'objet, clair ou obscur selon les variations et la lumière. Ce passage est intéressant, mais une courte définition formelle extraite d'un contexte limité à elle-même ses limites. Et le sens de commensuration est plus large et plus riche que Pierrot ne le laisse entendre. Tout d'abord, commensuration vient d'un terme latin post-classique calqué sur le mot grec symétria. Exactement ce que je vous disais à l'instant, donc il en parle. Euh, ce terme, comme le notait Pétrarque, euh, faisait défaut aux Romains de l'époque classique, et c'est à travers les traductions latines d'Aristote qu'il l'utilisait dans ce sens que l'usage s'en est répandu. Un exemple parmi tant d'autres la beauté des différentes parties du corps semble tenir dans une certaine commensuration. Le terme était aussi utilisé dans la théorie musicale. Au XVe siècle, quand il apparaît en langue vulgaire, mais ce n'est pas un terme très courant à l'époque, hein, il semble aller vers quelque chose qui serait proche de la proportion ou désignerait la proportionnalité elle-même. Ainsi, un philosophe néo-platonicien nommé Ficin, donc il parle de Marsilio Ficino, Marsil Ficin, euh, pouvait critiquer la conception aristotélicienne de la beauté en ces termes. Ah, je, on retrouve Dr. Wack. Je vous la chante pas parce que ouais, je sais pas imiter Guy Marchand, mais euh, dessiner. On était tous les deux dessinés à voir nos contours se rencontrer. Bravo, Dr. Wack. Euh, donc, qui c'est ce Marcel Fissin Je crois qu'on a déjà parlé ensemble. C'est un Toscan du XVe. C'est un homme extrêmement important euh, à cette époque. C'est l'incarnation de l'esprit humaniste florentin, toscan, euh, de cette époque. C'est un philosophe néo-platonicien. C'est le néoplatonicien de référence pour cette période de la Renaissance italienne, et il a dirigé euh, l'Académie platonicienne de Florence. Qui a été fondé, je crois, par Cosme de Médicis. Donc, c'est vraiment une incarnation puissante de la pensée médicéenne. Euh, c'est un traducteur, il a traduit plein de gens, il a traduit Platon, il a traduit Plotin. C'est aussi un éditeur important. Euh, il a publié presque toutes les œuvres de référence euh, de son siècle, hein, et qu'il a commentées abondamment, comme Porphyre, euh, comme euh, Jean Blic, et aussi. Euh, Hermès Megis, donc cette euh, construction plus ou moins mythique qui est source de la fièvre occultiste de son époque qui va prendre corps là. Salut Sus, dis donc, qui t'étais endormi. C'est ton chat qui t'a réveillé, sinon tu roupillerais encore. Eh bien, bienvenue, Sus. Ah bah bravo à la modote, elle, elle roupille. Heureusement que, que tout se passe bien, ils sont très calmes. Ah, donc voilà pour Marsile. que disait-il euh, notre Marsilio Ficino Il disait, Il est des gens pour croire à tort que la beauté consiste en un certain placement de toutes les parties du corps ou en un certain type de commensuration et de proportion s'alliant au charme propre à la couleur. Donc lui, il s'est opposé à cette idée. Donc ça prouve aussi que même quand vous êtes dans un contexte, vous devez garder en tête que ce contexte est toujours diapré, Il est dialogique, il est agonistique parfois. Donc, c'est des, des territoires, euh, comment euh, des territoires euh, de bataille euh, intellectuelle. Je vous ai évoqué tout à l'heure euh, ce qui se passait entre Florence et Venise, par exemple, euh, au début du XVIe. Donc, en utilisant ce mot dans le contexte d'une définition tripartite de la peinture, Pierrot lui donne cependant un sens particulier. Vers le commencement du siècle. On considère généralement que la peinture comprenait deux parties, le dessin, disegno, et la couleur, colore. C'est ce qu'affirme par exemple le traité de Cennino Cennini, une ou deux générations avant Piero. Effectivement, Cennino Cennini, c'est plutôt 14e, tout début 15e. C'est un peintre aussi, Toscan, mais il n'est pas très connu pour sa peinture, enfin, à ma connaissance, non. C'est juste que c'était un élève d'un peintre assez génial florentin, Agnolo Gaddi. Avec euh, lequel d'ailleurs, Cennino Cennini a peint un frais, je crois. Mais il est connu surtout pour son bouquin, pour un livre. On hein, a pas écrit qu'un, mais son bouquin le plus célèbre, c'est le Libro dell'arte, le Traité de la peinture, si vous voulez. Non, on le traduit comme ça, mais c'est le Livre de l'art. Le Traité de la peinture, c'est un traité extrêmement important pour comprendre le paradigme de l'art de l'art qui fourmille de toutes sortes de détails et, euh, pratiques hein, sur les techniques picturales. Donc, Important. Il suffit d'examiner la peinture du XVe siècle pour comprendre pourquoi elle ne pouvait plus se contenter de ces deux concepts, colore disegno. En 1435, Alberti, appliquant à l'art ses catégories humanistes, avait proposé une troisième catégorie qui devait rendre partiellement compte de la disposition des contours et des couleurs sur la surface du tableau. Le terme de compositio en latin, ou compositione en italien, lui avait permis d'introduire un troisième paramètre. La commensurazione de Piero correspond donc grosso modo au dernier terme de ce modèle ternaire. Mais il existe une différence importante entre composition et commensurazione. Alberti propose un concept qui reprend métaphoriquement une opération d'ordre linguistique. Hein, on va composer. Cette métaphore consiste à voir le tableau comme un ensemble hiérarchisé de corps, de membres, et de plan, ensemble, qui correspond à la hiérarchie de la proposition, donc du groupe et du mot dans la phrase. On va composer. Et d'une manière générale, on entend bien dans composition, un rapport finalement, somme toute, qu'est-ce qu'on pourrait dire Qui va effectivement du verbal à l'organisation de l'image, dans une certaine intellectualité de son organisation. Il n'y a pas quelque chose dans le mot. Composition qu'il semble partir depuis le tableau, qui semble le, ordonner ce tableau comme un pur problème de peinture. Quand vous dites composition avec Alberti, vous faites une proposition intellectuelle, une proposition par laquelle un certain ordre de l'esprit et ordre de discours possède les clés de l'organisation des éléments du tableau. Là où vous entendez tout à fait autre chose dans commensuration, où vous voyez un ordre. Interne vous apparaître comme depuis le tableau. On voit quoi Une fine tranche de Laurent entre l'affichage du chat et le tableau. Ah oui C'est vrai. Ah, c'est marrant. Est-ce que non, c'est pas une fine. Ah oui, c'est la, la table. C'est parce qu'il y a le dessous, il y a ça, euh, Suze. Il, il y a les bouquins euh, qui sont présentés de temps en temps. Et le, le tableau ne recouvre pas tout. Euh, Pierrot utilise, lui, un concept qui vient de l'analyse numérique. Au modèle linguistique se substitue un modèle mathématique qui joue clairement, pour Pierrot, le rôle paradigmatique que jouait le langage dans la théorie d'Alberti. Mais Alberti lui-même, rappelons-le, maîtrisait parfaitement les mathématiques. Il avait largement contribué au développement de la perspective et de la science des proportions. Donc, Baxendal euh, constitue son partage terminologique ailleurs que l'endroit où je le constitue, mais c'est pas si différent. C'est-à-dire que Effectivement, les rapports de proportion font valoir la question même de la proportion comme centrale, donc une espèce de centralité mathématique, mais dont on comprend bien que son organisation même trouve sa cause et son organisation dans la possibilité du tableau d'être un espace géométrique affirmé, c'est-à-dire de posséder en lui-même euh, les capacités de régir cette organisation. Dans le livre, euh, comment... Euh, Dans le livre euh, d'où j'ai extrait cette définition tripartite, le traité de perspective de Piero, Commensurazione, se rapporte spécifiquement à la perspective géométrique linéaire. Mais il semble que dans l'usage normal, le terme est désigné quelque chose de beaucoup plus large que la juste exécution des contours par les moyens de la perspective. C'est un concept à tendance expansionniste qui couvre une gamme de significations que Luca Paoli, le propre disciple, de Piero de la Francesca, saisit parfaitement euh, donc ce disciple, même si le contexte dans lequel lui-même se trouve le poussera à utiliser, lui, le mot proportion. Alors, si j'ai bien compris qui était ce Luca Paoli, Pacioli, pardon, que je ne connaissais pas, euh, ce serait euh, comment un mathématicien, enfin en tout cas, euh, il est présenté comme tel dans les documents que j'ai trouvés. Contemporain donc de, de Piero, un, un, un peu plus jeune, hein, puisqu'il va mourir au début du XVIe, euh, qui, euh, qui est né au même endroit que Pierrot, donc à Borgo, euh, et euh, qui a commencé comme moine, à, puis qui est monté euh, en grade par sa renommée dans l'ordre des franciscains, jusqu'à devenir supérieur de l'ordre franciscain, je sais plus dans quelle ville. Hein qui est un grand voyageur aussi, hein, qui va enseigner les maths un peu partout, à Venezia, à Perugia, à Napoli, même, donc il est descendu hein, jusque-là, à Milano, il va d'ailleurs devenir pote euh, comment, euh, avec euh, Léonard de Vinci, avec qui il partage euh, cette fièvre pour les mathématiques. Et il a écrit pas mal de traités, notamment sur la comptabilité, apparemment. Il semble que ce soit le fondateur de la comptabilité, euh, mais aussi sur la géométrie. Et sur les échecs. Voilà pour lui, pour Luca Pacioli. Voilà. Voilà ce qu'il écrit. Tu trouveras que la proportion est la reine et la mère de tout, et que sans elle, rien ne saurait se faire. C'est ce que prouve la perspective dans les tableaux. Si à la hauteur de la figure humaine ne correspond pas à une dimension juste pour l'œil du spectateur, le tableau ne sera pas satisfaisant. Et le peintre ne fera pas une bonne utilisation de ces couleurs, s'il ne prend pas en considération chacun de ces deux éléments. Par conséquent, s'il utilise pour donner chair à sa figure, tant de blanc ou de noir ou de jaune, faudra il faudra qu'il ajoute tant de rouge, etc. Et dans les plans aussi, où les peintres doivent situer la figure, il est important qu'il soit attentif à la placer à une distance correcte du point de vue des proportions. Et il en va de même pour toutes les autres traits et dispositions d'une figure peinte. Bon, ça ne nous dit pas grand-chose, évidemment, euh, de ces... Euh, Comment de, de ces règles de proportion elles-mêmes, on dit, entend juste dire qu'il en faut. Il en faut partout. Hein. Il en faut dans euh, les modalités de la représentation, dans euh, la composition euh, des, des éléments plastiques, euh, dans euh, la composition chromatique, etc. Mais par quel truchement on y parvient, là, mystère. Et pour confirmer tout ceci, et pour que les peintres sachent en faire usage, que le sublime peintre Piero della Franceschi, donc euh, il parle de Piero della Francesca, qui est encore vivant, originaire comme moi de San Sepolcro, écrivit naguère un livre de premier ordre sur la dite perspective. Dans ce livre, neuf mots sur dix ont pour objet la proportion. L'emploi du mot commensuration, par, par Piero, hein, semble donc renvoyer à la mise en œuvre, dans l'arrangement général du tableau, des principes mathématiques conduisant à une interaction étroite, voire à une véritable imbrication de ce que nous appelons perspective et proportion. Alors j'avais dit que je ferais une dernière digression, parce que c'est marrant non, de faire des digressions dans ce live, j'en ai fait beaucoup, et euh, je voudrais en faire une sur la question de genre, juste pour le plaisir en fait de vous montrer des tableaux, puisqu'il reste beaucoup de chapitres dans, euh, comment, euh, dans ce livre, donc on va faire un tout petit saut par rapport à la question de la naissance euh, des genres, qui, euh, qui va apparaître finalement assez tardivement dans l'histoire de la peinture, même s'il y a eu une première histoire des genres. Donc on pourrait dire qu'il y a une espèce de reconquête de la question du genre euh, à partir du XVe siècle, euh, qui va exploser surtout dans les deux siècles suivants, et surtout dans le nord de l'Europe, mais reconquête de ce qui avait pu exister dans la peinture euh, gréco-romaine. On voit beaucoup de place apportée à, à des choses comme les trophées, les natures mortes, les scènes de bataille, dans la peinture antique. Et euh, reconquérir ça, ça va vouloir dire quoi Ça va vouloir dire retrouver un caractère d'indépendance finalement à des éléments constitutifs de la représentation, indépendance relativement, on va dire, au fond euh, comment au fond euh, religieux, qui est d'une certaine manière la totalité du, euh, du tissu thématique de l'art à cette période de l'histoire de la peinture, de la sculpture et de l'architecture. C'est assez fondamental. Donc ce qu'on va faire, c'est un petit saut dans un livre assez sympathique, euh, qui a pas grand rapport avec notre histoire, mais c'est juste le plaisir de voir un peu autre chose que de l'art italien et de parler un petit peu de la naissance des gens Donc c'est un livre qui a été publié euh, par le Musée d'art et d'histoire de Genève. C'est là-bas que j'ai chopé ce bouquin. Euh, très joli musée euh, par ailleurs à Genève, hein, je vous le conseille. La Suisse est un pays prodigieusement emmerdant et particulièrement inhospitalier. Pour autant, il y a beaucoup de belles choses à y voir. Et euh, pour peu que vous évitiez, euh, comme la peste, évidemment, la partie allemande de ce pays, bien qu'il y ait euh, un extraordinaire musée à Zurich, mais euh, fuyez sa population, eh bien, il euh, y a quand même des trucs assez cool à voir à Genève. Euh, les... Voilà. Je crois que c'est quand même à Berne que euh, la vie me semblait la moins casse-couille pour l'expérience que j'en ai eue. Mais il se trouve qu'il y a quand même parmi les plus beaux musées d'Europe euh, en Suisse. Donc ça peut valoir le coup quand même de s'y frotter. Voilà. Donc celui-là vient de Genève, hein, du joli musée de Genève. Hein, où vous avez un très beau tableau de Konrad Witz. Salut à toi, Arcani Corvo. Et on va donc faire cette petite digression qui s'appelle Vers la nature morte, qui est un court chapitre de, euh, de ce livre qui. Le gros prétexte du livre, évidemment, c'est de montrer, on, la, on le comprend assez vite, une bonne partie de la collection euh, du musée, donc de la réorganiser, on va dire, dans une espèce de hiérarchie historique nouvelle pour réinterroger la collection, c'est des choses qui se font. Et on va faire ça avec eux, en regardant quelques tableaux, en voyant un exemple la, possible d'analyse de euh, la naissance du genre à ce, à ce moment-là. Donc on va faire commencer ça là, et donc j'ai essayé de vous euh, l'illustrer. Voilà, un petit peu. C'est un gros prétexte pour regarder des, euh, comment, des jolies choses ensemble. La nature morte, depuis la grande exposition que lui a consacrée Charles Sterling en 1952 à Paris, donc Charles Sterling, c'est un historien d'art, de ma connaissance un grand attributionniste, a, a fait l'objet de nombreuses études, principalement consacrées à sa période d'épanouissement. Et La période d'épanouissement de la nature morte, c'est évidemment le XVIIe siècle. Là, ça explose. Mais c'est sa jeunesse qui nous intéresse ici. Elle obéit à un processus d'autonomisation tout à fait comparable à celui du paysage. Alors, le paysage, processus d'autonomisation, facile à comprendre. Pour le paysage, Alors, on va faire un truc pour faire plaisir à, à euh, ce qui est perturbé par ce petit bout euh, qui dépasse on va faire ça. Oh, voilà, comme ça, ça dépassera plus. Elle ne verra plus rien qui bouge sous l'image et tout ira pour le mieux. Donc, euh, l'autonomisation du, du paysage, on l'avait évoqué par exemple avec la place considérable que prend dans la fresque du bon et du mauvais gouvernement euh, de Lorenzetti au Palazzo pubblico à Siena, où le, le paysage est juste, semble être juste l'espace euh, dans lequel se déplacent les composantes fondamentales de l'allégorie et de l'astéryam, mais en vérité, non. C'est beaucoup plus que ça. C'est un des personnages principaux, évidemment, de cette fresque puisqu'il c'est lui qui met le plus en œuvre euh, la puissance de l'allégorie. Il est le corps même de cette allégorie. Et euh, ce n'est pas pour rien, vu l'importance que ça a pris dans ce travail là, euh, qu'un euh, des, des premiers paysages euh, connus, euh, qu'on suppose même être le premier paysage, c'est-à-dire Représentation sans autre argument d'un paysage euh, pour lui-même est une vue euh, portuaire par Lorenzetti lui-même. Rien d'étonnant à ça. On suppose que les, les Frangiens euh, euh, Ambrogio et Lorenzo Lorenzetti, je crois que c'est Lorenzo, il y a Ambrogio et le deuxième. Ah non, Pietro, excusez-moi. C'est Ambrogio et Pietro Lorenzetti. Donc ces deux-là sont être les pionniers du, euh, du paysage. C'est-à-dire qu'en gros, cette autonomie, ils l'ont fait démarrer à l'intérieur de leur peinture euh, assez tôt, finalement. Et ils ont participé à cette autonomie. La question du genre va viser à ça, et en tout cas, c'est ce que ce petit texte voudrait mettre en lumière et rendre sensible par une succession d'observations. D'abord, subordonné à l'iconographie religieuse, les objets de la vie quotidienne font irruption chez les peintres de Lars Nova. Alors, Lars Nova. C'est une terminologie qui est empruntée à la musique, hein, euh, qui est euh, créée par Panofsky pour parler donc de cette première vague de petits génies euh, du XVe siècle, notamment en Flandre. Hein. C'est les cas typiques de ce qu'on est en train de regarder là. Ici, c'est un des petits génies de cette période. C'est une descente de croix de Campin qui se trouve à Liverpool, celui-là. Il y a une espèce de tumulte extraordinaire, c'est qu'on a un mélange d'organisation rigoureuse et euh, malgré tout euh, de puissance euh, on va dire, active dans l'organisation qui vient de la déséquilibrer. Enfin, il y a un travail assez incroyable dans euh, le jeu des, des forces qui, sont en, qui se rencontrent ici. Le, le dur et la chute molle du, du corps. Enfin, il y a une, vraie, une immense richesse de, de ce que la peinture peut faire. Donc, on est juste un peintre très précoce hein, avec Campin. On pourra peut-être faire un live un jour sur cette période, euh, sur l'Ars Nova. Il bon, y a aussi autre chose qui va changer c'est qu'on va lentement vers la dévotion moderne à partir d'un certain moment. Et euh, du coup, euh, les objets même euh, sur lesquels on peint enfin la, la, la circulation des oeuvres les formats des oeuvres va jouer pour beaucoup euh, dans la prolifération euh, d'une peinture comme euh, domestique à usage privé Et ça va également faire partie hein, des processus de transformation de la place du genre dans la peinture c'est à dire un dialogue avec la domesticité vous avez et tout en tête, je suppose, le couple Arnolfini peint par Van Eyck. Vous voyez la place qui prend cette forme dialoguée et la composition de la peinture à l'intérieur d'un espace domestique va exploser à ce moment-là. Van Eyck y sera pour beaucoup. Donc là, ce que vous regardez, ce qu'on appelle un trône de gloire, un trône de grâce, pardon, c'est euh, le Père, le Fils et le Saint-Esprit où le Père porte le Fils. Euh, on croit ou pas, alors on croit comme le très très bel exemple, par exemple, de Masaccio à Santa Maria Novella, mais c'est un motif assez récurrent au 15 siècle. Donc ça aussi, c'est un campain. Et je ne... Je continue sur Campin parce que je pense que vous le connaissez un petit peu moins que Van Eyck. Quand on parle de Lars Nova, on parle beaucoup de Van Eyck. Lui, je suppose que vous en avez vu pas mal. Donc là, vous avez une très belle scène de nativité. Avec une adoration des bergers ici. On va se rapprocher un peu. Si, 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 on en a parlé. Ça a été évoqué au début du live, à ton absence. Donc, tu vois. Hein. Donc voilà ça, c'est encore campain. Vous voyez, le vieux trait très... Très élégant avec des phylactères, les, la puissance de contradiction aussi entre l'avant et l'arrière-plan, une espèce de surthéâtralité qui abolit quasiment la profondeur. Donc, ils ont fait un espace euh, pratiquement euh, artificiel, qui renvoie évidemment, on peut l'imaginer, à cette espèce de euh, scénographie des mystères sur le parvis des églises. Je vous ai quand même mis quelques Van Eyck euh, parce que bon, je ne vous ai pas foutu les, les plus célèbres. Je ne vous ai pas mis le couple Arnold Fini. Je ne vous ai pas mis euh, le retable de l'agneau mystique. Parce que c'est plus chouette de regarder des choses que vous connaîtrez peut-être un peu moins. Une très belle virage à l'étang, donc ça, par exemple, c'est un motif aussi. Euh, qui ramène de la tendresse et de la familiarité avec euh, les figures de la peinture chrétienne. Euh... Ah, celui-là, je crois que c'est celui du Louvre. Il y en a deux qui sont dans la même. Euh... Ah non, c'est pas celui du Louvre, celui-là. Dans la même lignée et avec les mêmes commanditaires. J'ai confondu tout le temps. Là, on insiste, vous voyez beaucoup sur certains caractères qui sont propres à l'environnement domestique de cette époque, ce, notamment ce forme de verrière assez courante à cette époque-là en Flandre. Donc, on réinscrit comme il était l'usage, euh, non seulement dans la domesticité, mais aussi dans la localité. Un autre Van Eyck, très très beau, avec euh, un Saint François en prière ici, avec euh, la révélation euh, du Santo Volto. Là, voilà, par le séraphin, on croit, duquel il reçoit ses stigmates. Hein. Avec un Saint-François particulièrement euh, présent et incarné, ébouriffé. Et <laughs> C'est un très, très beau Van Eyck, ça. Je ne sais plus où il est, celui-là. Voilà. Bon, ça, c'était pour Van Eyck. Ah. Euh... Les objets donc, de la vie quotidienne font irruption chez les peintres de l'Ars Nova en glissant progressivement d'une valeur symbolique à une fonction plus anecdotique en s'inscrivant plus largement dans la réhabilitation du monde sensible. C'est là aussi la, la question de la peinture de genre. Pour vraiment pleinement s'émanciper euh, de, comment, de euh, du champ sémantique de la peinture religieuse, il faut également que tous les objets, peu à peu, perdent leur valeur allégorique, qu'ils perdent leur fonction de signe, si vous voulez, à l'intérieur d'une composition. Pour pouvoir s'émanciper complètement de, euh, de cette structuration du récit, il faut que leur propre récit puisse apparaître, c'est-à-dire un récit désengagé hein, de, des caractères symboliques. D'accord euh, Sigma de ses mains, oui, oui, glitch de ses mains, de ses pieds, de sa poitrine, il le reçoit en même temps euh, à ce moment-là. On le croiserait dans la rue, on se dirait, ah, mais c'est Saint-François, je sais hier dans le live chez Laurent. Complètement, exactement, un peu ébouriffé. Il a son côté un peu clodo, parce que c'est euh, bah, un peu Saint-François. Hein. Enfin, certes, c'est un, un fils de famille, mais qui s'est clochardisé volontairement, euh, qui allait prêcher à poil avec ses potes. Enfin, c'est un drôle d'oiseau, un type assez fascinant, je dois dire. Euh, je crois qu'on en a déjà parlé un petit peu pour euh, sa capacité à, à produire, euh, comment dire, les. De façon assez convaincante, euh, les caractères de la propagande, euh, avec une grande finesse d'esprit euh, au, au crucifix, euh, assise pendant le live chez Flo de l'Histoire, dans mes souvenirs. Euh... Puis il passe, donc ces objets, hein, toujours d'un point de vue théorique, par les trois étapes que nous avons décrites dans une autre section l'inversion hiérarchique, la neutralisation du contenu religieux, et en dernier lieu, l'évacuation de la figure. Donc, l'inversion hiérarchique, on va le voir, c'est quand, d'un seul coup, dans un certain ordre de la hiérarchie picturale, place dans la représentation, euh, peut-être même importance symbolique, d'un seul coup, dire, un, un puissant symbole peut avoir plus de force finalement et, et renvoyer à l'anecdote les configurations de la storia. On peut tout à fait l'imaginer, euh, s'y substituer. Et c'est un bon début, on va dire, pour une émancipation. Commencer déjà par, en tant qu'objet peint, prendre la place principale. Les deux premières opérations se produisent, donc les deux premières, inversion hiérarchique, neutralisation du contenu religieux, conjointement et graduellement au cours de la première moitié du XVe siècle. L'une, que l'on observe notamment dans le milieu de Jules Van Cleve, aboutit à des œuvres telles que la Marthe et Marie de Peter Airstone, dont le premier plan est occupé par les objets de la cuisine. On va regarder ça ensemble. Regardez ça. Donc, on est quand même dans un sujet religieux. Donc la question de l'inversion hiérarchique est là. Alors chez Airstein, c'est constant. C'est un truc qui est vraiment très surprenant. C'est vous avez une scène là, importante à l'arrière-plan. Vous avez donc la visite du Christ chez Marthe et Marie, ici. Mais à l'avant-plan, vous avez des scènes domestiques surabondantes, très envahissantes, avec un degré étrange de, comment, de déréalisation par une forme du détail qui fait abolir euh, certains effets de la profondeur. On comprend que même si certains objets conservent euh, leur caractère allégorique, leur vertu symbolique, pour autant, la configuration plastique rend subalterne ces effets hein, en regard de l'imposition de, 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 de ces objets. Même, même si le lys a encore sa, sa puissance de construction virginale et va l'articuler à, à d'autres euh, éléments de la composition pardon, pour euh, lui faire jouer euh, une certaine force de signification, en fait, tout ce que ça constitue là est un dérèglement assez considérable pratiquement dans l'ordre du monde des significations. Impressionnant, non L'autre, qui transpose la tradition souvent confidentielle de l'art profane, les ivoires, les marges de manuscrits, les gravures, etc., dans la peinture de chevalet, s'épanouit dans un contexte moralisateur. Alors, la question de l'ornement, si vous voulez, de la place que lentement il va pouvoir prendre dans la peinture euh, à cette période-là. Si vous voulez, en Italie, il y a un très bel essai de Thomas Golsen sur le matérialisme mystique au Quattrocento, euh, ce qui est un, vraiment un très bon livre que je vous conseille et qui parle de ça, qui parle de la place de l'ornement dans la peinture notamment de Crivelli, c'est un livre qui est consacré à Crivelli. Et euh, c'est là que Golsen propose, je crois, pour la première fois de façon assez claire son concept de matérialisme mystique. Donc, dans, ou là, oui, quelques-uns des aspects qu'on pourrait imaginer. Euh Propre à l'art du pur ornement devient complètement autre chose en fait quand il quitte l'espace enluminé de la mise en forme du texte avec ses usages finalement compositionnels dans la peinture. Il se passe un autre truc, un truc étrange, un changement de statut. Ce changement de statut, par exemple, il est très remarquable quand vous voyez la place que peuvent prendre les ornements euh, à la Villa Farnesina à Rome, un hein, pain à fresque par euh, euh, Raffaello, Sebastiano del Piombo, Sodoma, où là d'un seul coup le jaillissement des configurations décoratives finit par dévorer l'espace intellectuel et plastique et, et prendre aussi le pas euh, jusque dans l'espace sur certaines propriétés de la peinture certains jeux de la représentation oui c'est vrai on dirait qu'il y a un tableau par dessus le tableau Attendez, je vais mettre une bûche dans le feu et je vous laisse regarder un peu donc ça c'est Peter Ersten A E R T S E N Une petite bûche dans le feu, voilà qui est fait, et on revient en votre compagnie. Donc, l'autre qui transpose la tradition souvent confidentielle de l'art profane dans la peinture de chevalet s'épanouit dans un contexte moralisateur, au moment du repli sur la sphère privée, avec des peintres tels que Bosch ou Luca de Leyde. Euh, à l'exception de quelques antécédents notables, comme le Bain de femme de Jan Van Eyck. Alors, donc ces sphères domestiques, euh, on l'a un petit peu évoqué. Donc là, c'est euh, Lucas de Leyde dont il est question. On, on se trouve ici sous des arguments souvent moralisateurs. Effectivement, pas des compositions humaines qui ne sont plus sur des sujets religieux. Mais où le prétexte, c'est un prétexte de construction morale. C'est très fréquent chez Bosch. Hein, où vous avez en tête, je suppose, euh, les, euh, par exemple, les, les grandes compositions allégoriques, euh, que, que, notamment bah, les sept péchés capitaux, par exemple, ou, ou ce genre de choses. Alors, il faudrait que tu revoies un détail. Tu dis probablement n'importe quoi. Tu veux voir quoi Dis-moi, euh, glitch, euh, quel aspect du Arsen tu veux voir donc, ça, c'est un sujet qui va perdurer par ailleurs jusqu'au 17ème, ceux des joueurs de cartes. J'imagine que vous connaissez ceux de Trophy Bigot, de -Bigo, Delatour, de enfin l'importance que ce sujet va prendre chez les Caravagesques. Donc, ça, c'est un autre Lucas de Leyde, avec un autre dispositif, cette fois-ci autour du jeu d'échecs. Alors, Lucas de Leyde est plus connu, à mon sens, pour son travail magnifique de graveur que pour son travail de peintre. Mais il y a euh, quelques surprises, euh, dans, euh, notamment hein, dans la charge de ses compositions. Et ça, c'est euh, la fameuse... Alors, il parle à un endroit, vous voyez ici, de euh, euh, du bain de femme de Jan Van Eyck. Et en fait, c'est cette chose-là. Ce n'est pas un tableau qu'on connaît de la main de Van Eyck, c'est une copie. On ne connaît que ça parce que l'œuvre a été perdue, on sait qu'elle a été copiée par l'entourage immédiat plusieurs fois. Donc je crois qu'il existe plusieurs copies. Euh, Ce n'est pas d'excellente facture picturale, on se doute bien que si on avait eu affaire au, au Van Eyck, euh, comment, euh, on aurait probablement une peinture d'une autre qualité que celle-là, qui est quand même pas folle, c'est plutôt moche. Mais c'est hyper intéressant par contre hein, de, de revoir certains aspects de la domesticité, les socs de bois, euh, la cuvette euh, et la, la perte de tout argument aussi euh, autre hein, que domestique. On retrouve le goût d'avoir un egg pour ça, hein, cette composition avec le fameux miroir euh, qu'on retrouve euh, dans les Arnolfini, euh, miroir aux sorcières. Et comment on sait par ailleurs, parce que je suis dans les anecdotes, comment on sait que cette chose existait dans les œuvres de Van Eyck, au moment où on sait par exemple que ceci reproduit un tableau de Van Eyck, euh, parce qu'il existe ce tableau-là, en fait. Il existe euh, cette collection, il y a eu tout un art de la reproduction de collection. Euh, donc là, c'est la collection d'un maître dont j'oublie le nom. Enfin, je ne sais plus qui est le, 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 le collectionneur euh, parce que j'ai un petit trou de mémoire, mais ce n'est pas grave. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui atteste, c'est qu'on connaît la collection du collectionneur. En gros, elle est inventoriée, donc on va pouvoir plonger dedans. Et grâce à l'inventaire qui a été fait de cette collection, qui est reproduite ici euh, par un des nombreux peintres qui à cette époque faisait ce genre de jeu, <laughs> une espèce de, de folie euh, euh, si caractéristique. Euh, de la peinture de cette époque, entre la, la peinture d'intérieur d'église et ça, il y a vraiment une foison de, de bizarrerie, euh, notamment ça, les collections, compte rendu de collection, où c'est hein, évidemment un jeu pour le peintre de peindre plein d'eux à la manière d'eux. On se plonge hein, dans l'univers des intellectuels et des collectionneurs de cette époque, et là, qu'est-ce qu'on voit au fond Regardez ça. Et comme la collection est inventoriée avec les attributions, et eh bien oui, voilà. Ça, c'est le Van Eyck. C'est ce qui nous permet de savoir. Et étonnant, non Donc on sait que Van Eyck a vraiment peint ça grâce à, longtemps après, ça. <laughs> Est-ce que c'est un tableau immense Je sais pas forcément. Hein. Moi, j'en ai vu plusieurs hein, des tableaux de cette période. Je crois qu'il y en a un ou deux au Petit Palais qui a une jolie collection de peintures de cette période. Et euh... bon, c'est assez anecdotique, un peu comme la peinture intérieure d'église. que... Que j'apprécie, mais oui, ça reste anecdotique. Ce pas forcément des grands tableaux. Il euh, y en a de, de l'entourage de Franken, aussi des trucs comme ça. Euh, donc, à l'exception de quelques antécédents, l'exemple de la gourmandise dans le tableau des sept péchés capitaux, donc, euh, qui se trouve au Prado, hein, peint dans l'atelier de Bosch vers euh, 1505, 1510 constitue l'un des premiers jalons d'un processus qui aboutira aux scènes de cuisine de Peter Herston, donc qu'on a vu tout à l'heure, hein, et aux scènes de taverne du monogrammiste de Brunswick, c'est-à-dire à ce qu'on appelle la scène de genre d'intérieur. Donc le, le Bosch auquel il est fait allusion, c'est ça, le Bosch qui se trouve au Prado, que vous aviez peut-être en tête, j'en sais rien, hein, les fameux sept péchés capitaux, qui est un petit tableau par ailleurs, Donc les, la peinture y est travaillée vraiment en miniature, un tableau assez rigoureux et assez beau. Avec des, des scènes allégoriques aussi dans les Oculus. On peut se rapprocher pas mal. Parce que je crois que la repro est de très bonne qualité. Avec la mort qui apparaît là derrière la porte. Vous voyez. Un ange et un diablotin qui se partagent. Les derniers instants. Du pêcheur. Donc tout autour de cette roue qui est frappé en son centre d'un Christ sortant du tombeau, l'En Christ de la résurrection, donc, comme si d'un seul coup les sept péchés capitaux renvoyaient à une sorte d'arma Christi de la destinée humaine. Ici, une résurrection des morts. Donc c'est un tableau assez complexe et euh, la gourmandise c'est cette partie-là. Alors comme vous la voyez à l'envers, je vous ai foutu le détail, voilà. Comme ça vous le voyez à l'endroit, qui ce qu'on donc on pourrait considérer comme une des euh, des approches pionnières de la scène domestique, de la scène de genre domestique, qui va exploser en Flandre et en Hollande dans le siècle qui suit, dans les deux siècles qui suivent, mais surtout ouais. Articulation 16e, 17e, ça va vraiment exploser. Voilà. Et là, euh, on parlait de Peter Ersteund. À un moment, l'argument, il saute quasiment. Enfin, on pourrait croire ça. Alors, regardez, par exemple, là. <laughs> euh, on, la Sainte Famille est dans le coin, à l'arrière-plan. Donc, vous avez toujours Ersteund. Regardez ici. Voilà, donc ça, c'est tout l'avant-plan du Hastan. qui est assez fascinant. Donc, il y a toute une peinture hein, de cette période qui est assez incroyable, une crudité euh, <laughs> à frémir. Hein. Je crois que parmi les plus beaux que j'ai vus, il y en a un très très beau qui se trouve au musée de, euh, de, de Rouen. Hein. Donc, ce jeu de saucisses, de bêtes mortes, c'est assez violent. Mais si vous regardez bien, il y a un argument religieux qui persiste à l'arrière-plan. Vous avez la Sainte Famille qui donne l'aumône ici. Voilà, dans le détail du fond. Il <laughs> est tout à fait extraordinaire. Voilà, aumône donnée par la Sainte Famille. Donc vous avez une superposition de l'aumône à la manne et à ce qui se passe avec la nourriture abondante, là. Donc, euh, c'est quand même tout à fait extravagant. Et <laughs> c'est assez typique de Peter Aston. Avouez que ça, ça vous plaît. <laughs> c'est quoi le titre Je crois que ça s'appelle Sainte Famille Donnant l'aumône. Dans mes souvenirs, il hein, y a le culot euh, de ça. Ah, je ne peux pas vous lire le Titoulou, c'est bien dommage. Je pense que ça doit être assez drôle. Un troll dada pour Glitch. Euh... Voilà, donc ça vous plaît. Hein. Euh, on va continuer. Ça, c'est encore euh, Peter Ersten. Je, moi, je ne me lasse pas. Hein. <laughs> je ne me lasse pas de la qualité, surtout picturale. Il y a, y a aussi, je dirais, une, une jouissance de la croûte quoi de, de, de la matière chez Aston qui est très présent. Et si vous cherchez l'argument, il est quelque part comme d'habitude à l'arrière-plan. On voit qu'il aime tous les matériaux. Hein. C'est pas que la bidoche. Il aime travailler beaucoup de choses. Et voilà. <laughs> on oh, a notre, notre euh, argument. Hein. C'est étonnant. Hein. Voilà. Euh... Donc, il peut faire d'autres trucs. Hein. Euh... Et donc, ça, c'est un tableau assez intéressant. Derrière c'est la confiscation d'une collection de peintures. Alors, étal de viande avec Sainte-Famille faisant l'aumône durant la fuite en Égypte d'après Wikipédia. Ouais, mais est-ce que c'est descriptif ou c'est vraiment le titre quoi Il était plus féru de bouffe que de religion. Je sais pas. On peut se poser effectivement, bon ouais, euh, la question. Voilà. Donc ça... Euh... Ah oui, non, ça, c'est pas Airstead. D'ailleurs, je crois que ça, si je me souviens bien, c'est le monogrammiste de Brunswick. Euh, Puisqu'il en est question juste après dans le texte, vous vous souvenez euh, ce qui est dit à comment à un certain moment, euh, il est dit oui ça c'est pas Airsten, mais je reconnaissais pas la facture mais euh, euh, c'est le monogramme de Brunswick, euh, donc on l'appelle monogramme de Brunswick parce qu'on connaît pas son vrai nom mais on reconnaît son monogramme, ce qui vaut pour signature signature pardon et identification. Il hein, euh, y a des maîtres qu'on appelle maître à la madame de Strauss parce que telle madone a été identifiée par Strauss. Donc euh, à partir de ce tableau, on constitue une identité picturale. Ça peut être un monogramme, euh, maître au monogramme à etc etc. Donc, on peut euh, évidemment nommer un artiste par euh, plein de sortes. Donc ça, c'est euh, le monogrammiste Brunswick euh, qui a aussi fait euh, des scènes d'intérieur assez précoces. En voici une. Et... Est-ce que c'est le Mais Je crois que oui, c'est une scène de bordel qui se trouve à Genève. Donc ça c'est assez intéressant aussi, c'est le côté trivial du sujet. C'est-à-dire quand on est parti dans la trivialité, eh bien du coup on peut commencer à y aller à fond les baluchons. Voilà, donc là on rentre vraiment... Dans la vie euh, du bobinard euh, à l'articulation du 15e-16e siècle, on est dedans. Vous notez qu'au bobinard, on bouffe aussi, on ne fait, fait pas que baiser. Et on picole, évidemment. Et ça, donc, c'est le monogrammiste de Brunswick. Et en voici un Autre, donc on a plusieurs tableaux de bordel. En voici un. Vous notez que c'est la même composition, ce qui change. Regardez dans toute la partie gauche, hop, vous voyez une, une transformation du truc. qui garde la montée ici de l'escalier qui est très véloce et qui est super vivante. On, on, on monte vite à la chambre à l'étage là. Donc, cette version est quand même beaucoup plus excitante, plus, plus intéressante. Je vais dire picturalement et c'est intéressant de le voir réemployé de là à là ben, à l'identique le même carton donc l'un de ceux-là se trouve à Genève quant à la troisième euh, opération donc l'évacuation de la figure hein, elle est plus radicale que dans le cas du paysage, en ce qu'elle évacue totalement la figure humaine et se focalise uniquement sur les objets. Donc ça, c'est le devenir de la nature morte, Donc, euh, qui existait, je le rappelle déjà, à l'Antiquité, mais qui pouvait avoir des arguments allégoriques. Le trophée est une, un genre dans le genre. C'est un sous-genre de la nature morte, mais dont tous les éléments ont, euh, euh, je veux dire, transportent les vertus euh, d'un lieu, euh, d'une personne ou d'un événement. Voilà. Accompli autour de 1600, donc autour de 1600, donc au tout début à l'aube du XVIIe siècle, cette émancipation là de la configuration qu'on va appeler des Nature Mortes plus tard, se traduit d'abord par les nombreux tableaux de bouquets de fleurs, qui, chargés à la fois d'une valeur symbolique et d'une fonction purement décorative, reflètent le goût de l'époque de Rodolphe II pour la botanique avant de s'étendre à d'autres objets de la vie quotidienne. C'est On verra souvent hein, la, la place que peut prendre euh, le... dans les compositions religieuses, d'un peu partout, mais effectivement notamment euh, en Flandre, de, des compositions florales. Hein, elles, sont, elles sont souvent présentes, elles peuvent, notamment dans une annonciation, euh, c'est simple de pouvoir mettre en branle une esquisse d'une certaine importance du lys par exemple dans un vase etc. et commencer à, à donner une place différente hein, aux éléments de la, de la composition dans la peinture du Nord comme la peinture romanière de Hemskerk, par exemple il y a une profusion finalement d'éléments euh, euh, plutôt des objets d'ailleurs que des plantes mais qui prennent une place assez considérable dans l'organisation cette évolution idéale est retracée en raccourci donc on va faire une petite version courte de cette évolution vers euh, la nature morte euh, par les œuvres présentées dans cette section donc, bon, évidemment le musée de Genève compose avec ce qu'il a sous la main des œuvres du musée de Genève donc il, il tire du mieux qu'il peut de sa collection euh, le l'organisation de ses conclusions et de son parcours euh, hypothétique ou déductif mais avec le matos qu'il a, évidemment on pourrait prendre 2000 autres exemples, mais comme j'ai choisi ce texte moi je m'amuse à vous trouver les tableaux dont il est question on pourrait évidemment en emprunter 1000 autres quoi le Saint Jérôme de l'entourage de Peter Koeke van Elst, donc ça c'est le truc que vous voyez, c'est un Peter Koeke van Elst, un Saint Jérôme, euh, mais il en a fait d'autres. Il y a celui-là que je trouve absolument génial, que je voulais vous montrer. Ah, il n'a rien à voir, mais c'est quand même assez incroyable. Donc ça c'est un Peter Koeke van Elst. Vous voyez son environnement, est-ce qu'ils en disent place le Saint au milieu d'une pièce remplie d'objets, qui tout en faisant allusion à l'étude, qui est important, c'est un des aspects euh, prépondérants de la vie euh, double, de la vie schizée de Saint Jérôme, parce que Jérôme, vous le savez, a une vie hérémitique, euh, il vit euh, en retrait du monde dans une grotte, euh, avec son lion dans une bonne partie de son iconographie, mais c'est aussi l'homme qui était missionné auprès de Damas II euh, en tant qu'intellectuel, luttant contre les hérésies, traduisant la Bible euh, de, euh, donc pour nous fournir la vulgate, enfin c'est un homme déchiré et déchirant, absolument fascinant, qui rêvait la nuit que des anges le flagellaient en lui disant qu'il n'était pas chrétien, mais Cicéronien, cet homme-là est entouré plutôt des objets du savoir, qui le caractérisent, qu'en font cet homme de science, ce grand lettré. On va regarder un peu tous les objets dont il est entouré. Il y a quand même des objets de dévotion, oui, il n'y a pas que... Il y a l'érudition, mais il y a aussi des objets de dévotion. Cardinalis. Voilà, c'est un des quatre pères de l'église. Hein. Euh, voilà. Celui de Hendrik de Van Steenwyck, bien que daté de 1634, nous paraît tout à fait à sa place dans, son, dans notre catalogue, dans la mesure où il appartient à une série inaugurée par le peintre dès 1602. Alors, je ne sais pas lequel c'est. Est-ce que c'est ça Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, je vous montre ça. Voilà. Donc, c'est on est dans un autre, une autre configuration complètement désertique, mais où effectivement la figure humaine et je dirais son pendant animal, donc dans le dialogue entre entre Jérôme et son lion est perdu. Ce n'est pas le seul exemple. Hein. Il y a plein de, de, de reproductions possibles de, de ce moment de, de retrait de Jérôme qui en font non pas un homme dans une grotte mais dans une construction architecturale complexe. Il y a le célèbre Antonello da Messina hein, qui se trouve à Londres. Mais il y en a plein d'autres comme ça. Il y en a des plus ou moins étranges. Je crois qu'il y en a un très très beau de Carpaccio. Euh, je ne veux pas vous chercher ça maintenant, mais vous avez votre Jérôme à l'étude dans cet immense espace désertique. C'est quand même vraiment un très très beau tableau celui-là. Et là, c'est Hendrik II van Steenvik, euh, ou Veuk, je ne sais plus comment on prononce. Steen. Euh, Veuk, je crois. Voilà. Voilà. C'est ça, Franken Van Senveek. Euh, donc, dans la mesure où il appartient à une série inaugurée euh, par le peintre dès 1602 au plus tard, et reflète une invention d'Albrecht Dürer, personnalité particulièrement appréciée dans le milieu habsbourgeois à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe. Évidemment, euh, Dürer aura une influence assez considérable sur toute une partie de, de la peinture du Nord et du Nord de l'Italie euh, également. C'est évidemment à double sens. Il hein. ne faut pas croire. Allons, bon. Qu'est-ce qu'il a dit de Dr. Wack d'interdit chien ou lion Un lion Un lion Il ne te convainc pas, Dr. Wack, ce lion. Mais regarde, il est magnifique, ce lion. Le lion de Saint-Jérôme. Voilà. C'est assez dingue. Hein. Un très, très beau tableau. Les usuriers. Donc, les usuriers, c'est un tableau de la collection de Genève, mais en fait, euh, c'est pas. Euh, comment celui-là, c'est un Marinus et Van Reimersveele, enfin, en tout cas, un suiveur de Van Reismersveele. Mais c'est un motif qui ne lui appartient pas. Ils ont choisi celui-là parce que, parce que, tout simplement, euh, il fait partie de leur collection. C'est un motif très courant à cette période. Euh, il a été... Il va vraiment fructifier euh, dans, dans la Flandre pendant euh, au moins 50 ans. On ne va pas arrêter de représenter cette espèce de, de construction-là. Euh, parfois, avec un prétexte allégorique. Euh, parfois, juste... Euh, une stigmatisation politique. Enfin, ça, il peut y avoir plein de raisons de représenter cette scène, hein, parfois juste un, un plaisir de, 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 de scène de genre domestique. Hein. Euh, donc l'invention remonte à, en fait, de ce dispositif à Van Eyck, mais il me semble que les plus connus, ce n'est pas ceux de, comment, de Van Eyck, euh, c'est plutôt euh, ceux de Quentin Metsus. Enfin, ça, c'est un Quentin Metsus. Qui va énormément représenter cette structure et lui donner cette beauté-là, c'est-à-dire euh, un homme et une femme travaillant ensemble à la boutique. Enfin, il y a, il y a je dirais, dans la, la représentation de Messius, on abdique le caractère satirique. On a perdu aussi complètement ou presque le, le contenu religieux, même si euh, vous le voyez réapparaître là dans euh, un livre de dévotion, Donc, qui confronte euh, allégoriquement. Ceci, donc on, on pourrait imaginer un étrange dialogue entre la pesée des âmes et ce qui se joue là. On retrouve le goût pour euh, cette espèce de puissance interrogative, scrutative du miroir en plein milieu, qui est aussi un emprunt à Van Eyck, hein, dans la jolie peinture de Metsus. Donc Metsus, c'est un peu un peintre tardif, mais ça reste quelqu'un d'assez extraordinaire. Il y, a, il y a plein de peintres comme ça de, de cette période que j'aime particulièrement, même si euh, c'est pas forcément des, des pionniers, mais. Euh... Métis fait vraiment partie des, des, des peintres assez riches, avec une très grande douceur. Alors donc, euh, ces tableaux répondent à la définition de la scène de genre d'intérieur, dont les scènes de bordel, voilà, on est parlé, un hein, peintre d'après une composition perdue du monogrammiste de Brunswick, qui constitue un spécimen emblématique. Donc ça, c'est le monogrammiste encore. Et il en existe plein de versions de ce bordel avec ce personnage. Alors moi je ne suis, euh, euh, suis pas paléographe, je suis pas du tout euh, historien des, euh, comment, des, des us euh, de, de cette période de la Flandre, donc je ne suis pas capable de vous euh, interpréter, de vous lire cette euh, structure-là, euh, enfin cette composition probablement allégorique, c'est très au-dessus, de au-delà de mes compétences, il faut savoir quand même que ce que soit la peinture de Bosch ou de Bruegel, ou d'une manière générale, toutes les peintures flamandes euh, du début du XVIe siècle, euh, ça y va fort sur les allégories, les représentations proverbiales, des trucs comme ça. Donc là, pour le coup, euh, sans avoir une parfaite connaissance de, euh, de la société de cette époque, euh, on passe nécessairement à côté de plein de choses. Ça, par exemple, je ne sais pas. Et euh, cette figure-là, de personnages, visiblement un enfant, renversé la tête en bas sur euh, une sorte de tabouret, mais je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de ça, apparaît dans plusieurs représentations de bordel, donc euh, décliné depuis ce modèle-là. Ce qui est marrant, évidemment, c'est de voir sur le mur un renvoi, euh, probablement également allégorique, hein, mais qui semble renvoyer à ce qui se passe à l'intérieur. Euh, voilà, donc ça, c'est ça, euh, la composition du monogramme de brunswick Le cabinet d'amateurs de Franz de Francken, donc on a parlé des cabinets d'amateurs, donc moi je vous en montre de Franz de Francken, alors c'est pas celui qu'il montre, celui qui montre c'est celui-là, euh, qui est très sombre, qui appartient à la collection de Genève, mais je, vais, je vous en ai choisi d'autres parce que celui-là est assez difficile à déchiffrer. Voilà ce qu'ils en disent. Le cabinet d'amateurs de Franz de Franken, qui appartient à un genre spécifique en vogue durant la première moitié du XVIIe, présente un grand intérêt. Conçu comme une justification de l'art de la peinture, il insiste sur la variété des genres qu'accentue le mode d'accrochage cumulatif. Bon, ce n'est pas criant sur ce tableau, mais bon évidemment, euh, ils prennent celui qu'ils ont. Par contre, sur d'autres tableaux du même artiste, c'est beaucoup plus remarquable. Vous avez celui-là. Là, on voit bien le fonctionnement. et Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que ça nous donne une espèce de compte-rendu d'état des lieux bah, des genres picturaux qui sont abordés à cette période, qui sont collectionnés aussi à cette période. Donc, les tableaux un peu plus tardifs, on est au tout, tout début euh, du 17e, fin, fin 16e. Donc, ils sont plus tardifs, donc ils rendent compte de collections euh, qui comportent des éléments antérieurs hein, à, à la peinture de leurs contemporain. Donc, ils s'étendent sur, euh, je sais pas, un siècle de, de, de collection, par exemple. Et voilà un autre exemple, toujours de, de Franz Franken 2. Évidemment, chacun de ces tableaux est intéressant pour euh, les amateurs d'art parce que ça permet aussi euh, de les identifier quand on les croise. C'est que d'un seul coup, euh, ces tableaux-là, puisqu'ils renvoient systématiquement à des vraies collections de vrais collectionneurs, bah, ils permettent de, souvent euh, de retrouver de la, la trace hein, de telle ou telle œuvre. Ça, c'est pas mal. Il en existe une autre version que j'ai trouvée parce qu'elle est marrante. Hein. Euh, J'allais aussi de Franken, euh, Franz Franken 2, et c'est euh, une collection avec l'irruption d'un âne iconoclaste. Sujet que je ne ben, je connais pas d'autre, en fait. Donc vous avez la composition habituelle, ici, vous voyez, collectionneur et savant dans la collection, et là, Surgit un âne iconoclaste qui vient foutre le sbeul. Tout bêté. Donc, probablement euh, un des ancêtres mais des plus sinistres camarades gauchistes de ma confrérie qui, dans les années début 2000, avait écrit La fête est finie à mort, l'artiste. Ben voilà. Voilà. Un proto-toto euh, du début du XVIIe Pas le plus malin des spécimens. Oh, vous êtes contents, hein il y a des bestioles partout, ça vous fait plaisir, bande de zouaves. Alors, dans notre propos, ce tableau illustre le processus. Donc, ils y vont à la serre pour essayer d'alimenter leur petite idée, on est d'accord. Hein ils vont un petit peu du coq à l'âne comme ça, mais c'est assez marrant. Hein. Je, je vous l'ai dit, c'est de la pure digression et du pur plaisir de vous montrer des images. Donc, euh... Dans notre propos, il illustre le processus théorique d'évacuation de la figure humaine, qui, encore partielle dans ce cas, sera achevée dans le bouquet de fleurs. Bon. Vous voyez un petit peu ce qui se passe, même si vous n'êtes pas obligé de, de croire de façon, il n'y a pas de lisibilité si claire dans ce qu'ils nous ont choisi comme exemple du projet, mais vous comprenez quand même ce que ça veut dire l'émancipation de ces objets, euh, des cadres antérieurs, des constructions, d'arguments narratifs euh, dans lesquels ils étaient pris pour prendre toute leur autonomie et devenir des sujets à part entière, c'est-à-dire des gens à part. Entière. <laughs> Pardon. Donc bouquet de fleurs, ce dernier là est dû à Jan Bruegel, donc c'est celui qu'on appelait Bruegel de velours. Hein relève d'un genre très apprécié des collectionneurs de l'époque donc c'est un peu plus tardif ça va exploser au 18e c'est les magnifiques bouquets de fleurs euh, euh, comment euh, allégoriques énormément de petits génies euh, du genre mon préféré c'est Osias Bert. je vous écris son petit nom allez voir ce que c'est euh, j'en ai pas pris j'ai oublié de vous prendre ça mais allez voir un peu ce qu'ils font et puis évidemment l'explosion au 17e euh, et début 18e mais beaucoup 17e des vanités qui viennent Inscrire dans ses euh, compositions des objets supplémentaires, euh, comme chez Giesbrecht, euh, où vous allez retrouver cette nature morte, mais avec d'autres objets, des éléments d'allégorie ou des trucs comme ça. Euh, voilà, voilà. Donc, ça constitue, pour eux, hein, cette nature morte, l'aboutissement d'un mécanisme dont l'origine peut être perçue dans des motifs tels que le bouquet de fleurs de l'une des images de dévotion euh, de la première section. Donc, euh, l'image à laquelle il faisait allusion, c'est ça. Exactement ce que je vous disais. Donc ça, c'est un une peinture non attribuée. C'est un peintre d'envers hein. euh, du début du XVIe siècle. Donc c'est une représentation articulaire hein, de plus de, de périodes. Ce euh, qui est aussi intéressant pour ça, parce qu'elle a tout un héritage euh, loin déjà, euh, qui vient quasiment courir le long du gothique international pour s'aboucher ici à des prémices de maniérisme. Enfin, c'est un tableau assez étrange. Hein. Il est très euh, hétérogène pour moi. Je ne sais pas si elle vous saute aux yeux, mais pour moi, c'est un, un drôle de tableau qui est assez combinatoire, finalement, de, de plein de tendances. Et dans ce très joli tableau de cette belle Vierge à, à l'enfant du début du XVIe, vous avez effectivement une euh, proéminence florale à l'avant-plan, ce qui est assez fréquent dans ce genre de, de mise en scène. Prémisse à l'émancipation du bouquet, puisque. Euh, le lisse virginal se voit accompagné d'autres formes de lys euh, en utilisant aussi d'autres euh, prétextes allégoriques comme le yé, euh, souvent associé également à la Vierge, notamment dans la peinture du Nord, à la peinture allemande, à la peinture suisse, euh, pour faire un, un bouquet. Et le bouquet bientôt n'aura plus besoin de son argument euh, comment, euh, allégorique pour pouvoir exister tout seul, que ce soit dans la peinture de Bruegel de velours ou dans une autre. Voilà, voilà. Donc le, comment dire, ce que vous avez pu voir, lire, ça, c'est sorti de ça. Naissance des genres, donc, euh, qui a été publié par le Musée d'art et d'histoire de Genève. Donc récapitulatif des lectures de ce soir, histoire de vous remettre en selle là-dedans, ce que les petites lectures qui peuvent vous intéresser qu'on a vu, évidemment, euh, chez Alia pour pas cher le Depictura de Alberti. Euh, collection les belles lettres voilà, pour prendre les fondamentaux hein, les euh, vité de Vasari le pendant euh, plus tardif flamand le dépictura veterum de Franciscus Junius et ça bah, je sais pas si vous pouvez choper ces trucs là c'est un peu compliqué je crois que les siècles d'or de la médecine euh, il est je ne sais pas s'il a été republié, c'est Electa qui faisait ça, mais peut-être vous pouvez le trouver en ligne pour pas cher sur, chez Amazon. C'est un des innombrables ouvrages assez beaux sur les prémices de l'histoire de l'anatomie, mais celui-là est très intéressant parce que le texte vous plonge quand même dans l'université de la médecine de Padoue à son origine et c'est assez passionnant. Euh, sinon, on a vu la collection Scala, chopez ça, que ce soit en grand format comme cela ou. Les compendiums en petit format qui réunissent la totalité des bouquins pour pas cher en petite version transportable. Ça, franchement, ce serait dommage de vous en priver. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que le yeah est associé à la Vierge Je ne crois pas, euh, Suze, que le yeah soit associé à la Vierge. C'est malin. Sur ce, je pense que ce live était quand même assez copieux. Je pense qu'on peut se quitter. C'est un live de 4 heures. D'habitude sur ces lives là qui sont quand même des lives un peu savants, je vous fais du 3 heures. On peut dire que là, je suis un peu naze. Euh, je vais vous envoyer chez euh, Philippe Maizetti. J'espère que j'ai le, parce que pour une fois qu'il est en live, on va y aller, que j'ai la... le bon nombre de tirés longs. Je crois qu'il y en a 3 à la fin. Si je me trompe, ça va pas marcher. J'espère que vous avez passé un bon moment. Euh, on a vu plein de belles images ensemble. J'espère que ça vous a plu. Je vous envoie là-bas, sur la chaîne MAP, qui est une super chaîne. Ça vous a plu bah, Écoute, j'en suis content. Et puis, soyez gentils. Est-ce que le raid a marché Je ne sais pas. Ça va dépendre de ma graphie. Identifiant non valible. Eh hey, merde. Ah, là, 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 là. Je ne sais pas combien de, la... de, 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 de tirelons longs il y a à la fin de, de la chaîne MAP. MAP underscore A, underscore P, et combien il y a d'underscore à la fin, fichier chier, j'essaye 4, allez, on essaye 4, c'est chiant, c'est non de chaîne à la con, le raid a été créé, ça marche, c'était 4 underscore voilà, c'était super, ben, écoutez, je suis ravi que ça vous ait plu, comportez-vous bien, c'est une chaîne très chouette, j'espère que vous allez y apprendre plein de choses, on y parle souvent d'art, donc oh, ça va pas tellement changer.